Bienvenue dans ce nouvel épisode de j'allais dire stéroïdes, putain, n'importe quoi, mec. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi qui vais présenter l'épisode aujourd'hui. C'est l'épisode 27 et je suis avec mes comparses habituels, Rafik Djoumi. Salut Steph. Salut Raph. Et Julien Dupuis. Bonjour Stéphane. Bonjour Rafik. Bonjour Rafik. Il m'a pas dit bonjour. Mais non, mais dites-vous bonjour entre vous comme ça d'un signe de la tête. N'embêtez pas les gens. Non, j'ai noté. Je t'ai pas vu, bien que tu sois assis en face de moi. Arrêtez d'embêter les gens, ça suffit. Pour commencer en fait cet épisode, avant de nous lancer dans le sujet, j'aimerais juste signaler, comme vous l'avez peut-être déjà vu, qu'on a lancé un Tipeee cette semaine. Enfin, cette semaine au moment où on enregistre. Et on voulait déjà tous vous remercier en fait, ouais, pour ceux qui ont participé, parce que c'est vraiment cool. Voilà, et puis une grosse marque de soutien pour nous qui faisons ça maintenant depuis alors le podcast ça fait 5 ans mais Capture ça existe depuis 8 ans, voilà. Donc beaucoup de témoignages d'affection qui nous montrent leur soutien. On a déjà atteint certains paliers, donc voilà, on est super contents, quoi. J'essaye de véhiculer ça avec ma voix. On est super contents. Et on enregistre le podcast maintenant avec le soutien entier et plein de tipeurs, quoi. C'est cool. Ouais, c'est cool, c'est clair. Voilà. J'ai encore un pantalon avec un trou aujourd'hui. Ouais. Je dois le scier, mais parce que voilà, je suis tombé, tout ça, machin. Mais ça, je vous jure. On va s'occuper de toi, Julien. Non, non, pas bientôt. Il a été obligé de ramener ses enfants ici parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est vrai, en plus, putain. Ils sont en train de faire des cookies à côté. Il faut le savoir, il faut que les gens maintenant qui payent, ils ont le droit quand même de connaître un petit peu les coulisses. Mais du coup, torture ton chat. Non, je pense pas. C'est mon chat qui les torture éventuellement. Ton chat qui s'appelle donc Kofi. Kofi. Voilà. Mais ça, les gens le savent. Hein. Ça, c'est connu maintenant. C'est carrément un personnage du podcast. Hein, elle apparaît dans Stéroïdes de temps en temps. Tu vois, voilà, comme elle ça, a même pas si partagé les gens le Tipeee sur son Twitter. Non, mais elle a participé. Elle a participé, d'accord. Voilà, ok, elle est une gamelle de croquettes. Voilà. Donc, sa gamelle de croquettes, c'est ta gamelle de croquettes. Ça suffit maintenant. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. En tout cas, bon, une seule adresse, si vous voulez nous soutenir là-dessus, c'est tipeee.com et c'est les mots-clés, c'est Capture Mag. Ou CA, pour moi. Hein, ouais. Capture-Mag. Voilà. Et on a une deuxième petite info très intéressante à partager cette semaine. Bah, on a dit qu'on partageait l'avis privé de Capture, ça y est, tu vois. J'ai peur. En fait, on a un nouveau membre de la famille Capture qui s'appelle Charlie. Mercier, oui. Voilà, qui vient de naître, qui est né à un jour près. Elle fête son anniversaire avec Capture Mag. Et donc, c'est la fille d'Alain. Alain à la technique, Alain Mercier. Voilà, Alain Mercier, on l'applaudit. Alors, magnifique, ça. Et la petite Charlie qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on va bientôt voir. Voilà. Et on l'a vue en photo. Voilà, on l'a vue en photo. Voilà. Elle est arrivée Au moment où on enregistre, hier. Voilà. Et Alain est là quand même au rendez-vous. Bon, il y a une sale tête. Hein. Ouais. Moi, je ne lui ai pas dit, je ne voulais pas l'inquiéter et tout. Non, mais il a dit, c'est pour les tipeurs, je viens. Il y a un vrai sens du sacrifice quand même. Voilà. Et comme vous avez certainement lu l'intitulé, le sujet du jour, c'est un sujet pas très habituel pour nous, hein, même si nous on adore à la base. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop penché sur la comédie encore, en fait, sur les réals de comédie avec Capture Mag. Mais pour cet épisode 27, on va parler des Zaz, donc les Zucker, Abraham Zucker, David Zucker, Jim Abrams, Jerry Zucker, le frère de l'autre. Mm. Et en fait, je me tourne vers toi, Rafik, pour que tu nous expliques un peu qui c'est-à-dire leur début, leur vie, leur background. Voilà. Bah, écoute, c'est des boomers, clairement, des enfants de l'après-guerre. Jerry est né le premier. C'est Jim Abrams est arrivé entre les deux, il me semble, et ensuite c'est David le plus jeune. Donc ils ont grandi tous les trois dans la ville de Sherwood, dans le Wisconsin. Ils ont fait les 400 coups durant leur enfance et se sont retrouvés tous les trois donc à l'université de Wisconsin-Madison. Et c'est là où leurs conneries successives les ont menés en fait à improviser des blagues de plus en plus élaborées, voire à utiliser les fonds gouvernementaux pour en faire certaines déjà, voilà. Notamment
Jim Abrams qui avait fait une réplique du buste de la Statue de la Liberté qu'il avait fait venir sur le lac gelé du Wisconsin pour faire croire à la population qu'en fait la statue avait émergé du lac avec le problème de distance, les gens comprenaient pas si c'était la vraie ou pas et ça avait coûté du vrai fric en fait, mais c'était le pognon de l'université qui était passé dans ces conneries là et donc du coup ils ont fondé ce trio qui est devenu une troupe de théâtre, le fameux Kentucky Fried Theater, qui les a fait monter ensuite à Los Angeles au tout début des années 70, où ils se sont produits sur la scène, on va dire indépendante. Et déjà dans leur spectacle, il y avait des petites conneries en vidéo, alors des trucs hyper cheap, hein, mais et avec des moyens vidéo hyper cheap eux-mêmes, voilà. Mais pour l'époque, c'est vrai que c'était en fait ils avaient une immédiateté dans la vidéo qui les aidait beaucoup en fait à élaborer en fait ces blagues. Ouais. Tout à fait. D'autant plus que leur humour est donc un humour de gamin qu'on grandit en fait devant le poste de télé des années 50-60. Donc ils étaient déjà complètement dans la construction de tout ce qu'ils voyaient, que ce soit les pubs, le journal télévisé et les films un peu, pas forcément les films cheap, mais en fait les codes en fait de la fiction tel qu'on peut le voir à la télé et notamment alors je sais plus lequel d'entre eux avait un magnétoscope, ce qui était encore une grosse bête, un truc très rare à l'époque, et enregistrait en fait la télé, parce que c'est en regardant donc les pubs et les journaux télévisés que leurs idées principalement leur venaient. C'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un humour de stoner, hein. Il faut imaginer les trois mecs affalés devant le canapé à regarder des trucs et à se faire des commentaires débiles, quoi. Et d'ailleurs ils se sont même mis en scène en faisant ce genre de choses dans des sketchs qu'ils vont faire plus tard, voilà. Pour situer vite pour les gens qui connaissent pas forcément cette partie-là de leur carrière. En fait, on peut clairement le dire, mais on va y venir quand on va parler de leur premier film, et on peut clairement dire qu'ils ont influencé énormément les nuls et les inconnus, à un point où ils ont carrément pompé des gags, littéralement, voire des concepts. Mais eux-mêmes, en fait, tout ça venait aussi de The Groove Tube, en fait. Oui. Enfin, t'avais peut-être en parler, de Ken Shapiro, qui était aussi une espèce d'amalgame comme ça, de sketch complètement décousu, et basé principalement, en fait, sur des parodies, et des parodies de tout, ça pouvait être des parodies de pub de l'époque, ça pouvait être des parodies de musique et ça pouvait être des parodies un peu plus centrées sur des productions télévisuelles ou cinématographiques. Oui. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'heure où on enregistre, ça fait deux jours que Carl Reiner nous a quittés. Et Carl Reiner était à la fin des années 60 un partenaire de Mel Brooks, et ils avaient déjà de leur côté aussi bien entamé cette résurgence du burlesque et de l'absurde qui pendant longtemps avait complètement disparu du cinéma. Mais il est évident que quand on arrive à un film comme Le Shérif est en prison, on est déjà dans une ère pré-Zaz avec des gags qui ne s'expliquent que par les jeux sur les codes, en fait. De voir un cow-boy dans le désert avec la musique à fond, et puis tout d'un coup, au détour du panneau de la caméra, t'as l'orchestre qui est en train de jouer la musique que t'entends. Bon, l'aspect absurde, en fait, éventuellement aussi de leur humour qui va ressortir tout et à qui fait. Va quand même aussi baliser le terrain, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à comprendre et à transmettre en fait en termes d'humour. Ouais. Je le cite parce que j'ai l'impression que Carl Reiner du coup s'est retenu dans sa carrière future, fin des années 70, début des années 80, d'aller sur un terrain qui était pourtant déjà le sien. Il va faire dans les années 90 un film qui s'appelle Fatal Games et qui est très Fatal Instinct, pardon, merci, et qui est très Zaz, en fait. Mais c'est clairement alors que c'était pas du tout le genre de film en tout cas qu'il faisait, qu'il a fait connaître. Mais c'était l'humour pour lequel il s'était fait connaître dans ses sketchs avec Mel Brooks déjà, en fait. C'est humour justement absurde. Disons que Carl Reiner, on va dire que, par exemple, quand il faisait... Parce que Fatal Instinct, pour resituer, on va faire ça très vite parce que c'est pas du tout dans le... On n'est pas dans la chronologie, là. Mais c'est vraiment une parodie à la Basic Instinct, c'est ce genre de choses. Et en gros, il le traite comme les As ont pu traiter ce genre tout de parodie. Ça, on va en parler plus tard. Et le truc, c'est que il y a aussi une parodie de film noir là-dedans, mais par exemple, quand
Reiner faisait ses propres parodies de films noirs, c'était Le Cadavre ne porte pas de costard, et c'était complètement différent. C'était un concept, quoi, ouais, voilà. C'était plus concept. Mais je veux dire, par là, il y a une familiarité, on va dire, évidente, et surtout quelque chose qui se produit à la fin des années 60, début des années 70, justement autour d'une culture de plus en plus audiovisuelle. Et les As, ils s'inscrivent complètement. C'est l'émergence des movie brats, ce qu'on appelait les gamins qui parce qu'ils allaient beaucoup au cinéma, qui regardaient beaucoup de films, étaient nourris à ça, et c'est à travers ça, en fait, et c'est là-dessus, en fait, qu'ils ont commencé à créer leur œuvre. Tout à fait. Donc, ils se produisent au Pico Boulevard, qui est un petit théâtre de Los Angeles, qui, je crois, apparaît dans Kentucky Fried Movie, là où quand le mec va au cinéma. Et ils ont des titres de spectacle les plus débiles possibles. Ils donnent les titres des spectacles avec l'espoir que ça fera un gag dans le journal quand s'ils parlent d'eux. David Zucker dit qu'ils appelaient par exemple le spectacle My Nose, de façon à ce qu'ils puissent lire dans le journal My Nose Runs Continuously. si le show dure, tu vois, c'est genre mon nez continue de courir, quoi, tu vois. De couler, en l'occurrence, pour parler d'adaptation en français. Ils ont déjà des velléités de passer au cinéma. En fait, cette découverte de la vidéo, c'est vraiment une révélation pour eux. Ils se rendent compte que c'est là, en fait, que leur humour et que les gags auxquels ils aspirent, en fait, peuvent plus facilement s'exprimer. Quoi. Et en fait, ils testent aussi ces gags-là sur leur public. Du coup, ils refont la vidéo pour les spectacles suivants. C'est vrai que les publics sont à la fois en live et en même temps, il y a une partie vidéo. Tout à fait. De production. On peut voir quelques trucs sur internet. Si on tape sur YouTube Kentucky Fried Theater, on voit un ou deux spectacles qu'ils ont regardé. C'est tellement une mauvaise qualité. Mais qui sont passés dans des Tonight Show, des trucs comme ça, des années 70, quoi. Donc, pour l'archive. Ouais, il découvre dans un article du LA Times l'existence donc d'un jeune homme qui s'appelle John Landis, qui vient de sortir un film qui s'appelle Schlock. Chef-d'œuvre, là, un des grands moments de ça. Et puis il le voit dans un Tonight Show. Exactement. Et donc voilà, il le guette et effectivement il le voit au Tonight Show. Il a à peine la vingtaine et donc il est invité d'ailleurs au Tonight Show, non pas en tant que réalisateur parce que c'était pas l'habitude de l'émission, mais en tant que prodige qui vient de faire un film. C'est hyper rare. C'est hyper rare. On est donc en 72, donc 72, et c'est complètement inédit de voir débouler comme ça dans le monde de la comédie un mec qui fait un film pour un budget aussi dérisoire, qui est aussi donc quelqu'un qui a été grandi dans cet amour délirant de la télévision, enfin donc voilà. Ouais, puis Landis, c'est un parcours particulier, c'est un mec qui a été cascadeur à l'âge de 15 ans, en fait c'est un type qui est un gros fan de cinéma d'exploitation, et en fait Schlock a été un peu conçu dans cette logique là même si c'est une comédie en fait. Donc il y a c'est vraiment un personnage qui a son propre univers, et je pense que en fait c'est moi j'ai tendance à le voir, mais c'est pas un épisode sur lui, voilà, mais en fait j'ai tendance à le voir comme une version moins évoluée de Joe Dante, en fait, en tout cas cinématographiquement parlant, mais moi je maintiens une certaine sympathie pour lui. Mais qui en tout cas revendique dès le départ donc ça le fait d'avoir grandi devant un poste de télé, il en fera dans les années 90 carrément une série, qui est Dream On, qui sera entièrement basée finalement sur ce rapport très très charnel et intime à la télévision et à ses programmes. Et donc ils sont impressionnés par ça et ils vont tenter de s'en rapprocher. Et c'est donc avec Robert Kawais qui va faire le lien, parce que Robert Kawais, donc producteur de John Landis, connaît la scène théâtrale de Los Angeles, donc il connaît le directeur du théâtre où il y a les As qui se produisent. C'est lors d'un jeu de basket, je crois, que finalement il lui dit, voilà, j'ai ces mecs qui veulent faire un film, est-ce qu'ils peuvent rencontrer ton gars. Kawais, à l'époque, il s'est fait la main dans le film institutionnel. Et c'est, ça a soit petite importance parce que ça fait aussi partie des choses qui sont régulièrement parodiées par les As, des Hamburger Film Sandwich et que John Landis s'amuse à parodier également. Le côté un peu coincé du l'oxyde de zinc. Le fameux oxyde de zinc.
Sauf que ils vont rencontrer Landis et ils ont absolument rien à lui montrer en fait. Alors ils ont déjà écrit Airplane en fait, ouais, à l'époque. Mais c'est pas du tout le Airplane qu'on connaît. La première rencontre, ils ont absolument rien à lui remettre en fait. Et Landis leur dit, mais vous savez, enfin, ils veulent déjà faire Airplane. En fait, mais ils veulent faire. Et c'est là que Landis leur donne le scénario en fait du Loup-garou de Londres. Donc il leur prête le script du Loup-garou de Londres de façon à ce qu'ils puissent voir comment s'écrit un script. Donc effectivement, ils ont déjà eu l'idée de Airplane, qui à l'époque s'appelle Kentucky Fried Airplane, donc qui est quelque chose qui est venu donc de leur session d'enregistrement. Où ils avaient accidentellement enregistré un film qui s'appelait Zero Hour, hein, qui était un film de 1957 avec Dana Andrews et Sterling Hayden, un film catastrophe en noir et blanc, qui se passe dans un avion avec une histoire de passagers et de pilotes contaminés par le poisson. Enfin, en gros, vraiment c'est la même histoire. Mais on va en parler. Comme évidemment, ils ont fait ce qu'ils faisaient habituellement, c'est-à-dire stonner devant la télé, sortir tous les gags et toutes les parodies possibles et imaginables, et donc noter tout ce qui les faisait hurler de rire, ils se retrouvent avec la structure très exacte de Zero Hour, et Landis leur dit, vous savez, il y a une différence entre l'hommage et le plagiat, donc il les décourage d'emblée de se lancer dans cette aventure. Et du coup, il leur conseille donc de plutôt taper dans le film. Le film à sketch, puisqu'ils ont déjà prouvé qu'ils savaient écrire des sketchs, et puis surtout, il y en a certains qui ont été testés déjà sur des publics, et on sait que c'est drôle. Alors ce film, c'est Kentucky Fried Movie. Say, have you seen the carioca? It's not a foxtrot or a polka. C'est un film qui sort en 1977. Voilà, 5 ans pour trouver le financement, ça a quand même été long, il faut le signaler. Ils n'ont jamais eu autant de mal finalement à monter un budget, même s'il est dérisoire au départ, puisque le budget final du film, c'est 650 000 dollars, mais il faut quand même les trouver. Le premier investisseur, je crois que c'est pas un dentiste, mais c'est enfin un mec qui avait rien à voir avec l'affaire. Comme certains films se faisaient à l'époque, effectivement. Leur dit que leur demande en fait de lui faire une démo de sketch qui pense être drôle et de les tourner eux-mêmes, et donc ils mettent carrément de leur poche 30 000 dollars pour enregistrer avec John Landis et avec l'équipe de Landis des sketchs qui seront tels quels utilisés tels quels dans le film, qui sont donc Scott Free, la parodie sur Kennedy, l'assassinat de Kennedy en version jeu de société, Cleopatra Schwartz, et The Wonderful World of Sex, le fameux sketch dans lequel apparaît l'exceptionnel Big Jim Slade. On va un petit peu en parler. Alors en français, pour ceux qui parce qu'il faut qu'on cite quand même un peu les titres français, parce que c'est pareil, c'est quand même de la comédie américaine, c'est quand même un peu particulier et c'est connu souvent avec les traductions. C'est Hamburger Film Sandwich, parce que Kentucky Fried Movie, donc c'est Kentucky Fried Chicken, hein, évidemment, et ça KFC, pas, et le KFC, ça n'existait pas encore en France à l'époque, donc il a fallu adapter, et bon, on est passé directement à Hamburger, quoi. Qui est pas mal comme titre français, puisque l'idée du Hamburger, c'est que c'est un truc qui est empilé, donc l'idée du sandwich, c'est-à-dire d'un composant, donc la notion de film à sketch, elle est à peu près évidente par rapport au titre français. Et puis bien sûr, il y a l'aspect fast-food, de quelque chose de jetable, puisque ça fait, de toute façon, ça se base sur l'idée d'une culture populaire et jetable, hein, toutes les références qu'il y a là-dedans. Néanmoins, ce gars qui leur a conseillé de faire cette bande démo, une fois qu'il la voit, en fait, il se casse, quoi. Il leur dit non, c'est pas... I'm out of here. il en veut pas. Donc, ils repartent à la charge. Et en fait, ils vont tester ces sketchs bien filmés, parce que pour une fois, ils ont quelque chose de bien filmé, sur les publics. Et notamment, le public d'une salle indépendante de cinéma qui s'appelle le New Art Theater, où les réactions sont délirantes. Et le tenancier du New Art Theater, c'est un gars qui s'appelle Kim Jorgensen, et il se marre tellement, et surtout il voit le public réagir au truc, qui demande, mais vous croyez que moi je peux être producteur? Ils ont pas le choix, ils font, bah ouais, si tu veux, quoi. Et c'est lui qui, en fait, va, avec des collègues de San Francisco, leur monter le budget de 650 000 dollars qui permettra de faire le film. Alors, Hamburger Film Sandwich, film à sketch.
tu l'as dit. Alors, encore une fois, pour situer un petit peu pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment en fait le blueprint, hein, j'ai envie de dire, la source d'inspiration totale de TVN 595. Oui. Pour ceux qui connaissent cette émission spéciale des nuls, qui était en fait reprenait une journée sur la télé française, en l'occurrence, hein, dans TVN 590. Là, c'est un peu la même chose avec la télé américaine, mm-hmm. si ce n'est qu'ils sortent un petit peu de leur... parfois de certains trucs, par exemple le sketch en Touchorama. Alors, ce qu'il faut dire qu'il y a une VF absolument dantesque, hein, ouais. Hamburger Film Sandwich, quoi. Et donc, en fait, le sketch en Touchorama, c'est un truc qui sort un petit peu du cadre de ce qu'on pourrait voir, enfin, de la parodie de la télé. Même si après, à côté de ça, t'as le journal télévisé, t'as les annonces, t'as des pubs, les speakerines qui régulièrement annoncent les programmes et se font buter par c'est une plage, voilà, qui est littéralement repris, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mmh. Et t'as un film au milieu, une parodie de film pour une poignée de yens, pour voilà. une poignée de yens, qui est une parodie des films de Bruce Lee d'Opération Dragon, Bruce Lee qui était déjà décédé donc à l'époque. Et là en fait là-dessus il y a un espèce de litige sur le film parce que en fait c'est un film qui est aussi écrit par John Landis, certains sketchs en tout cas. Et apparemment selon lui, il prétend en fait que les As ont carrément viré son nom du générique ou qu'en fait ils sont littéralement réapproprié le truc en tout cas en matière écrite. On va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Landis les porte pas du tout dans son cœur et ils retravailleront d'ailleurs plus du tout ensemble. Quoi. Nous, je sais pas si tu te souviens quand on l'avait interviewé, Landis, il mâchait pas ses mots. En fait, il était très très vénère encore contre les As et voilà, il manque pas une occasion en fait de dire qu'ils l'ont spolié en fait et qu'ils l'ont volé. Et ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que dans Hamburger Film Sandwich, même si tu retrouves déjà, on germe beaucoup, beaucoup de choses qu'on va retrouver ultérieurement dans les productions des As, il y a quand même une touche de John Landis qui me semble totalement évidente. Par exemple, sur le sketch sur les morts, je pense notamment à celui-là. Oui. Ça, c'est cet humour un peu morbide et un peu. Tu sais pas si tu dois être hyper mal à l'aise ou rigoler et tout. Ça, c'est un truc complètement Landis. Avec en plus Henry Gibson, qui est un de ses comédiens fétiches. Exactement, ouais. Et que tu retrouveras plus du tout. Ultérieurement. Et de la même façon, l'arrivée du singe, en fait, du gorille sur le plateau de télévision, ça, c'est une idée que Landis, il a montée avec Rick Baker, qui joue le gorille, en fait, dans cette scène-là, qui sortait du tournage cauchemardesque du King Kong de John Guillermin. Et d'ailleurs, le gorille qui est donc interprété par Rick Baker avec un vieux costume de gorille que Rick Baker travaillait, enfin sur lequel il travaillait depuis qu'il vivait chez ses parents depuis qu'il était adolescent, s'appelle Dino, donc en hommage à Dino De Laurentiis, qui est un des tortionnaires, le producteur de King Kong et un des tortionnaires de Rick Baker. Donc tout ça, on sent, c'est indéniable en fait que ça vient de John Landis. Oui, et puis même pour une poignée de yens, c'est une évidence aussi. Il y a plein c'est de clair. Gags, voilà. Et il y a notamment, alors la VF est super étrange d'ailleurs sur ce sketch-là en particulier. C'est qu'ils retirent des références que visuelles en fait au Magicien d'Oz parce qu'en fait ils estiment que le public français ne connaissait pas à l'époque et du coup tu te retrouves avec au lieu de c'est quoi c'est le... J'irai revoir Manormandie ouais. Voilà et il y a ça et à la place de I want to, ouais, voilà et en fait le mec lui dit on va t'envoyer c'était où à Etretat ou je sais pas ouais, c'est ça. Etretat. T'as plein de trucs comme ça en fait complètement qui du coup moi je trouve rendre la VF assez savoureuse. Oui, quand on est de culture française évidemment on rigole de certaines conneries un peu décalées parce que justement elles sont décalées. Tu t'attends pas à voir un film américain avec effectivement un mec qui gueule surtout ne m'envoyez pas à Etretat avec un accent américain un faux accent américain quoi. Mais ça ce sketch là pour une poignée de yens il leur a été un peu reproché parce qu'il considérait qu'il cassait le rythme du film. En fait, dans un film à sketch, le public prend l'habitude justement d'avoir un renouvellement constant, etc. Et là, je ne sais plus combien il fait, 25 minutes. Ça cassait un peu le truc. Et ça, c'est des trucs à la Landis, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Landis, c'est toujours un cinéaste qui, à défaut de dire qu'il manquait de rythme, on va dire qu'il prenait son temps, en fait, dans certains gags. Il a fait des films qui traînent quand même un petit peu en longueur. Certes. Néanmoins, je pense que c'est aussi issu du côté un peu hybride en fait. C'est un film qui est. C'est un travail, presque un work in progress en fait. Un Burger Film Sandwich. Hein. C'est un truc qui est, où tu sens que c'est plein de gens qui sont en devenir en fait là-dedans. Quoi. Tout à fait. Ils ont quand même, sur le film, ils sont quand même parvenus à avoir deux têtes d'affiche dans des rôles absolument insignifiants, ce qui est, je trouve, tout à l'honneur de leur humour particulier. Je pense notamment à.
une parodie de Armageddon, enfin d'un film qui s'appelle Armageddon, avec comment il s'appelle Donald Sutherland, qui dans a le qui rôle a, du serveur qui a, maladroit, voilà, qui à l'époque, qui est génial, qui à l'époque est, une, est une star, hein, c'est une star dans les 70s. Mais ça c'est grâce à Landis, hein, je pense. Hein. Ouais. Parce que Landis, il l'avait déjà croisé. Qui joue le rôle du serveur maladroit et il a deux plans dans la bande-annonce. Il se prend une tarte à la crème. Et mais c'est un super gag. Parce qu'en fait, il continue à se casser la gueule, en fait. Donc, ouais, c'est. Alors, évidemment. Un humour qui est un humour des années 70, c'est-à-dire pas forcément dans les totalement acceptable d'aujourd'hui. Je pense notamment à ce sketch que les Inconnus ont repris tel quel, qui parodie tous les cascadeurs, les trucs de danger, de mise en danger de soi de cette époque-là, qui étaient des gens très médiatisés. Donc le mec met son costume de cascadeur et en fait sa cascade, c'est qu'il va au milieu d'un groupe d'Afro-Américains et leur gueule. Alors, j'ai plus la. Niggers, c'est ça. Niggers, comme ça. En français, c'était plus long, en fait. Ouais, je sais plus comment c'est en français. Ouais. Pour le coup, je connais très bien la VF, mais. Rentrer chez vous. Non, ça, c'était les Inconnus. Ouais, les Inconnus l'ont repris avec effectivement. On va préciser que c'est Alain Mercier à la technique qui a outrepassé son rôle. Pour les gars racistes, on se tourne toujours vers Alain. Mais c'est embarrassant. Enfin, quand t'as connu d'abord les Inconnus puis que tu découvres ça après, tu dis waouh, c'est chaud. Quand même. Ouais. Tu veux dire pour les Inconnus? Oui, pour les Inconnus, évidemment. C'est littéralement la même chose. Parce que j'allais dire, en fait, cet humour-là, pour le coup, les As, en fait, vont vraiment beaucoup l'utiliser. Alors, différemment à chaque fois. Mais des blagues raciales, il y en a énormément. Exactement. En fait, dans leur carrière, on va en parler. Et c'est le témoignage aussi d'un humour, pour le coup, vraiment juif, libéral, citadin des années 70, très agressif, et à l'époque, en tout cas, contre-culturel. Le sketch de Big Jim Slade, alors on recontextualise parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est difficile en fait d'en parler par podcast en fait pour donner vraiment envie aux gens, mais c'est une vidéo éducationnelle. Sur les joies du sexe avec un couple de noirs qui lance un vinyle et qui parce que ils sont puceaux et du coup le vinyle leur explique avec comme une voix on avait dans les années 70 genre de truc une voix très suave comment en fait s'occuper de sa partenaire et donc en fait avec une façon de là, vous prenez délicatement sa main et vous l'embrassez en lui susurrant dans les oreilles et donc en fait c'est assez drôle déjà en soi parce que tu vois que le mec il est complètement à la masse, il sait pas quoi faire en fait. Et en fait, ça se termine. Une éjaculation précoce. Et à ce moment-là, le vinyle sort un peu de son rôle et dit, en gros, enfin, la voix off en fait sur le truc dit, et si vous êtes, cas d'un petit accident, etc., ce programme est livré avec Big Jim Slade. Et là, tu vois le mec, un gros black qui défonce la super porte. Super musclé. Voilà, sur une musique traditionnelle. Sur Evenu Shalom Alechem. Voilà. Ouais. Et qui repart avec la nana. c'est hilarant, quoi, mais c'est complètement... Ah, c'est à se pisser dessus, c'est clair. Mais c'est un humour contre-culturel à l'époque, parce qu'en fait, ils se sont pas, dans leur carrière, mais se sont tenu éloigné de toute idée politique, parce que dans la comédie des 70s, c'est une comédie qui se veut impliquer, hein, ce qui n'est pas le cas. Engagés, eux veulent pas jouer ce jeu-là. Mais le simple fait qu'ils soient dans cette contre-culture, qu'ils soient vraiment des purs produits de cette génération d'après-guerre qui a pas les valeurs en fait de l'Amérique à papa, quoi. On sort de la fin des années 60, il s'est passé quelque chose dans ce pays, donc ils sont quand même eux-mêmes, ils se qualifiaient, Jerry Zucker, il dit on est des anarchistes, quoi. Il se qualifiait d'anarchiste. Ouais. Ça a bien changé. Hein, on en parlera après. C'est une histoire de désaveu. Mais pour boucler, alors vite fait, tu parlais de comédie de stoner, mais c'est marrant parce qu'il y a en fait aussi des notions où ils reprennent un petit peu ça. Il y a un sketch notamment inversé, c'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui fument, mais les gens qui regardent la télé, et du coup, d'un seul coup, ils sont en train de faire l'amour devant la télé, devant le programme, je crois, devant la... le journal télévisé, et d'un seul coup les gens qui sont dans la télé les regardent, les voient et s'excitent tous ensemble à l'idée que c'est-à-dire ils sont à fond avec le mec quand il va avoir un orgasme ou la nana et tout, et donc du coup en fait t'as un espèce de rapport à comment ils se sont posé la question de, en fait je suis sûr que c'est un truc où ils ont fumé et ils se sont dit putain, et si c'était le mec qui nous voyait au lieu qu'on le regarde nous, tu vois, et en fait d'un seul coup ils ont créé ce sketch complètement con, mais en même temps
qui brise quelque part en fait une forme de quatrième mur, dans le sens où bah voilà, dans la comédie c'était pas forcément courant d'avoir ce genre de faire comprendre ce genre de truc quoi. Et en tout cas là aussi on voit en germe quelque chose qui vont faire fructifier par la suite en tout cas. Et on est à une époque aussi pré-vidéo, je disais tout à l'heure, avoir un magnétoscope c'était vraiment exceptionnel, dans lequel tu vas voir en salle un film où la télévision est la star et la reine en fait, et où les références télévisuelles sont plus en évidence que les références cinématographiques. Il y a effectivement des bandes annonces de films dedans. On parlait tout à l'heure de Armageddon, mais il y a aussi Lycéenne catholique en chaleur, puisque c'était quand même l'époque où le porno cartonnait, avec des plans comme on n'oserait plus jamais. Moi, il y a ce truc qui est absolument quand ils disent. En fait, ils font un cumul de mots-clés, c'est-à-dire à un moment donné, pour vendre le truc en disant choquant, pervers, etc., etc. Et puis, t'as pervers, en fait, t'as une tarte à la crème sur une fesse de nana, tu vois. Et plus tard, en fait, ils utilisent un mot encore plus malsain, tu vois. Et puis là, tu as une paire de fesses de cheval et en fait, ils mettent une tarte à la crème dessus. C'est complètement absurde, mais c'est. Voilà, c'est. Jamais la beauté de l'acte sexuel n'avait été représentée de façon aussi dégueulasse. Voilà, non mais et encore une fois la VF quoi, si ça mérite de jeter un œil sur la VF si vous aimez bien les VF de cette époque là quoi. Et ça va dans les années suivantes, c'est il y a une génération de gamins qui va grandir devant ce film là. Nous en France voilà, Hamburger Film Sandwich, c'est un pur produit de Vidéoclub. C'est une cassette qui a beaucoup tourné chez les ados, il y a parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, et effectivement dans une ère pré-nulle justement, découvrir un truc comme ça c'était de l'ordre de l'OVNI, parce que c'était un film qui comprenait vraiment pour le coup la génération des années 80, tout en lui offrant, comme on vient de le souligner avec Lycéenne catholique en chaleur, quelques petits frissons et moi adolescent, parce qu'il y a du boobs hein, dans Burger King Sandwich, c'est les 70s, on y va gaiement. Voilà, c'est des gags de Ro, de P, et un humour donc de déconstruction qui est quelque chose d'un peu avant-gardiste au moment où le film sort en 1977. Ça va être un carton, il va rapporter plus de 10 fois sa mise, hein, il va rapporter 7,1 millions de dollars, ce qui, à l'époque, est une somme colossale, surtout pour un film indépendant. Quoi. Aussi petit, quoi, qui passe autant sous les radars. Bah, je me tourne vers toi, Julien, pour lancer... Y a-t-il un flic ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Donc on a déjà commencé à poser les bases en fait de la genèse en fait de ce film en fait qui va les révéler au monde entier en fait, qui va les imposer définitivement comme les nouveaux maîtres de la comédie, et donc le fait qu'il y avait cette idée de parodier Zero Hour qui était en germe là juste avant cette collaboration avec John Landis, qui donc manifestement ne s'est pas complètement correctement bien terminé, mais je pense qu'en même temps John Landis il avait d'autres aspirations, il avait et puis il était sur une autre école aussi, c'est-à-dire qu'en fait à l'époque les cartons atomiques au cinéma c'était déjà des comédies en termes de comédie, c'était les comédies de John Landis hein, entre la sortie de Hamburger Film Sandwich et Tiens pilote dans l'avion. Et notamment, en fait, c'est l'école National Lampoon's. Donc, en fait, là, en France, c'était American College, je crois. Et bon, après, les Blues Brothers. Mais c'est un autre... Enfin, c'est pas un autre type d'humour, mais c'est associé à une autre école du rire, en fait. C'est ça. Et c'est en tout cas plus narratif. Et c'est surtout basé sur le comédien humoristique. Ce qui va être un des grands, grands débats, en fait, de Airplane, en fait. Donc... eux, en fait, les As se basent donc sur ce film assez obscur, et leur première aspiration, en fait, c'est tout en tenant compte en fait de ce que leur a enseigné en fait John Landis, notamment en leur passant ce scénario qui aura donc décidément beaucoup beaucoup tourné de An American Werewolf in London. Ah oui. Du Loup-garou de Londres, et tout en se basant là-dessus, donc ils vont construire un récit parodique de Zero Hour qui à l'époque et littéralement parodique, c'est-à-dire que non seulement ça reprend ils continuent à reprendre la structure en fait du film original, mais eux ils veulent le tourner en noir et blanc avec un avion à hélice comme c'était le cas dans le film, et c'est comme ça qu'ils essayent en fait, qu'ils commencent à démarcher tous les studios, ils se prennent des tanches un peu partout en fait.
On va voir en fait de toute façon que Airplane, dans la comédie, c'est un peu l'histoire de Star Wars. C'est-à-dire, c'est un film qui s'est fait contre. C'est un film qui n'était pas attendu et c'est un film qui a malgré tout profondément changé la donne en fait à Hollywood. Et donc le film est finalement accepté par Michael Eisner qui est à la tête de Paramount, enfin qui s'occupe des productions à Paramount à l'époque, pour une simple et bonne raison en fait. C'est que bon, déjà je pense qu'il y a le succès de leur précédent film n'est pas non plus tombé complètement dans l'oreille d'un sourd, mais aussi et surtout parce que Michael Eisner se dit « Ah ben, une comédie dans un avion, ça n'a pas coûté cher. » Donc c'est bon en fait, on peut y aller et on peut lancer ça. Mais il leur impose déjà plusieurs choses, et la première chose c'est de surfer en fait sur la vague des films catastrophes. Actuel, ouais, Airport. Airport, tous ces trucs-là, c'est-à-dire de moderniser le côté parodique pour parler au public tout simplement de l'époque, puisque à l'époque de la mise en chantier de Airplane, eh ben, tous ces films catastrophes qui ont été les blockbusters des années 70, vraiment, hein, toutes les productions Irwin Allen et tout, arrivent à la fin, en fait, sont complètement essoufflés, ouais. S'épuisent, et il est temps, en fait, de les parodier. Les gens ont totalement intégré les codes, s'en sont lassés, et donc sont prêts à moquer les codes pour vraiment finir d'enterrer. Et d'ailleurs, en fait, pour asseoir cette logique-là, c'est pas seulement que les films catastrophes, même si c'est principalement là, mais en fait le premier gag du film, hein, littéralement, c'est une parodie de Des Dents de la Mer. Mmh. Oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement des parodies. Il y a ça et il y a La Fièvre du Samedi Soir aussi, oui, ouais. qui est parodié. Après, le truc, c'est que Airplane, c'est encore une fois un film c'est une comédie qui se passe dans un avion. C'est un film qui a été tourné pour très peu d'argent. Je crois que c'est 3 millions de dollars, ce qui est pour une production d'un préciser que c'est ils réalisent à trois en fait, oui, c'est-à-dire vraiment déjà, ouais. C'est eux en fait qui vont réaliser ce film, c'est leur première réal, voilà. Et en fait ils vont le réaliser vraiment à trois parce qu'ils manquaient de courage en fait, ouais. Ils vont réaliser ça sur deux trois films ensemble après ils vont prendre c'est un hydre à trois têtes, hein. Voilà, ouais. Mais ils sont obligés aussi de faire ça pour affronter en fait toutes les tempêtes qui les attendent, parce que c'est pas un tournage forcément paisible en fait. Et donc ce côté, moi c'est ce que j'aime aussi beaucoup en fait dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est que ce côté petit budget, contrainte de temps, d'espace, on fait presque un film conceptuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une cabine d'avion qui est en plus réduite, mais alors c'est littéralement, je crois qu'il doit avoir 5-6 sièges, hein, pas beau, enfin un peu plus, une dizaine, ensemble de 5-6 sièges, ouais, quoi, ouais. C'est-à-dire que t'as 4 sièges, t'en as 2 en amorce, mais tu vois jamais en fait la cabine en entier, quoi. Ils ont même pas les moyens. Si, dans les scènes de panique, parce que ouais, mais c'est même là en fait, ouais. Tu es à la moitié en fait, ouais, la carlingue, ouais, de l'avion, ouais, si, ouais, tu réfléchis, ouais, quoi, tu vois, dans le truc, et le truc c'est de savoir combien de gags en fait tu peux faire rentrer dans cet espace qui est hyper contraignant en fait, hein. Tu vois, t'as les personnages qui sont assis, ils peuvent donc pas trop bouger, tu peux pas faire vraiment rentrer d'éléments extérieurs, ou alors si tu fais rentrer un élément extérieur, ben c'est un gag en soi, ça fait partie du gag en soi. Tu travailles le même type de personnage aussi à chaque fois, parce que t'as les passagers et finalement tu peux pas vraiment faire intervenir de nouveaux passagers à mesure que le film arrive. Et moi j'aime beaucoup en fait tout ce qu'ils font à côté sur le tant qu'il y aura des hommes ou donc La Fête du Samedi Soir et tout, mais finalement c'est annexe et c'est pas ce qui est plus fort en fait dans le mais dans c'est le mieux film. c'est mieux géré, je trouve, que certains trucs ils vont tenter justement plus tard où ils y arriveront beaucoup moins, je trouve. Ces parodies là elles sont finalement assez salvatrices mine de rien aussi, parce qu'elles ont une respiration, mais je pense que c'est parce que c'est des films avec lesquels ils ont vécu, ils ont grandi, qu'ils ont vécu en tant que spectateurs, et souvent qu'ils ont aimé. C'est-à-dire que je pense qu'ils aiment vraiment. Je pense qu'il y aura des hommes, et je pense qu'ils ont un attachement particulier, même à Zero Hour, qui les a fait beaucoup rigoler. Mais c'est le type de truc avec lequel ils ont grandi. Et les parodies qui viendront ensuite, par contre, c'est des choses qu'ils regardent vraiment de l'extérieur, et ça se sent. Non, mais Zero Hour, ils en parlent comme d'un film perfectionné, comme quelque chose de bien écrit, de bien fait. Aussi, s'ils sont apparus cette structure, c'est parce qu'elle était limpide, et ça je pense que c'est un truc important aussi dans leur type de comédie, c'est que Mel Brooks, donc on l'a dit tout à l'heure, est déjà passé par là, mais les Mel Brooks, chaque gag dans
chez Mel Brooks, à l'époque du moins, fonctionne vraiment sur les trois temps habituels, quoi, de mise en place, développement et payoff. Et il n'y a rien qui vient bousculer le gag au moment où il est en train de se dérouler. Mmh. Ce qui donne un rythme, aujourd'hui, qui peut paraître assez lent. Frankenstein Junior, que moi je considère être un chef-d'œuvre, le public actuel, enfin le jeune actuel, trouvera que c'est un film plutôt lent. Airplane, c'est une mitraillette à gag. Et en fait, même s'il y a encore ce système à la Mel Brooks de développement d'un gag sur la durée, pendant le développement, il va y avoir des tas de trucs complètement abscons qui vont s'abattre en arrière-plan, en avant-plan, dans les dialogues. Ça vient dans lecture de Mad Magazine, ça aussi, je pense. Oui. C'est-à-dire, c'est une référence dont on avait déjà parlé dans Capture à l'époque de 1941, mais où t'avais, il y a ça littéralement, en fait, surtout chez les As, en fait, où t'avais ces cases parfois où le mec te bourrait de gags, mais ras la gueule. Enfin, fond, jusqu'au bout, hein. au bout de la case, en fait. Et eux, ils vont travailler ça à fond, en fait. C'est-à-dire que un truc, par exemple, qu'ils vont travailler énormément à travers toute leur filmographie, ce sont ces mini plans séquences. Alors, ça peut être juste un travelling, hein. Mais sur le travelling, t'as un gag qui se passe avec un dialogue souvent en avant-plan, et puis au second plan, t'as un autre gag avec un autre truc qui suit, et tout au fond, t'as encore un autre gag qui arrive. Et parfois, t'en as encore d'autres qui surviennent à l'intérieur de l'image. Et du coup, effectivement, t'as une espèce d'impression de densité et d'abattage où, au bout d'un moment, tu déposes les armes, quoi. T'es obligé de d'éclater de rire parce qu'il t'attaque, il t'assaille tellement d'angles, en fait. Que tu résistes plus, en fait, au bout d'un moment. Tout à fait. Et ce qui est très important à ce niveau-là, c'est la lisibilité, l'effort de lisibilité, d'écriture et de mise en scène. Et c'est là où, quand même, quoi qu'on le dise, John Landis leur a été utile, parce que même c'est un réalisateur, on va dire limité, c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner la comédie à l'image, du moins à l'époque, et ils ont appris, hein, sur Film Sandwich. Mais c'est ce qu'ils disaient, Landis, moi je leur ai tout appris, hein. Ils savaient pas du tout ce qu'était un champ contre champ, ils avaient aucune idée de ce qu'était un master shot, rien, quoi. Et donc quand la différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus, ils maîtrisent, en tout cas à cette époque-là, ils maîtrisaient, je trouve, beaucoup plus justement le cadre et la façon de jouer sur les gags que Landis, quoi, derrière. C'était plus le rythme, je pense, qui l'est sauvé. Mais en termes de lisibilité, justement, il y a une importance de la lisibilité visuelle, justement, comme le disait Julien, quand t'as des trucs qui se passent sur trois plans, dans une profondeur de champ, t'as vraiment intérêt à bien préparer ton cadre, quoi. Il faut pas oublier que, contrairement à l'Andis, ils ont l'expérience d'un public live. Et pas juste sur deux, trois spectacles, depuis longtemps, quoi. Et je pense que ça aussi, dans leur début, en tout cas, ça les a profondément nourris. C'est-à-dire que je pense que quand tu travailles aussi jeune, en plus, face à un public live et que tu cherches le rire, tu cherches à les choper comme ça, t'en retiens viscéralement, j'ai envie de dire, quelque chose de profondément dynamique, en fait, dans ta façon de nourrir l'humour. Et enfin, il y a la question du jeu des comédiens. Alors, ça, c'est une des grandes idées qu'ils ont. Quoi. Alors, ça, c'est le gros truc, en fait, de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et c'est la grande source de conflit avec tout le monde, basiquement. Les studios au premier chef, mais aussi les comédiens eux-mêmes. C'est-à-dire que le truc des As, c'est qu'ils disent, dès le début, ils disent, nous, on veut pas que ce soit joué, interprété et casté comme si c'était une comédie. Pour nous, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit fait au premier degré. Et du coup, le studio ne comprend même pas ça, en fait. Ils ne comprennent même pas qu'on n'aille pas chercher l'homme de Louise ou je crois qu'il est question de Lennon aussi à un moment pour en fait tous les mecs du SNL en fait qui sont en train d'émerger et tout, ils leur disent mais allez les chercher eux et en fait les As ils disent non, nous on veut Peter Graves, on veut Robert Stack et on veut aussi Leslie Nielsen. C'est-à-dire que aujourd'hui on peut se dire que Leslie Nielsen c'est un acteur comique, mais il a une deuxième carrière avec ce film, mais à l'époque pas du tout. Leslie Nielsen c'est un acteur qui est en pleine des confitures, qui a été plus ou moins un jeune premier. Nous, les geeks, on se souvient surtout de lui dans Planète Interdite. Ouais. Ce qui est un problème, en fait, aujourd'hui. Planète Interdite est un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que Leslie Nielsen, du coup, dans Planète Interdite, pour moi, en tout cas, même s'il est beaucoup plus jeune que chez les As, c'est un problème, putain, je le vois, j'ai envie de me marrer, quoi. C'est pas le but, quoi. C'est clair que, voilà. Et il a très mauvaise presse, en fait, Leslie Nielsen, parce que justement, il n'arrive pas à s'imposer en tant qu'acteur sérieux. Et en fait, c'est un mec auquel les As tiennent profondément. C'est-à-dire qu'ils ont vu chez ce mec-là et au fond du regard de ce mec-là la connerie, en fait. Ils se sont dit, mais ce mec-là, il a quelque chose en lui. Et ce sera payant. C'est-à-dire qu'ils vont se battre énormément. C'est pas facile. Ça reste quand même des mecs qui ont tout approuvé à l'époque où ils font « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Et en fait, Katzenberg leur envoie tout le temps des notes. Alors, le truc de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» c'est qu'ils sont
plutôt libre, parce que Michael Eisner et Katzenberg, à cette époque-là, ils sont submergés par la production à problème de Star Trek, le premier, le film d'Herbert Wise, et donc ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de ce petit truc à 3 millions de dollars quoi, qui est tourné à côté. Mais il n'empêche que Katzenberg, il n'arrête pas de dire « mais pourquoi je ne comprends pas, là. Enfin, Peter Graves, je ne comprends pas, en fait, dans le truc, ils ne comprennent pas. » Et puis, tout à coup, il y a Leslie Nielsen, et au visionnage, en fait, des premiers rushs avec Leslie Nielsen, là, il dit « ah, ça y est, j'ai compris ». C'est grâce à lui, en fait, qu'ils commencent à basculer, en fait, de leur côté. Mais alors, le gag, et moi, ce qui me fait vraiment rigoler, en fait, quand je vois ça, c'est que les acteurs même ne comprennent pas. C'est-à-dire, Robert Sack, il comprend pas. Quand il vient nous chercher, il dit mais pourquoi moi? Moi, je suis pas un acteur de comédie. C'est pourquoi vous me voulez, moi? Alors, ils essayent d'expliquer leur théorie et tout, mais Sack comprend pas. Et alors, le plus rigolo là-dedans, c'est Lloyd Bridges, qui aborde le truc sérieusement. Alors, c'est surréaliste quand tu vois le film aujourd'hui, mais il va voir, en fait, les As. Et ça, ils en parlent avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Il leur dit « Mais alors, cette réplique, c'est quoi les intentions de mon personnage ?» Et quand tu vois son personnage dans le film, tu te dis « Mais c'est pas possible !» C'était fait, pas le bon moment d'arrêter. Et apparemment, il y a Stack qui leur dit, qui venait derrière et qui dit « Non, mais laisse tomber, on est les trois Stooges là-dessus, laisse tomber, dépose le truc. » Et Peter Graves, par exemple, sur la scène qui est improbable aujourd'hui d'humour pédophile avec tu aimes les films de gladiateurs. Enfin, c'est, quand tu revois cette scène, c'est marrant parce que c'est une scène qui est restée. C'est peut-être même la scène qui est la plus restée en fait de Y a-t-il un pilote d'avion. Mais quand tu revois le film, je l'ai revu pour la nécessité du podcast. Je me dis mais c'est incroyable même que ce soit resté en fait aujourd'hui qu'on fasse pas un tollé en fait là-dessus. Et Graves ne comprend même pas. Il se dit ouais c'est pas très drôle en fait. Et sauf que à la projection d'équipe, sa femme quand elle voit, elle est morte de rire, elle est pliée de rire complètement. Et c'est peut-être d'ailleurs le bon moment en fait de parler de ce qui s'est passé quand une fois qu'ils ont tourné le film, à moins que vous ayez des choses à rajouter. En fait, les projets tests. En fait, il y a trois projo-test, en fait, de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? La première projo-test est une projo-test classique, qui est une projo-test finalement cool quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe ces dernières années, c'est-à-dire que c'est une projo-test dans le cadre du studio, sur la salle de projection de la Paramount, mais avec un public plus ou moins ciblé. Sauf que il n'y a pas vraiment de précédent, en fait, à Y a-t-il un pilote dans l'avion, donc ils ne savent pas trop comment cibler ce public-là, et ils vont chercher principalement le public de... Alors, je crois que c'était Happy Days, enfin, en tout cas, des sitcoms comme ça à l'époque. Et là, échec tonitruant. C'est-à-dire, il n'y a pas un rire dans la salle, il y a un mec qui rigole du début à la fin. Un seul. Ils n'ont toujours pas compris, ils ne savent pas pourquoi, mais il y a un seul mec qui rigole. Donc là, branle-bas de combat, ils demandent de couper le film. Il était un peu plus long, je crois, au moment de cette projection-là. Donc le studio leur demande déjà de dynamiser un peu le film, de couper certains gags et tout. Et il y a une seconde projo qui annonce un truc encore pire que tout, qui est chez Michael Eisner, dans sa salle de projection privée, chez lui, avec Jeffrey Katzenberg. Alors, sachant que les deux hommes les plus drôles au monde. Les deux hommes les plus drôles au monde, exactement. En plus, ils ont lu le scénar, ils ont vu les rushs. Ouais. Et là, les As, ils se disent, là, on va se faire mais défoncer. Quoi. Notre film, c'est fini. Sauf qu'ils ont un coup de bol. Et le coup de bol, en fait, c'est que t'as les enfants de Michael Eisner qui sont dans le coin, qui voient le film. Et autant Eisner et Katzenberg ne comprennent pas ce qui se passe, autant les gamins, ils sont morts de rire du début à la fin. Et là, c'est le moment, avec les Leslie Nielsen, donc, où le studio se dit, ah, mais peut-être qu'il y a un truc, en fait, à jouer là. Et la troisième projection de test se fait, en fait, avec des... Alors, je crois que c'était en faculté, ou en tout cas, c'était ou des lycéens, ou des facultés. Enfin, en tout cas, c'était des élèves et une cible. Voilà. Et alors là, triomphe total, ça se marre à tout va. Et là, le studio commence à croire un petit peu à Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui n'est pas un succès immédiat, comme la plupart de tous ces films qui ont changé. Un énorme carton à la fin. Voilà, à la fin, ça se fait sur la longueur. Mais tous ces films qui ont changé Hollywood dans les années 70, au début des années 80, ne sont pas des succès au début. Il faut le rappeler, quoi. C'est pas un succès immédiat. Il faut un apprentissage, il faut le bouche à oreille. Il a fait 83 000 dollars sur son week-end de. Il a fini à 83 000. Et il a fini à 158 millions dans le monde. Dans le monde. Non seulement il a fini à 158 millions, mais en plus, je crois qu'il est. Cette année-là, c'est le quatrième film au box-office. Ouais, c'est le quatrième film au box-office, mais même depuis, c'est considéré comme un classique. Enfin, donc, c'est un film qui va profondément changer la donne, en fait. Moi, je pense que dans le domaine de la comédie, il va changer la donne, comme Star Wars a changé la donne, comme tout ces. On peut même clairement dire, même si c'est pas immédiat, puisque en fait, on va en parler avec la série télé qu'ils vont faire juste après, hein, qui est iconique aussi, quoi, que en fait, ça a créé un genre comique. Littéralement, qui va être quand on arrivera à la fin, on s'en rendra compte en fait du podcast que ça va être complètement épuisé, quoi. Littéralement laissé exsangue, mais ils ont créé ce genre
qui, à défaut de meilleurs termes, en fait, est le genre parodique, j'ai envie de dire. C'est un peu le terme qui est utilisé. Mais c'est fourre-tout aussi, parce que fondamentalement, on peut peut-être rentrer quelque chose comme Last Action Hero là-dedans, par exemple. Sauf que Last Action Hero, ça ressemble pas vraiment à un film des As, si ce n'est quelques gags slapstick. Donc voilà, c'est non, au des choses quand même, malgré tout. Dans oui, au début des années 80, il y a eu... Parce que là, quand tu parlais des projections test et du public qu'il fallait pas, en fait, ça rappelle aussi ce qui avait été le test du premier épisode des Monty Python à la télévision, où en fait, ils avaient pris les grands-mères qui étaient en train de regarder un show à côté pour leur balancer des Monty Python. Et évidemment, et elles ont applaudi par politesse. Et du coup, ils ont gardé cette image, les Monty Python, qui remettaient régulièrement de grand-mère en train d'applaudir à chaque fois qu'il y avait un gag bien abscon. Je sais même pas où j'allais en disant ça. Non, mais par contre, on peut peut-être passer à Police Squad. Mais en fait, au début des années 80, on va avoir des films qui vont un petit peu surfer sur le concept Airplane. On les a oubliés. Bon, alors, déjà la suite, mais la y aura, suite qui n'a absolument, faut le préciser, rien à voir avec les As. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans le coup. Oui. Mais le film a été un tel carton que Paramount s'est dit, il faut impérativement qu'on fasse une suite. Et en fait, elle a été confiée à quelqu'un d'autre, et c'est vraiment différent. Il y a d'ailleurs une parodie de Star Trek, on parlait de Star Trek tout à l'heure, mais Shatner, ouais, dedans. Voilà. Qui est sublime, ouais, tout à fait. Du coup, on en parle ou pas de la suite Airplane 2. Bon, pour le mentionner très vite, hein, mais moi, je pense qu'il vaut mieux passer à Police Squad. Ok. Mais Police Squad, tu veux pas le garder pour Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Parce que Police Squad, ce qui est important, justement, c'est de préciser que, tu vois, on connaît très bien Y a-t-il un flic pour sauver la reine, on connaît très bien Y a-t-il un flic pour sauver le président, enfin, les trois, la trilogie, c'est des cartons. C'est des vrais cartons. Ils ont vraiment, pour le coup, imposé Leslie Nielsen en tant que star comique. Et en fait, Police Squad, pas du tout. C'est-à-dire que Leslie Nielsen qui ne devait pas être dans Police Squad. Voilà, c'est ça. Et en fait, Police Squad, c'est une série. Donc je me tourne vers toi, Rafik, puisque c'est ton rôle. Oui, une série d'ABC, donc la filiale de Paramount, puisque donc Airplane c'est Paramount, donc ils les ont sous la main, ils vont pas les lâcher. Et c'est le même principe de s'inspirer en fait de ce qu'ils ont pu bouffer à la télévision, c'est-à-dire de reprendre en fait des séries qu'ils ont bien matées dans les années fin des années 50, début des années des années 60. Genre Dragnet, ce genre alors, de choses. Alors ouais, plus spécifiquement une série qui s'appelle M Squad et qui dont ils vont reprendre en fait pour le pilote l'exacte structure d'un épisode. Donc le pilote de Police Squad, c'est littéralement un épisode de M-Squad qui est, pour certaines scènes, du mot à mot. C'est-à-dire que, c'est la même chose que ce qu'ils avaient fait pour Y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi. Voilà, de garder les dialogues tels quels. Il y a des dialogues de Zero Hour tels quels, en fait, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Parce que justement, ce sont ces dialogues-là qui leur ont permis de développer le gag et l'humour qui valait avec. Donc effectivement, ils ont bien repéré le potentiel incroyablement comique de Leslie Nielsen. Alors c'est quand même un cast un peu par défaut. C'est-à-dire qu'au début, eux, ils voulaient Robert Stack hein, dans le rôle de Frank Drebin. Hein. Mm-hmm. Mais Stack a refusé. Alors, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais du coup, ils se sont retrouvés avec Leslie Nielsen. Mais avec qui se sentaient des accointances. C'est-à-dire qu'ils disaient, il est comme nous, c'est un nanar. Quoi. En fait, c'est un gars qui cache bien son jeu. Quoi. Il a un vrai grain de folie et il a envie de mettre un peu le bazar. Quoi. Et d'ailleurs, un des grands trucs de Leslie Nielsen quand il allait en interview, après, quand il est vraiment devenu comme ça, il avait un petit ballon là, dans lequel sur lequel il s'asseyait pour lâcher des caisses en fait, et il emmerdait tous les présentateurs avec ça. Quoi. Ouais, il faut le voir dans des. Il dans l'a des fait, mais il l'avait même fait à Cannes, je crois, dans Nulle part ailleurs à l'époque, à l'époque de la sortie du troisième Y a-t-il un flic. Donc il adjoint Alan Lorf dans le rôle du capitaine Hocken et Peter Lupus dans le rôle de Norberg, qui sera remplacé par O.J. Simpson dans. Ça, on va en parler. Norberg, c'est un pote à eux en fait. C'est pour ça qu'ils ont repris le nom. Vas-y, je t'en prie. Et donc le concept de Police Squad, c'est de revenir en fait à ces séries qui ont fait la gloire de la fin de la série policière de la fin des années 50, générique compris, hein, c'est-à-dire le thème d'Ira Newborn pour le truc, il est basé sur ce que certains génériques qui étaient faits par Count Basie, etc., avec la voix qui annonce, parce qu'encore une fois, ces séries policières, ce sont des séries qui passent... annoncent un titre différent de celui qui est inscrit à l'épisode de ce soir.
Ben, je pense tout simplement parce que ça a dû arriver, en fait. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir des modifications de dernière minute qui ont fait que le titre affiché n'était pas celui qui était dit par la voix off. Sauf que chez eux, ça va devenir effectivement un gag récurrent et parfois aussi un spoil. The Butler did it. Donc voilà, le premier épisode s'appelle The Substantial Gift et la voix off annonce The Broken Promise. Donc, au même titre que Airplane, basé sur un humour décalé et une mitraillette de gags, et pareil, qui nécessite de la part du spectateur une attention extrêmement poussée, rendue d'autant plus compliquée qu'à l'époque, la retransmission en télé n'allait pas terrible, hein. Et donc les gags d'arrière-plan, c'est peut-être que, voilà, bien, ouais. Pour certains, tu les vois pas. Moi, j'ai le souvenir que je crois que c'est dans le premier épisode que justement ils sont en train de discuter du meurtre qui vient d'avoir lieu, alors que t'as les brancardiers qui font sortir le corps derrière. Et en fait, le brancard il fait 25 mètres en fait. Mm-hmm. Mais lorsqu'il a été diffusé sur Canal dans les années 80, ce gag-là, il fallait vraiment être concentré pour le mater. Parce que alors il faut préciser que pour être clair en fait pour ceux qui connaissent pas Police Squad, c'est la série qui va inspirer les Y a-t-il un flic. Tout à fait, va être un bide, puisque donc elle va être retirée, à partir du quatrième épisode, il va être décidé de l'arrêter, et donc il y aura en tout 6 épisodes. Les deux derniers vont passer durant l'été, et le responsable des programmes à cette époque-là donc annonce officiellement que la série s'arrête parce qu'elle marche pas parce que le spectateur doit la regarder pour pouvoir l'apprécier, ce qui d'après je crois que c'était le Hollywood Reporter de l'époque était l'excuse la plus débile jamais. Mais c'était une vengeance, parce que toujours dans leur volonté en fait de finalement ne pas indiquer au spectateur qu'on est en train de voir une comédie, c'est-à-dire que le côté comique s'impose de lui-même, eux ils avaient profondément bataillé avec lui pour ne pas mettre en fait des rires enregistrés. Oui. Et en fait c'est comme ça en fait c'est comme ça qu'ils l'ont interprété, c'est-à-dire que le mec il leur a dit vous voulez pas mes rires enregistrés, moi je vais vous montrer en fait que du coup mes rires enregistrés sont nécessaires parce que la ménagère de moins de 50 ans, parce qu'ils réfléchissent c'est aussi comme ça, oui, bien sûr. Elle sait pas qu'elle est en train de regarder une comédie. Effectivement, des spectateurs qui ont tenté de suivre l'enquête. Peut-être absolument totalement nonsensique, mais qui était quand même considéré. Parce que c'est des enquêtes. Ah là, y a-t-il un flic, encore une fois. Alors, ça, c'est passé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est passé sur Canal, mais c'est même passé, si je ne me dis pas de bêtises, dans une soirée spéciale des nuls, tout avec TVN 595. Ouais. Deux épisodes. Ils avaient passé deux épisodes. En tout cas, moi, c'est comme ça que vous avez vu à l'époque. C'est comme ça qu'on a, je pense, tous en France découvert Police Squad avec grand ravissement, et c'était avant la sortie des films, d'ailleurs. Mais, comment dire, mais effectivement, sauf que nous, dans le cadre des nuls, évidemment, le public était prévenu de ce qu'il allait mater. Là où le public d'ABC, comme Julien l'a très justement souligné, la ménagère, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de regarder. Donc elle essaie de suivre l'enquête policière, quoi. Il n'y a pas de rire enregistré, etc. Si elle ne fait pas gaffe au gag qu'il y a derrière. Mais on peut se dire, effectivement, que la première mort du premier épisode, où donc c'est un fonctionnaire dans une banque qui se ramasse un coup de feu alors qu'il est en train de mettre des tampons sur des feuilles. Et en fait, il prend soin d'aller ranger toutes les feuilles avant de mourir. Quoi, en tu mettant vois 15 coups de tampon pour être sûr de bien tout ranger. Tu te dis, c'est pas possible, tu percutes. Mais en fait, non, l'attention portée à ce qui se passe dans un écran télé, il y a une raison pour laquelle les séries sont aussi bavardes, c'est parce que les gens ne regardent pas, en fait, les gens font autre chose. C'est de la radio. C'est quasiment du podcast ou de la radio, voilà. Donc, dans ce cadre-là, c'était même insensé qu'ils aient pu imaginer un seul instant que la série allait fonctionner. Eux-mêmes, ce rendez-vous manqué, ils l'interpréteront comme le fait que ce médium-là, la télévision, ne leur est pas adapté, en fait. Et qu'il faut définitivement qu'ils aillent travailler au cinéma. Je crois même qu'ils avaient gardé un très mauvais souvenir du rythme de travail harassant que leur imposait la télévision. L'autre truc aussi, c'est que les As, ils étaient à l'époque très impliqués en fait dans la réalisation, dans la conception de leur œuvre, et évidemment une production télévisuelle ne leur permet pas en fait de réaliser tous les épisodes. Il y a deux épisodes qui sont réalisés par Joe Dante d'ailleurs, et avec le dernier avec Dick Miller, donc son acteur fétiche qui fait une apparition, et eux-mêmes ils avouent que ils étaient beaucoup trop directifs, qu'ils laissaient pas du tout de liberté, de latitude aux cinéastes qui venaient derrière, et que travailler dans ces conditions-là, c'est pas rigolo, et que ça ne satisfait finalement personne.
Donc voilà, on garde de ces séries donc, un nombre incalculable de gags et en termes de comédie, comme ils l'ont déjà prouvé par le passé. Donc le Hamburger Film Sandwich était basé en partie sur des choses qui avaient été testées sur scène. Airplane, comme on l'a dit, c'est pareil, c'est un projet qu'ils portaient depuis des années et dont ils étaient absolument sûrs qu'ils voulaient ça et ça et ça. Ils savent ce qui fonctionne en fait. Et si ça ne fonctionne pas, ils peuvent aussi aisément comprendre, comme l'a dit Julien, que c'est... Ça peut être un problème du médium, ça peut être le problème. Mais c'est jamais le gag lui-même qui est jeté à la poubelle. Ils savent qu'une manière ou d'une autre, il va falloir le travailler et le ressortir. Mais néanmoins, il leur faudra quand même encore du temps avant de trouver, on va dire, l'arme absolue. Ils sont encore dans un humour jeune, un humour de stoner, un humour pourrait dire presque geek quelque part, c'est-à-dire de gens qui sont quand même suffisamment nourris au sens qui bouffent de la fiction pour avoir une parfaite connaissance de tous ces codes et donc la possibilité de prendre du recul par rapport à ces codes. Avec toutefois une petite spécificité, c'est que j'entends par rapport au terme que tu as utilisé, le terme geek, humour geek, faut voir vraiment ça pas comme c'est utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment, même dans les années 80, au début des années 80, c'est 82, Police Squad, ça ressemble visuellement à une série télé à l'ancienne. C'est parce que c'est leur référence, bien sûr, mais c'est des références en fait qui s'espacent beaucoup plus dans le temps que finalement l'humour geek aujourd'hui où les références bien sûr, mais c'est assez... Et t'as d'ailleurs des gars qui sont assez alors je sais pas si toi tu rangerais ça dans le truc du stoner, mais on va arriver rapidement je pense sur Top Secret là et en fait il y a des gars qui sont issus de leur observation du médium. Alors je veux pas non c'est de la déconstruction mais par exemple moi je crois que mon gag préféré de Police Squad c'est le gag qui arrive à la fin sur le générique de fin où en fait comme très souvent en fait dans toutes ces séries là en fait t'as une freeze frame en fait une pause sur image sauf que c'est une pause qui est simulée et que tu as toujours un élément en fait dans l'image et dans le cadre qui ne fait pas la pause, qui bouge. Et moi je crois que mon gag préféré c'est celui où ils sont tous figés comme ça, il y a un singe qui est à l'arrière-plan et évidemment le singe il va pas respecter le truc quoi. Et ce que j'adore en fait dans cette image c'est que Leslie Nielsen qui le fait super bien le freeze frame en fait tu sens qu'il est un peu inquiet et il a des œillades derrière où t'as le singe qui commence à s'exciter et à venir vers eux tu vois et il a hâte manifestement que ça s'arrête et t'as déjà là plusieurs strates en fait d'humour et qui joue aussi sur ta position de spectateur par rapport à ce que tu vois que je trouve extrêmement raffiné en fait. Oui, et aussi un humour qui ne peut naître que de la connaissance de la structure pas seulement narrative mais visuelle aussi des séries télé. De la mise en scène. Donc voilà, c'est ça. L'idée du gunfight, je pense que c'est dans le premier ou dans le deuxième épisode. C'est dans le premier épisode qu'ils reprennent plus tard d'ailleurs dans où tu as donc le plan sur le tireur contre-champ sur la personne qui se défend, voilà, avant que le master shot te révèle qu'ils sont à peu près 1m50 l'un d'autre quoi. Donc c'est ça arrive à se rater en plus. Donc c'est un gars qui ne fonctionne que par connaissance des codes visuels. Mais alors c'est quelque chose qu'ils vont énormément pousser avec Top Secret. Exactement. Je pense qu'on est d'accord, c'est leur chef-d'œuvre. C'est leur chef-d'œuvre, mais c'est aussi ce qui va les aliéner en fait du public. C'est un film qu'ils n'aiment pas. C'est un film dont on reviendra là-dessus qu'ils n'aiment pas. Top Secret, qui est donc qui est en quelque sorte on pourrait presque le qualifier dans le bon sens du terme de caprice de réalisateur. En tout cas, on a parlé d'une émergence aussi de cinéaste, je pense, de Hamburger Film Sandwich à Y a-t-il un pilote dans l'avion jusqu'à maintenant Police Squad. Et dans Top Secret, pour moi, à mon sens, ces cinéastes vont se révéler pleinement. Tels qu'ils sont. C'est-à-dire que il y a plusieurs qualités en fait dans Top Secret. Je pense que la première, c'est profondément, ils vont parodier profondément des genres ou des films avec lesquels ils ont vécu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de sacrifice du tout à la mode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hommage aux Dents de la Mer, là, pour le coup, ou à La Fièvre du Samedi Soir. On reste dans des trucs qui ont nourri clairement leur enfance, c'est-à-dire les films de commando. Peut-être que le film le plus récent, c'est Quand les aigles attaquent, finalement. Non, il y a un film quand même qui est parodié récent. C'est lequel Le Lagon Bleu.
Oui, oui, mais dans des scènes de flashback. Exactement, c'est vrai, mais incroyablement bien intégré au reste du scénario. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se fera plus tard dans les Scary Movie, ce qui est génial de cette scène du Lagon Bleu, c'est que tu la vois arriver et tu peux te dire, bah, c'est comme tant qu'il y aura des hommes y a-t-il un pilote dans les... Sauf que non, c'est hyper payant, et c'est hyper payant dans le genre dans lequel il s'inclut aujourd'hui. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un vrai travail sur le genre dans lequel il s'inscrivent. C'est-à-dire que le personnage principal qui est joué par Val Kilmer, c'est une icône, on va dire, sexuelle, un beach boy, mais sur des films qui sont à l'époque de Top Secret complètement surannés. Or, le Lagon Bleu, c'est l'icône sexuelle de l'époque dans laquelle s'inscrit et est tourné et sorti le film. Et du coup, ils vont jouer justement de cette confrontation entre ces deux personnages, en se moquant finalement des deux, et principalement, je trouve, du Lagon Bleu, quoi, où vraiment, tu te rends compte que sorti de son contexte, c'est absolument. C'est un film assez ridicule comme film. Donc, oui, complètement. Et donc, je pense que ça, c'est la première raison pour laquelle le Top Secret est un film incroyable. L'autre raison, je pense, qui est une raison annexe, c'est que c'est leur seul film finalement qui tourneront dehors des États-Unis. C'est un film qu'ils vont tourner à Shepperton, en Angleterre. Et je trouve que ça se sent dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui n'est pas du tout la lumière qu'on retrouvera dans leurs autres films, qui n'est pas du tout la lumière californienne, qui apporte une patine, en fait, du coup, je trouve, au film et notamment à ses extérieurs, qui est bienvenue. Et le truc, c'est qu'ils vont avoir à bénéficier du savoir-faire anglais en matière de cinéma. C'est pas tant que les Anglais soient beaucoup plus performants que les Américains, quoique à l'époque ça se discute, c'est surtout qu'ils ont un savoir-faire qui est différent et qui n'est pas forcément adapté à la comédie, en fait, du type des As, qui n'est pas adapté par exemple à la télévision. Ils avaient beaucoup de techniciens qui venaient de la télévision à l'époque, les As. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec des mecs comme Stuart Freeborn pour les effets spéciaux de maquillage et tout, et qui vont apporter une touche, quoi. Même les décors, par exemple, ont une patine qui est extrêmement réaliste et qui ajoute, en fait, qui a une vraie valeur ajoutée, en fait, au film. Et le dernier point qui me semble être, je pense que vous serez d'accord avec moi, le point le plus important, c'est la catégorie d'humour, en fait, de Top Secret. C'est-à-dire qu'on retrouve l'humour qu'on avait déjà avant. C'est-à-dire un peu d'humour slapstick, un peu d'humour, on va dire, irrévérencieux, qui brise les tabous, même si c'est pas du tout, à l'époque, le truc principal des As. Hein, non, mais par exemple, tu fais référence à quoi? Au Godemiché géant, là, beaucoup de gags sur les boobs aussi. Voilà, il y a deux, trois trucs comme ça. Dès le générique d'ouverture, d'ailleurs. C'est ça, sur la chanson. Sur la chanson, on a une nana qui a les seins qui font des trous dans le sable. C'est loin d'être, en tout cas, ni les gags les plus réussis. Et c'est pas la majorité du tout. Et c'est pas American College, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de la direction que John Landis avait prise à l'époque, parallèlement, qui a eu un carton totalement atomique, hein, il faut pas l'oublier, en 79 en français ça s'appelait American College, et en français c'est National Lampoon's Animal House. Une frat comédie, c'est tout un truc sur les frat boys, qui est l'humour ado dominant, que SNL va porter, dominé par les comédiens, là où effectivement Top Secret s'inscrit dans une veine, mais on peut quasiment le dire, arriver à ce niveau là cinéphile, carrément, totalement. C'est un film sur le cinéma. Très basé sur un film de Jean Negulesco qui s'appelle Les Conspirateurs avec Eddie Lamar, donc qui est un film d'infiltration en Europe avec la résistance, ce genre de trucs-là. Permet d'avoir des personnages français. Où eux vont le mêler, en fait, à tous ces thrillers des années 50 d'infiltration en Europe de l'Est, ce qui donne déjà à la base un film complètement abscon, avec un chanteur de type Beach Boys qui se retrouve envoyé en Allemagne de l'Est, qui est en fait un pays nazi dans lequel il y a la résistance française. Alors qu'en fait, on a l'impression que ça se passe quand même plus ou moins dans les années 70-80, ce qui est super. Attends, il est complètement atemporel, le film. On s'en fout parce que justement, on a ce contrat. Ils créent leur propre univers. On a ce contrat avec le public. On sait maintenant dans quel domaine on intervient, qui est le domaine de la parodie de genre. En fait, c'est en ça que c'est leur film peut-être le plus cinéphile, et c'est carrément annoncé dans la bande-annonce. C'est-à-dire, c'est la note d'intention du film, parce que dans la bande-annonce de l'époque, on a cette longue réplique de Val Kilmer qui est en train de parler à la nana, en lui racontant tout ce qui vient de se passer, et donc c'est totalement incompréhensible ce qui vient de se passer. Là, c'est ce que j'ai raconté, et la meuf de lui dire, on a l'impression effectivement d'entendre un mauvais film, et là, ils se retournent tous les deux vers la caméra. Ça, c'est un gars qui est dans le film aussi, d'ailleurs. Donc il est dans le film, mais il constituait quand même le cœur de la bande-annonce. Donc c'est
Et ça, je pense que cette idée de contrat, elle est importante sur Top Secret. Mais ce truc sur le film et sur le casser le quatrième mur, c'est un tout petit truc, en fait, sur ce jeu, sur le fait que tu regardes un film. C'est-à-dire que ce qui est génial dans Top Secret, c'est que tu joues pas sur l'absurdité des situations, tu joues pas sur le côté slapstick, tu joues pas donc sur le côté je brise des tabous. Tu ne joues même plus. Il y a du slapstick. Non, mais t'as tout ça. Tout ce qui tourne autour de Omar Sharif, notamment. Clairement. Non, mais t'as tout ça. C'est un truc d'ailleurs dont j'ai pas parlé sur la patine et l'élégance du film. C'est que t'as quand même des sacrés caméos. C'est vrai que t'as Omar Sharif, Peter Cushing qui vient le temps d'une scène qui est une scène incroyable, mais dont je vais parler tout de suite après. Donc voilà, t'as encore il a une tenue, le film, je trouve assez étonnante. Et donc c'est même pas ça. C'est en fait que tu joues sur le fait que le spectateur sait qu'il est en train de regarder une œuvre de fiction qui a été fabriquée et qui est factice. Y a un gag, parce que c'est très compliqué finalement à expliquer comme ça, il faut vraiment le vivre et le voir et le comprendre, ce qui n'est pas évident. C'est là où je pense que c'est un film entre guillemets d'initié, c'est pas d'initié, mais en fait c'est de gens qui aiment le cinéma et qui savent à peu près comment est fabriqué le cinéma. Il y a un gag par exemple qui est donc, il me semble, un des plus évidents à faire, qui est un moment où l'héroïne doit s'enfuir par une fenêtre, et elle regarde en fait elle regarde le sol, il y a un point de vue, donc il y a une vue vertigineuse vers la rue. Et donc, ils avaient utilisé une maquette qui traînait dans le coin, qui était une des maquettes qui avait été faite par Derek Meddings pour Superman 2. Sauf que, et donc une belle maquette, ça pourrait faire la blague, sauf qu'ils rajoutent des petites souris blanches à l'intérieur qui cassent l'illusion. Et là, le gag, il est où, en fait? Le gag, il est sur le fait que tu comprennes que c'est une maquette, et que du coup, c'est pas elle qui regarde, et que... Du coup, on te trahisse en fait le fait que ce soit une maquette. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'humour des As de base, en fait, sans aller jusqu'à la logique de mise en scène, où en fait l'absurdité du gag limite, des fois tu la comprends pas. Et ce qui est, par exemple, moi, je sais que dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, quand la femme de Robert Stack se réveille avec un cheval dans le lit, je fais qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est vrai que c'est pas de la mise en scène à proprement parler, c'est vraiment. Si, parce que tu peux te dire, c'est son amant. Oui, non, mais d'accord, tu comprends. Moi aussi, j'ai toujours vu ça comme la mise en scène dans le reveal, en fait, parce que, bien sûr, à la fin. Ce que j'entends par là, c'est que le gag en soi, si tu veux, du cheval, en fait, il va t'interloquer. Alors que là, la problématique de Top Secret, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que c'est un des films qui m'a appris la mise en scène, vraiment littéralement. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas seulement de jouer sur la notion que tu connais, que c'est qu'il y a une maquette, aussi de jouer sur la notion que tu connais en fait le langage du cinéma et du montage et du cadre complètement. Du cadre, alors par exemple le cadre, t'as un téléphone en premier plan, donc tu te dis, alors ça utilise une certaine focale, là le nazi se rapproche pour décrocher le téléphone puisque le téléphone est en train de sonner, et en fait tu te rends compte que le téléphone est gigantesque en référence en fait aux effets que de Hitchcock sur ses films, où il faisait des props gigantesques pour pouvoir avoir justement le point fait sur au premier plan et au second plan. Mais il y a encore plus théorique, en fait, je pense à lorsqu'ils sont en train d'infiltrer la base allemande, ils sont en train de ramper au sol, donc tu as Val Kilmer qui rampe au sol, génial, qui tombe sur une paire de bottes, en fait, et la caméra à ce moment-là fait un panneau vers le haut, et c'est juste une paire de bottes. Il n'y a pas de mec au-dessus. Ce qui est génial de ce gag, c'est qu'il faut que, tu comprennes que pour le personnage, le hors-champ n'existe pas si la caméra ne filme pas, en fait. Mais ce qui est un truc de langage de mise en scène aussi. C'est-à-dire que souvent, le principe de la mise en scène, c'est un principe de suspension d'incrédulité au cinéma. Et donc, en fait, on t'explique des choses à travers le langage du cinéma sans que, en fait, juste parce que toi, en fait, t'as cette perception en tant que personne externe, et en même temps qu'on essaie d'impliquer dans le processus de la narration. Donc, du coup, en fait, cette logique-là, normalement, ça fonctionne sur n'importe quel thriller, ce qui est bien fait. Ça fonctionne sur n'importe quel. Alors pourquoi pas dans la comédie? C'est ça qui est hyper brillant là-dedans. Et bah, il y a un autre gag comme ça, pareil, où il y a un personnage qui regarde sa montre. D'un seul coup, en fait, il y a un gros plan sur la montre. Et quand ça revient sur le personnage, en fait, la montre est gigantesque. Mais ce qui est génial en plus de ce gag-là, c'est que avant que la caméra ne filme le gros plan, avant le truc, il a une montre normale. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont tourné le gag, ils se sont dit, ah, donc on va avoir cet insert qui va venir s'intercaler entre les deux. Il faut qu'il change de hyper préparé. Entre les deux trucs. Et ce qui est incroyable dans Top Secret, c'est, enfin, je sais pas si vous serez d'accord, mais pour moi, ça arrive, il conduit ce truc sur trois scènes, enfin, trois gags, en tout cas, qui sont paroxystiques, quoi, complètement, qui est donc la scène de Peter Cushing, qui est donc censé interpréter un personnage. Un libraire. Un libraire, mais il est quoi, résistant. Il est norvégien ou un truc comme ça. Enfin, il cherche un bouquin norvégien, donc il a une espèce de langage zarbi, quoi. Et en fait, pour aller chercher un bouquin, et l'intégralité de la scène a été tournée à l'envers.
sauf que tu le lis pas tout de suite. Et qu'en fait, ce qui te fait rire, c'est qu'en fait, tu comprends qu'il y a eu un truc là-dessus, et il rajoute évidemment c'est en plus... C'est un plan séquence, hein, en plus. C'est un plan séquence, ouais, en plus, et il te rajoute en plus des gags là-dessus qui sont en référence au film Hammer qu'avait tourné Peter Cushing. Je pense notamment au gag de l'œil qui, en fait, vient de Frankenstein, s'est échappé. Donc, il y a, en fait, elle est incroyable, en fait. Parce qu'il a une loupe, il a une loupe, c'est ça, et en fait, quand il enlève la loupe, il a quand même un gros l'œil grossissant. Qui a un très beau maquillage, d'ailleurs. Et pour l'anecdote, le moulage en fait de Peter Cushing qui circule beaucoup. Je connais des maquilleurs français qui ont une prise d'empreinte du coup de Peter Cushing dans leur atelier. Mais c'est ce moulage en fait qui servira à faire la doublure numérique dans Rogue One. C'est une petite trivia. Il y a une autre scène qui est la scène finale en fait de combat entre les deux ennemis qui a une scène hallucinante, qui a dû être d'une complexité folle à tourner, où en fait il commence à se battre, il tombe dans l'eau et en fait la baston continue dans l'eau, sauf que ça se termine comme un combat de western avec tous les gags et toute saloon et tout, et c'est hyper léché, c'est hyper compliqué, il y a encore des gags qui se passent en arrière-plan, c'est-à-dire qu'ils continuent, les mecs s'arrêtent pas, quoi, c'est infini, ils continuent, et il y a le gag de la vache qui est un gag, alors je pense que c'est un des gags qui m'a fait le plus pleurer de rire de tout ce que j'ai vu au cinéma, où on te... C'est hyper compliqué finalement à expliquer. C'est donc des deux mecs qui ont un déguisement de vache. Sauf que quand ils mettent le déguisement, c'est une vraie vache avec des bottes. Avec des bottes, ouais. Mais sauf que quand la vraie vache, quand ils arrivent à l'endroit où ils doivent couper des fils, ils utilisent encore la vraie vache en amorce et il y a les bras des mecs qui sont à l'avant-plan qui font fumer la vache parce que le mec il a une clope. Et là tu te retrouves sur des strates et des strates et des strates et des strates d'humour, mais c'est un truc de dingue. Mais ce qu'il y a de bien dans celui-là, et j'en reviens au gag sur le cheval en fait. Pour moi, le gag du cheval en fait, il est pas dans l'avion. Parce qu'il y a un gag de cheval qui n'est pas totalement préparé. Pareil, je trouve, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, alors que là, en fait, il y a des préparations de gags à l'avance, c'est-à-dire que, par exemple, il y a ce moment où le personnage de Val Kilmer tombe amoureux de la résistante, en fait, qui est la fille de Alfred Gou, c'est ça, l'acteur Michael Gou, qui joue Alfred dans les Batman, notamment. Professeur Paul Flamont. Voilà, et donc. Il contribue à apporter cette espèce d'élégance au film. Voilà, il y a cette scène donc, où il tombe amoureux, il s'embrasse. Et ils font l'amour, et en fait, t'as un panneau sur la cheminée, le feu qui crépite, qui est un élément de film romantique classique. Sauf qu'ils reviennent dans le champ. Comme ils reviennent dans le champ, la caméra repanote en fait sur une deuxième cheminée dans la même pièce. Donc voilà, déjà, t'as déjà un premier gag que tu comprends, où tu te dis ok, d'accord. Et plus tard, en fait, ils sont en parachute, parachutés. Ouais. Ils ont une conversation sur le fait qu'ils sont. Toute la conversation, elle est mise en scène comme une conversation dans une pièce, c'est-à-dire qu'il la dépasse, donc elle l'appelle, donc il remonte à son niveau. Génial. Elle se retourne, la caméra fait des amorces entre eux alors qu'ils sont en train de se balader. Ils finissent par s'embrasser, panneau, et là t'as la cheminée qui penche aussi en parachute en fait qui est là, quoi. Donc en fait t'as de la préparation de gag où là d'un seul coup l'absurdité du gag. En fait, il n'est pas si absurde que ça. Est-ce que tu le comprends, même si tu sais que c'est quoi ? Qui émane de la logique interne en fait du film. Exactement. Voilà. Mais de la même façon que, par exemple, l'homme compressé joué par Omar Sharif, en fait, il joue aussi là-dessus parce que t'as compris au bout d'un moment que Omar Sharif qui se fait tuer en fait. On vous spoil tout le film. Il se fait tuer tout le temps en fait, Omar Sharif. Oui, mais là, c'est parce qu'il est dans une voiture et qu'il est dans un compresseur de métaux en fait, et il arrive plus tard avec un costume magnifique où il y a juste sa tête et ses jambes en fait qui dépassent, mais c'est une voiture compressé tout autour, et autour de ça ils n'arrêtent pas de rajouter des gags sur la boîte aux gants, dans le burlesque en fait. Oui, c'est clair, Sharif il a droit à toutes les scènes vraiment, vraiment burlesques, je pense à celle du vendeur de farce et attrape qu'il y a. Et qui est très drôle aussi. Mais sur le côté, oui, sur le caractère abscon, on atteint des sommets, parce que là, tout ce qu'on dit finalement, c'est des choses sur lesquelles le cartoon avait déjà joué. Je pense notamment à Tex Avery, hein, l'idée de faire sortir les personnages de la pellicule, c'est vrai, etc. Mais c'était moins poussé que ça. Mais c'était bien, bien, beaucoup, bien, beaucoup moins. Bien moins poussé. Raffiné, c'était moins sur le découpage, par exemple, sur la profondeur, la composition. Ça devient aussi abscon par le caractère parfois inattendu et le fait qu'il ne te laisse pas le temps. Moi, je pense notamment à un gag lorsqu'ils sortent de la taverne et qu'ils veulent s'assurer que les soldats allemands ne les suivent pas. Tu as Val Kilmer qui effraie les motos. comme des vélos, comme si c'était des vélos, pardon.
qui se mettent à hennir et à partir dans tous les sens. Mais le temps qu'il te faut pour percuter sur ce gag-là, t'es déjà passé à autre chose. Et l'autre chose, c'est quand ils sont dans le square, dans le parc, avec le pigeon, avec la statue de pigeon derrière et les humains qui viennent chier dessus. Enfin, c'est quand même. Il faut vraiment réfléchir à ce gag-là, c'est clair. Moi, je crois que je l'ai pas compris. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, je crois que je l'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a toujours. C'est ça qui est intéressant. Il y a toujours une logique. C'est-à-dire dans le cinéma des Indes, dans l'humour des Indes, en tout cas sur ce type de film spécifiquement, et à cette époque-là, à l'époque où il le faisait. Ça va vraiment être perdu, je trouve, plus tard avec les Scary Movies, mais on va en parler. Mais là, il y avait vraiment une logique qui fait que c'est quasi imparable. Une fois que tu comprends leur logique, une fois que tu rentres dans leur fonctionnement, tu fais OK, c'est cohérent. Parce que t'as des gags, en fait, tu les comprends, c'est du slapstick. Le personnage de, comment il s'appelle, Mousse au chocolat, je crois, le résistant noir, en fait, qui saute sur la grenade. Chocolate mousse. C'est pas lui qui saute sur la grenade. C'est la denrée. Il saute sur la grenade. Moi, mon préféré, c'est Déjà Vu. Déjà vu. Mais quand il le présente et tout, puis il fait. Non, il dit rien, justement, mais il fait le mec qui a déjà vu, justement. Il est génial, ce gars. Et la denrée, il passe son temps à agoniser, en fait. À chaque fois qu'on le voit, il est en train de crever. Parce qu'il vient donner une information, Il donne une information de la minute. C'est l'indic, en fait. Il y a une scène où tu as un personnage qui est en train de crever, en train de faire sa dernière confession. Enfin, voilà. Et il n'a pas le temps de finir sa phrase parce que t'as la denrée qui arrive dans le plan et qui le dégage d'un coup de pied pour prendre sa place et agoniser à sa place. Mais voilà, il y a certains gars que tu les comprends. Par exemple, le truc où il saute sur la grenade et en fait ça fait sauter tous les autres, ouais. Alors qu'il est censé. Ça, parce que c'est cartoonesque. Voilà, c'est ça, ouais. Tu les comprends, mais t'en as d'autres où effectivement, voilà, tu dois rentrer dans la logique des si t'as perdu le fil, bon, voilà, c'est fini. Il y a certains trucs qui te passent complètement à côté, quoi. Ce qui, à l'époque aussi, je pense notamment à sa sortie vidéo, en faisait un produit sur la longueur parce que c'est un film sur lequel tu revenais parce qu'effectivement, il y avait 50 millions. De gang que t'avais pas percuté. Je suis étonné, moi, que Top Secret, parce que Top Secret n'a pas fonctionné à la hauteur des espérances. Hein. Clairement pas le cas. Le film a coûté 9 millions, il en a rapporté 20. C'est pas un cataclysme, par rapport à ce qu'avait été Airplane. Mais moi, je suis quand même étonné que Top Secret soit pas plus culte aujourd'hui, où tu ressors beaucoup de trucs et tout. Je trouve que c'est un film qui est finalement un tout petit peu moins oublié. Après, vous êtes très content, vous avez donné pour le Tipeee. On a respecté notre promesse. Vous pouvez entendre la cigarette électronique de Rafik à l'instant. C'est magnifique. Nous, on fait des gags en strat comme ça. Mais du coup, il y a quand même, je pense, un espèce de... Je sais pas si vous avez fini sur Top Secret, à peu près. On a passé 5 heures à parler de Top Secret. Mais en fait, il y a une espèce de remise en question, je pense, un petit peu de leur style. Eux détestent. Voilà. Le commentaire audio du DVD du film, il est absolument déprimant. Je conseille de l'écouter en entier. Ouais. Parce que non seulement ils détestent, mais surtout, à l'époque où ils l'enregistrent, eux-mêmes semblent ne plus comprendre. Les gags, ouais. Ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire. Et en fait, ils trouvent que justement, en fait, ils analysent ça comme ça. Alors, je me souviens plus si c'était sur le commentaire audio qui racontait ça, mais en fait, ils disent, nous, en fait, on était encore novices en cinéma, en matière de cinéma, à l'époque de la conception de Top Secret. Et en fait, ce qui nous a sauvés sur Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est qu'on nous avait, quelque part, en parodiant un seul film, on avait, de fait une structure établie en 3 actes et tout. Alors que sur Top Secret, on n'a pas du tout réussi à avoir ça. Et surtout, eux, ils détestent leur personnage principal. Ils trouvent que le personnage joué par Val Kilmer est une espèce de coquille vide qui n'a aucun intérêt et à laquelle il est rigoureusement impossible, en fait, de s'y identifier. Et en même temps, moi, je le trouve parfait. Dans son jeu et dans tout. Mais ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est un autre truc. Mais le fait que le film parte dans tous les sens par rapport à cette idée de déconstruction du média, elle était d'autant, pour l'époque, en tout cas, d'autant plus. Pertinente qu'ils se sont permis en référence au cinéma d'arriver aux jeux vidéo, et je pense notamment à l'arrivée en Allemagne de l'Est où on suit donc le train à la façon Indiana Jones, c'est-à-dire on voit une carte du pays avec les petites lignes qui se dessinent, et ces lignes arrivent à la gare, et ensuite on suit la ligne du taxi qui commence à aller en ville et qui fait des carrefours, etc. Et une fois qu'il y a suffisamment de carrefours, on commence à entendre Pac-Man qui arrive et qui vient bouffer tout ce qu'il y avait sur le. On est en 84, hein. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est le dernier truc, un petit truc encore sur Top Secret, mais c'est que, en plus, c'est vrai qu'il est génial, Val Kilmer, c'est son premier film, hein, cinéma, faut le signaler. Et je trouve qu'il a une précision et surtout une physicalité qui est hyper étonnante. Je veux dire, il marche un moment sur un plafond, c'est un truc qui est fait avec des câbles et tout, il le fait super bien. Parce qu'il faut préciser qu'il y a de la comédie musicale en plus. Il faut le faire, et voilà, et c'est ça le truc aussi, c'est que ça
contribue beaucoup, aussi à la précision. Ouais. Si beaucoup de chorégraphie, oui. Il y a toute une scène en hommage justement à ces thrillers d'époque où il rencontre Hilary Flamont, donc le love interest. Il la rencontre dans une ambassade pendant une scène de danse. Et c'est la fameuse scène où les personnages dialoguent de quelque chose de sérieux, entre guillemets, tout en devant donner l'apparence, c'est-à-dire faire comme tout le monde et danser. Et la chorégraphie devient de plus en plus absurde au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elle commence doucement par une valse et tout, mais à la fin, ils sont carrément en train de faire des espèces de trucs de yodel de je sais pas quoi. Ça va être un truc qu'ils vont reprendre d'ailleurs après, en fait, dans les Y a-t-il un flic. Ouais. Mais ça marche, c'est-à-dire ils ont tous les deux l'élégance des jeunes premiers qu'on pouvait trouver dans des thrillers des années 40, quoi. Mais c'est vrai que semi-échec, désaveu. Et moi surtout, je pense cette petite remise en question parce que le film suivant, en fait, on va pas s'éterniser trop dessus parce que je sais pas si vous les avez revus. Moi, je me suis retapé, hein, et en fait, franchement, c'est pas hyper enthousiasmant. C'est Ruthless People. C'est un film qui réalise encore une fois. C'est le dernier film qu'ils ont réalisé à trois. Qui est sorti en France sous le titre de Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Ouais. Rafik, tu veux rajouter? En fait, je voulais juste faire une petite note. Transition. Je suis désolé, non, parce qu'on n'aura pas l'occasion de revenir dessus après, mais sur Airplane et sur Top Secret, dans le cadre de faire quelque chose le plus sérieux et le plus proche de la source possible, ils ont fait appel à des vrais compositeurs de musique de film, des grands, puisque Airplane, donc c'est Elmer Bernstein, qui est à l'époque une légende d'Hollywood, c'est le mec des 10 commandements et des 7 mercenaires, et ce que Bernstein va leur livrer, c'est très exactement ce que Alfred Newman fait à l'époque sur Airport, c'est-à-dire un score premier degré, tout en bien sûr faisant quelques gags ici et là, notamment dans les références aux Dents de la Mer, etc. Mais le score de Airplane, il peut s'écouter comme un score de film catastrophe. Et sur Top Secret, c'est Maury Jarre, qui lui aussi a un background de Laurence d'Arabie et le Docteur Jivago, carrément monstrueux. Et qui a fait aussi. C'est bien de le signaler, voilà, et ça a contribué à la classe du film. Quoi. Et qui a fait des thrillers de ce style-là, en plus de Top Secret. Et pareil, vraiment un truc qui peut s'écouter au premier degré. C'est Michel Colombier sur Y a-t-il quelqu'un? C'est ça, c'est pour ça que je voulais quand même insister. Ouais, je fais la transition. Alors, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Pour expliquer un petit peu le concept du film. Alors, c'est vraiment pour le coup, on change complètement de registre. Mmh. C'est une comédie de situation. Mmh. Alors, je dis limite parce que c'est pas tout à fait vrai, vaudevillesque, j'ai envie de dire. Mmh. C'est un couple de bras cassés qui est interprété par Judge Reynolds et la jeune femme qui jouait Supergirl, tu vas m'aider. Hélène Slater. Ouais. Moi, je vois les fans, les anciens ados, hein. Voilà, qui kidnappe en fait Bette Midler, qui est une femme richissime qui est mariée à Danny DeVito, et Danny DeVito veut s'en débarrasser, donc en fait il ne veut pas payer la rançon, et du coup il laisse traîner la chose en espérant que les deux ravisseurs vont tuer sa femme en fait, et comme ces deux nigos assez gentils et qui finalement finissent par s'enticher d'elle, ce n'est pas ce qui va arriver, quoi. Et du coup, par-dessus le marché, il y a en fait la maîtresse de Danny DeVito qui cherche à le faire chanter, donc qui filme parce qu'elle est persuadée sur un quiproquo qu'il va tuer sa femme lui-même. En fait, elle le filme et en fait, elle tombe finalement sur une vidéo qui n'est pas du tout la sienne, mais qui est une vidéo du chef de la police qui couche avec une prostituée, voilà, etc., etc. Donc c'est vraiment en fait tout un espèce de truc en fait comme ça de comédie de situation. Personnellement, moi je trouve assez ringard en fait, parce que toute la classe dont vous parlez sur Top Secret, tout ça, etc., etc., et pourtant photo de Yann de Bont, hein, sur Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, ça passe complètement à l'as, c'est-à-dire que c'est un film. C'est vraiment un film de son époque, quoi. C'est vraiment 80, un film des années 80, 85, avec un changement de style, malgré le titre français en fait, qui n'a plus rien à voir. Et du coup, alors ça ressemble à un film des années 80, c'est. Il rentre dans le moule, quoi, avec ce film. T'as un peu cette Il rentre dans le moule, et à plus forte raison que c'est déjà les stars comiques de l'époque. Hein. Bette Midler, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de cartons dans les années 80 avec d'autres films, notamment des buddy movies, mais en fait entre nanas, quoi. C'est quasiment une des seules à les faire d'ailleurs dans ces années-là. Et en fait, bah, que dire sur ce film? C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a déjà en fait toute la problématique dont on parlait en fait de caster le bon comédien, de caster des gens qui savent jouer le truc. Là, on est dans une logique complètement différente. Bon, moi j'aime bien Danny DeVito et en fait, il est dans son éternel rôle de fourbe, salopard, pleutre, lâche, etc., etc. Et on va dire qu'il fonctionne à peu près, quoi. Mais à côté de ça, t'as Judge. Justement, c'est ça, c'est qu'il est dans son rôle habituel, quoi. Et c'est là-dessus en fait qu'il
Et c'est pas là-dessus en fait qui fonctionnait, quoi. Voilà. Ouais. Et le truc c'est que il y a à côté de ça il y a Judge Reinhold qui était le jeune premier de l'époque, mais ce qui du est flic de Beverly Hills. Voilà, quand on se demande vraiment pourquoi il a réussi à avoir une carrière entre 85 et 87. Un victime de la mode, quoi. Enfin, c'est pareil, oui, totalement c'est... dans son époque, quoi. Mais c'est ça fait Judge Reinhold, dans les années 80, il faisait partie malgré lui hein, des acteurs a priori les plus bankable parce qu'il était dans quatre cartons de la décennie. Hein. Mais c'est un peu comme et d'ailleurs c'est intéressant de le citer aussi lui puisqu'il va avoir une relation lointaine avec les As, Steve Guttenberg. C'est-à-dire que ça fait partie de ces anomalies pour moi de personnes qui ont été des stars entre guillemets dans les années 80 et qui ont vraiment par accident oui disparu des radars. Je pense que t'as toujours ça sur toutes les périodes, quoi. Certes, alors moi je mais bon, oui, non, mais peut-être qu'on est plus attaché à ça, quoi. Voilà, et sur une période où on découvrait le cinéma, quoi. Et le chef opérateur de Die Hard. Voilà, Yann de Bond que j'ai cité, qui fait, moi j'ai presque envie de dire, quand tu compares ça à son travail chez Verhoeven et chez McTiernan. Et même Ridley Scott. Voilà, ouais. C'est du travail de sagouin, moi je trouve, hein, sur. Même les Wistig et tout. Enfin, je veux dire, De Bond, d'habitude, c'est un vrai gage de qualité, quoi. Et c'est vrai que là, tu te dis, mais il est où exactement? Même le directeur photo de Cujo, enfin, t'as même pas besoin, encore une fois, d'aller jusqu'à Die Hard, quoi. Voilà. Et alors après moi j'ai envie de vous dire si ce type de comédie en fait, parce que je vais vraiment essayer de passer assez vite dessus parce qu'on a fait pas mal long sur le reste, on a encore quelques films emblématiques à traiter. Cette comédie elle a deux points en tout qui sont intéressants par contre, c'est que c'est la dernière collaboration des As à trois en tant que réalisateur. Mais parce que ça s'est très très mal passé entre eux en fait, c'est une production à problème, quoi, vraiment. Sur un film qu'ils n'ont pas écrit. Ils sont engueulés, quoi, vraiment, voilà. Sur le tournage. Et en plus qui finalement a été un carton. C'est-à-dire que pour le coup, contrairement à Top Secret, contrairement à Police Squad à la télé en l'occurrence, c'est leur premier gros carton depuis. Y a-t-il un pilote ? Y a-t-il un pilote, ouais. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que du coup, ça a scindé plus ou moins l'équipe. Et alors, je crois que d'après ce que j'ai compris, apparemment, Danny DeVito était persuadé que le film allait se bider, que ça allait tuer sa carrière. En fait, apparemment, il a passé un coup de fil à Bette Midler après la première du film pour lui dire bon, bah, comment on va faire là ? Et finalement, le film a été un carton pour des raisons qui me dépassent un peu parce que, pareil, le film n'est plus du tout cité aujourd'hui en exemple. Moi, c'est un film que j'ai découvert pareil, à cause du titre, à cause des As, à la fin des années 80 en vidéo. Et en fait, j'étais hyper déçu, quoi. Je me rappelle que ça m'avait un peu. En plus, c'est-à-dire ce fonctionnement de type de gag avec l'arrière-plan et l'avant-plan, etc. Il y en a un à la fin, tu sais pas vraiment pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là. Le reste du film, ils en jouent pas du tout. Ils se sont répartis aussi la tâche. Mais je me demande même dans quelle mesure c'est pas Jerry Zucker qui a poussé dans cette direction-là. Puisqu'en fait, sur le plateau, c'est lui qui dirigeait les comédiens. Il y avait aussi l'idée qu'ils aient pas affaire à trois voix. Là où David et Abraham se retrouvaient derrière le moniteur. Alors peut-être que leurs problèmes sur le plateau sont nés aussi de cette répartition des tâches, où il y avait finalement un mec qui était plus en train de faire son film et les deux autres qui en étaient spectateurs, quelque part. Tout ça pour dire, en tout cas, par contre, qu'il y a aussi une autre problématique, en fait, dans la construction des personnages et dans la façon dont ils sont représentés. C'est que, en fait, il y a beaucoup trop de conscience, en fait, de l'idiotie de certains perchos. Le scénar repose, par exemple, sur des trucs, le fait que la maîtresse, par exemple, du personnage de Danny DeVito essaye de le faire chanter avec une cassette dont elle regarde absolument pas le contenu, pour finalement être persuadée qu'il y a dessus, il y a le fameux moment où il tue sa femme, alors que c'est pas du tout quelque chose qui arrive, c'est un truc qui tient sur quasiment l'heure et demie du film. Et en fait, elle le découvre 10 minutes ou 15 minutes avant la fin. Et ça, c'est tout un tas de trucs de plot qui font que ça rend les personnages stupides, mais par nécessité narrative plutôt que par connivence avec le spectateur qui, lui, est détaché de ce qui se passe pour savoir que Leslie Nielsen est un idiot, alors que Leslie Nielsen est persuadé d'être très intelligent. Donc, il y a tout un espèce de truc comme ça qui est super, super étrange et qui leur ressemble pas. Voilà. Et alors, j'en profite pour sauter sur le film suivant, en fait, directement, hein, qui est, alors en français, ça s'appelle Quand les jumelles s'en mêlent, qui est aussi une comédie avec Bette Midler, deux fois Bette Midler en l'occurrence, puisque, en fait, elle joue le rôle de jumelle avec Lily Tomlin aussi. C'est des jumelles qui sont, alors, l'histoire, pareil, je vais passer assez vite dessus, c'est le film solo, premier film solo de Jim Abrams.
C'est pour ça que je ne sais pas exactement. Ça ressemble quand même pas mal à quelqu'un pour tuer ma femme. Vous l'avez vu? Je revois l'affiche, mais j'ai pas vu le film. Alors moi, je l'avais pas vu. Je l'ai regardé pour le podcast. Et effectivement, là, c'est pareil. C'est un peu la même. Je me suis tapé les deux films d'affilée. Ça fait plaisir quand même. Moi, je me suis tapé tous les films de merde. Les autres, je les connais très très bien. Ceci. T'as pensé très fort au Tipeur. Regarde. Je connais très très bien les excellents films dont on parle. En plus, Top Secret, je l'ai revu un peu en début d'année, ce genre de choses, quoi. Il y a un pilote aussi. Mais c'est des films que je revois régulièrement. Mais Big Business, en fait, en anglais, c'est l'histoire, en fait, de deux jumelles qui sont interverties à la naissance. Donc, si tu veux, Bette Midler, une des deux Bette Midler se retrouve à la ville, tandis que l'une reste en campagne, in the country, quoi, dans une petite ville de province. Et en fait, elles sont jumelles avec Lee Tomlin aussi, qui ont été échangées. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les deux jumelles qui sont en ville tiennent une corporation, etc., etc. Et les deux jumelles en campagne, en fait, sont plus ou moins liées. Elles vont en ville pour essayer de discuter avec la direction qui gère, en fait, un espèce de... Alors, c'est un petit peu nébuleux comme truc, parce que ça se veut une charge anticapitaliste, quoi, mais qui est complètement larvée par les ressorts comics. C'est-à-dire que les ressorts comics, c'est... On attend sur une heure et demie à quel moment elles vont finir de la même manière à se rencontrer toutes et comprendre que, en fait, pour tous les autres personnages qui ne comprennent pas ce qui se passe puisqu'elles changent de personnalité, comprendre en fait que c'est deux jumelles, ce que le spectateur sait depuis le début. Ce qui fait que tous les gags à ce niveau-là tombent à plat. Je ne sais pas si j'étais assez clair sur le principe du film. Il faut s'accrocher un peu quand même. Voilà, ouais. En fait, le principe du film, c'est que tu as deux jumelles qui vivent en campagne, deux jumelles qui vivent en ville. Les deux sont interprétés par Bette Midler et Lily Tomlin. Mais les autres personnages de l'intrigue, eux, les confondent. Les confondent à chaque fois qu'elles traversent le champ. Donc, ouais. T'as des entrées de champ, des sorties de champ. Mais même ça, en fait, si tu veux, qui est quand même un ressort de la comédie, on va en parler d'ailleurs avec ce que font les As plus tard, ce que fait notamment David Zucker sur Y a-t-il un flic, c'est quand même un principe de comédie qui est censé fonctionner très très bien. Et là, en fait, c'est assez mal géré. Moi-même, en fait, en regardant le film, à un moment donné, je me dis, mais attends, c'est lesquels là? donc, c'est là où tu te retrouves, en fait, à te dire, mais les personnalités sont pas hyper définies. En tout cas, elles se mélangent. Et du coup, t'en arrives à cette espèce de truc à la fin, en fait, ce qui est une notion, moi, ce que j'appelle dans la comédie américaine, d'imbécile heureux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu crées des problématiques qui se résolvent toutes seules. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, un personnage qui est pro-capitalisme, l'autre qui est anti, si tu veux. Et en fait, finalement, le personnage pro-capitalisme, comme il a perdu la face, il devient gentil et il est contre, tu vois, et tout va bien parce que finalement, elle tombe amoureuse. Donc, t'as tout un tas de trucs comme ça qui sont un peu, c'est assez pauvrement fait. C'est encore une fois un film de son époque, qui a marché à l'époque. Quelques effets spéciaux pour les doubles, parce que c'était pas non plus un truc hyper prononcé à l'époque. C'était pas facile à faire. Voilà, de DreamQuest Image. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez rigolo à voir, en fait, l'archive. Hein. Mm-hmm. Mais ça reste une comédie vraiment dispensable et dans le moule, en fait, de « Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?» Je peux peut-être faire du coup un tout petit parallèle, c'était parce qu'ils ont vraiment une belle tenue au niveau des effets, en général, les films des As, en fait. Alors je sais pas s'ils ont un goût, j'ai jamais trop vu en fait là-dessus, mais tu parlais de DreamQuest Image et tout, et en général c'est plutôt de bonne tenue et tu retrouves au générique des gens de talent. Et dès y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est les effets spéciaux de maquillage, c'est Chris Wallace par exemple, c'est celui qui fera Gremlins et la mouche plus tard. Il est plutôt au début de sa carrière, mais il n'empêche, quoi, ils vont quand même chercher un mec, pas un gars de studio, tu vois, un peu vieillissant, qui aurait fait des prothèses un peu dégueulasses. Non, bien sûr. Alors là, en l'occurrence, le truc, c'est que c'est pour une scène de miroir, justement, où elles se retrouvent pour la première face à face l'une et l'autre, et en fait, elles comprennent pas quand elles passent d'un miroir, quand il n'y a plus de miroir, comment ça se fait qu'elles se retrouvent en face. Et du coup, t'as une espèce de jeu autour de ça. Bon, on va dire, les détourages sont un peu flagrants, ce genre de choses, etc., etc. Mais en fait, la scène fonctionne par la possibilité des effets spéciaux plus que par la mise en scène. C'est ça qui est un peu problématique. D'accord. Aussi là-dedans. Quoi. Du coup, je pense qu'on va passer au film suivant. Et le film suivant, c'est Naked Gun. Puisque c'est vraiment l'adaptation de Police Squad au cinéma. Oui. En français, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine. C'est un peu leur réunion, leur retour. Alors, aussi aux sources. Hein. Oui, sauf que, il n'y a c'est que David Zucker. Voilà, c'est David Zucker. C'est pas co-réalisé, mais ils sont quand même.
tous les trois dans le... Ils se répartissent en fait les postes parce que bah, pour des raisons de tout simplement fiscales, enfin de pognon, parce qu'ils étaient donc tous les trois crédités. Ils se sont engueulés encore une fois. Crédités comme réalisateurs voilà, hein. sur les films précédents, mais ça veut dire aussi qu'ils se partageaient le salaire et ils se partageaient les points, parce que ça marche par points. À Hollywood sur les recettes du film, et je crois que c'est sur justement Ruthless People où il a fallu qu'ils attendent 3 ans je crois avant d'avoir les retours des droits d'auteur, tu veux voilà dire. Des droits qui leur revenaient, voilà. Et donc ils ont entre autres décidé de ne plus être à ce qu'il n'y a plus qu'une personne qui signe à la réalisation pour tandis que les deux autres se mettaient en producteur exécutif. En fait. Alors, c'est une adaptation de Police Squad, comme tu disais, Steph. Vas-y. Juste rajouter une chose, en fait, je l'introduis là pour, comment dire, parce qu'on va en parler un petit peu après. C'est leur première collaboration aussi. Il y a une autre personne qui va beaucoup compter dans leur cinéma plus tard, c'est Pat Proft. Ouais. Pat Proft, c'est un scénariste. Scénariste notamment de Police Academy. C'est pour ça que je citais tout à l'heure Steve Guttenberg et que c'est par voie de degré de séparation, il est plus ou moins affilié aux As, on va dire. Proche, voilà. Et Pat Proft, en fait, c'était le scénariste de Police Academy, pas le réalisateur, le scénariste. Il a notamment écrit, je crois, les deux ou trois premiers. Et en fait, il a beaucoup travaillé avec eux à partir de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et de manière en fait assez, parce que voilà, il a écrit notamment aussi Hot Shots avec Jimmy Abrams tous les deux tout seuls, etc., etc. Voilà, c'était pour. Garçon, les gens, une équipe en tout cas, c'est parmi l'équipe de Gagman qui vient tout et qui, fait, qui annule le truc. Mais je pense que t'as raison de le signaler parce que je pense que ça a un impact en fait sur Naked Gun, c'est-à-dire que Y a-t-il un flic, c'est certes une adaptation de Police Squad, mais une adaptation quand même assez libre, et je vais expliquer pourquoi. C'est certes un retour à Airplane, mais c'est un retour avec certaines différences et distinctions, aussi, oui. Et c'est pas tout à fait la même chose quand même malgré tout. C'est-à-dire que déjà, par rapport à Police Squad, comme on l'a dit tout à l'heure, Police Squad, c'est une parodie d'une typologie de production télévisuelle bien particulière et bien marquée dans le temps. Quand le personnage de Frank Drebin est adapté, porté au grand écran, c'est plus tout à fait le même. C'est-à-dire qu'en tout cas, il ne parodie plus tout à fait le même type de personnage. Les productions Joel Silver et le cinéma d'action s'est installé là, et le personnage de Drebin, bah, il a quelque chose de Schwarzy, quoi. Enfin, il a quelque chose, en tout cas, de l'homme d'action des années 80. Ils ont même joué dans certains gags dans le 2. Complètement. Et d'ailleurs, la scène d'ouverture de Y a-t-il un flic du premier, c'est pas du tout dans l'état d'esprit de Police Squad. C'est-à-dire que t'es pas dans un univers urbain, nocturne, tourné sur le backlot des studios ou alors dans le downtown de Los Angeles. T'es à l'étranger contre les dictateurs du monde entier, donc t'as un côté global représentant comme ça de l'Amérique triomphante qui est en porte à faux par rapport à je suis Frank Drebin, je ne veux pas voir vos sales binettes en Amérique. Voilà, c'est ça. Donc par rapport à Police Squad, le truc aussi qui va changer, c'est que eux, leur ambition première, c'est aussi d'emmener l'équipe et surtout les personnages secondaires qu'il y avait dans Police Squad, et ça, le studio va pas les laisser faire, et pour le coup, ils vont plier. Le plus gros, l'une des grosses pertes, enfin, moi, à mon sens, hein, c'est Alan North. Moi, j'aurais adoré en fait le voir dans les Y a-t-il un flic. Je trouve qu'il est génial dans Police Squad. Et le studio en fait estime que Alan North, bah, il est pas assez bankable, high profile. J'ai que des mots américains là, con, là qui me viennent à l'esprit, et donc il le remplace par George Kennedy. Et le dernier truc, c'est les blessures, en tout cas à leurs yeux, en fait, de Top Secret, et notamment sur le personnage principal de Val Kilmer, où ils se sont dit, donc nous, on a créé une coquille vide, on va essayer de créer un vrai personnage avec Drebin. Alors, ça peut sembler absurde, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment leur obsession, et notamment ce truc de son ex-femme, et le fait qu'il ait une espèce de backstory dans l'ouverture, en fait, du film, vient de là, en fait, vient du fait que ben, on a envie que, quelque part, ce personnage ait un peu plus de corps et un peu plus de chair. Moi, le dernier truc que je rajouterais, et que ça, moi, je ne les ai pas vus, en fait, se prononcer là-dessus, les As, c'est que, pour moi, il y a aussi un changement de cap sur l'humour. C'est-à-dire qu'on retrouve les As, on retrouve des choses qu'on a déjà identifiées dans les films précédents, mais là, on est
pour moi, hein, clairement, dans l'ordre, de l'ordre du slapstick. C'est-à-dire que personnage de Drebin, c'est un personnage de gaffeur, c'est un personnage de Monsieur Catastrophe, comme finalement la comédie américaine nous en a fourni beaucoup. Alors, il se trouve que c'est un des plus talentueux, un des plus savoureux, un des plus géniaux, tout ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'on est, on n'est pas dans quelque chose de neuf, là. On est très clairement sur la suite de, bah, par exemple, Max la Menace, on parlait tout à l'heure de Mel Brooks, c'est très très clairement sur cette, dans cette foulée-là, voire même parfois des Stooges, parce qu'il y a aussi cette volonté avec les Y a-t-il un flic, de créer un groupe de personnages, qui là, pour le coup, était un truc qui était un petit peu en germe dans Top Secret, mais qui va vraiment être un peu plus constitué là, c'est-à-dire que là, il y a tout un tas de second couteau, en fait, que tu vas retrouver et sur lesquels ils vont travailler à mesure que le film progresse et avance. Après, alors, il y a des scènes, faut le dire, hein, vraiment cultes. Hein, ah oui, culte, c'est super. Je sais pas pourquoi j'utilise tout le temps ce mot culte en ce moment, alors qu'en fait, j'ai toujours détesté ce mot, d'ailleurs, tu vois. Mais il y a vraiment des scènes, hilarantes et que tu te cites à foison. Moi, je sais que Arnaud et moi, on s'est connus, en fait, à Mad Movies à l'époque, donc, petite anecdote perso, et en fait, on s'est regardé, enfin, il m'a regardé par-dessus, tu sais, on se connaissait à peine, ça faisait quelques jours qu'il était là, il était derrière son écran d'ordinateur, j'étais derrière le mien, et à un moment donné, j'étais en train de regarder une photo, et je cite la VF du film, et je dis « Quelle belle fourrure !» Comme ça, et là, Arnaud lève la tête, et il me regarde, parce qu'il, d'un seul coup, il a compris le film, il a reconnu, et il y a une connivence directe. Nice beaver. Voilà, et t'as notamment la scène avec, c'est dans la scène avec Priscilla Presley, mais t'as notamment la scène aussi où il va aux toilettes avec le micro. Il y a une conférence de presse, ouais, et en fait, tu le vois, c'est préparé, il boit, il vide une carafe d'eau, donc il va aux toilettes pour aller pisser pendant la conférence de presse, et d'un seul coup, on l'entend littéralement se pisser sur les chaussures. Mais c'est-à-dire que, comme dans ce que tu cites, on voit, comme le disait Julien, que c'est vraiment des scènes d'un humour slapstick, finalement, avec lequel le public a une familiarité, une grande familiarité. Il n'y a pas de rire enregistré dans Police Squad, mais dans Naked Gun, mais c'est presque tout comme. Ce qui est intéressant, c'est que l'humour déconstructiviste de Top Secret et de Airplane, il est là, mais il est là en en renfort. Ouais, il saupoudre le truc, voilà, quoi. Il apparaît évidemment dans le générique de début, donc où on suit, parce que contrairement à la série, dans la série originelle, on suivait donc le gyrophare dans une rue et ça s'arrêtait là, parce que c'était littéralement la référence à M Squad et autres séries de l'époque. Dans le passage au cinéma fait que maintenant il va falloir aller plus loin. Alors, je sais plus, il y en a beaucoup. Je les confonds sur les trois. Alors moi, le meilleur, je crois que c'est dans le 2. Non, ouais, c'est dans le 2. C'est quand il sort d'un utérus. D'un utérus, c'est une naissance. C'est carrément le truc le plus. Mais tu vois, là, il rentre dans la tranchée de l'étoile noire. Il rentre dans la tranchée 3, ça c'est dans le film, il y a ces effets-là, ces effets de déconstruction, mais ils ne constituent pas des séquences. C'est-à-dire, c'est le début, par exemple, d'une séquence. On va voir Frank Drebin arriver sur le port, et tu as en arrière-plan le type avec son mégaphone en train de dire aux gens éloignez-vous, avant de t'apercevoir que les gens soient à un mètre de lui. Bon, dans le mouvement de caméra. Donc tu as ce gag typique des As d'avant, mais ensuite la séquence, elle va se dérouler sur un truc un peu plus slapstick. Moi je sais que par exemple, bon, je l'ai vu en salle, et effectivement j'ai pas rigolé à la scène des statues, par exemple, où t'as Drebin qui est coincé sur le toit d'un immeuble, et il y a des statues grecques avec des bites énormes, et en fait voilà, et il manque de tomber, donc il s'accroche à une des bites, et il y a toute une scène autour de cette bite là. Ceci dit, ils ont inventé un des meilleurs gags, je suis désolé Rafik, tu peux pas, mais l'autre scène où il touche les nichons de la nana sans faire exprès, puis ça fait des pouettes, moi ça me fait beaucoup rire. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais dans la salle où j'étais, c'était une salle Arnaud, il aurait rigolé à faire toute la scène des statues, la salle était pliée, vraiment. Moi, il y a un gars que j'aime bien dans la scène des statues, justement, c'est quand la statue se met à avoir une érection, en fait. Parce que là, pour le coup, t'as une distance supplémentaire par rapport au. Elle sourit parce que le truc est retourné. Elle sourit, mais elle a une érection. Non, en fait la bite se retourne. Et du coup, ça fait une érection. Parce que dans sa chute. Je crois qu'il est. Non, il la retourne vraiment. Ah, il la retourne, c'est vrai, tu vois. Ouais. Mais le fait qu'en fait, on a l'impression que la statue est vivante, c'est qu'elle sourit à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le visage change, quoi. Alors, mais c'est important, d'avoir vécu. La réaction de la salle à cette époque-là m'a fait comprendre qu'en fait, ils avaient atteint finalement ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire une forme d'équilibre où il n'y a pas
trop de méta, comme que, mais je pense qu'ils ont retiré, hélas, les leçons de Top Secret. Ils nous annonçaient avec Naked Gun, ça sera il y aura plus de Top Secret. On n'ira plus dans cette direction-là. Clairement, autant mais à fond. Ça c'est sûr. Après, ils ont même s'ils vont y retourner avec Hot Shots. Le 2 qui est nettement meilleur. Le 2 est nettement meilleur. Je trouve que le premier, même si j'aime beaucoup le premier Naked Gun, le 2 il est beaucoup plus construit en termes de mise en scène que celui-là. En fait. Il y a quand même un truc dans Naked Gun aussi, c'est que, encore une fois, on est majoritairement dans de l'humour slapstick. Moi je trouve, encore une fois, il y a encore de l'humour, par exemple, de jeu de mots, des trucs comme ça, mais on est majoritairement dans l'humour slapstick. Sauf que le truc. C'est c'est là encore où je les retrouve moi, c'est que c'est poussé à son paroxysme quoi. Et notamment il y a par exemple il y a le gag de Drebin qui garde toujours sa voiture et ça fout le bordel et il le pousse à des points mais complètement délirants avec des gags qui coûtent manifestement une fortune avec beaucoup de pyrotechnie et tout. Et ça moi je suis content en fait d'avoir encore ce grain de folie là, c'est-à-dire que il voit pas petit quoi, c'est-à-dire qu'il continue à aller à fond dans les trucs. Et puis il y a aussi toujours ce côté du cast en fait qui est moins visible que Airplane hein, par exemple. Bah là t'as Ricardo Montalban. Ricardo Montalban par exemple moi dans le film il me fait beaucoup rire et je trouve que c'est un super choix de casting. Et je trouve que tout le gag avec les poissons japonais par exemple fonctionne parce que t'as Leslie Nielsen qui est face à Montalban et t'as quand même une rencontre entre Leslie Nielsen et puis ces mecs là aussi et la révélation de Leslie Nielsen en tant que vrai acteur de comédie. Et il y a un détail dans la version française qui moi me fait beaucoup rire en fait et qui est j'aime beaucoup la version française de Naked Gun et c'est qu'en fait le film s'ouvre en fait. Alors t'as parlé de la scène parce que tu parles de la référence à Schwarzenegger, mais il y a aussi quand même une grosse référence à Clint Eastwood et notamment en fait dans la scène d'ouverture en fait ils reprennent la confrontation avec le maire qui est d'ouverture de l'inspecteur Harry. Et le gag en fait dans la version française c'est que le doubleur de Clint Eastwood de l'époque en fait Jean-Claude Michel est aussi le doubleur de Frank Drebin, ce qui fait qu'il refait lui-même la parodie des séquences en VF. Le fameux c'est ça ma politique. En fait, il le refait dans Naked Gun et c'est moi je trouve que ça rajoute en fait une couche comique supplémentaire parce que il y a ce truc encore une fois où Leslie Nielsen pour le coup le joue très très sérieusement. Il y a des moments où il roule un petit peu des yeux, il y a des moments où d'un seul coup il regarde, il y a cette scène notamment où il est perdu dans ses pensées, il marche dans la ville dans la rue film noir etc., etc., puis il se retrouve en dehors de la mais ville. Mais ça moi je le mettrais plus dans le méta en fait. Bien sûr. Parce qu'il y a cette idée effectivement d'une scène qu'on a vue 10 milliards de fois dans les films noirs, mais au moment où il s'aperçoit qu'il sait pas où il est, parce que le spectateur dans ces scènes-là ne sait pas où il est. Bien sûr, mais ce que je voulais dire c'est qu'à ce moment-là lui-même se retourne et fait une gueule de 3 km quoi. Il y a des trucs comme ça, mais il y a des moments on va dire où il roule un peu plus des yeux que dans ses précédents films, notamment dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, où il est vraiment hyper straight, hyper sérieux quoi. Voilà, mais je pense que ça va encore, c'est à peu près la cognance, c'est-à-dire on n'est pas dans le reniement mais c'est surtout on n'est pas dans ce qu'il va faire plus tard Leslie Nielsen, parce qu'en fait il va devenir lui-même un joueur à lui tout seul quoi, c'est-à-dire la comédie avec Leslie Nielsen qui va complètement échapper aux as hein, qui va juste être le fond de retraite de Leslie Nielsen avec des films comme Spy Hard, Agent 00 qui est une merde en fait, c'est vraiment nul, enfin des trucs comme ça quoi. Et donc du coup y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, oui c'est ça, il y avait ça aussi qui était avec Linda Blair d'ailleurs, il y avait le truc de SF aussi là qui était 2001 une parodie de 2001 là. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, je crois un truc comme ça en français, enfin bref tout un tas de trucs comme ça qui vont voilà où il va littéralement rouler des yeux, enfin voilà etc. et le passage par Mel Brooks aussi hein, Dracula de Don Lovinick, c'est pas le meilleur hein. Non c'est une catastrophe mais de voir comment les choses se sont, mais ça c'est pas tout. Ça va surtout arriver après la trilogie hein, des Naked Gun, hein, vraiment. Et à ce moment-là, en fait, dans sa carrière, heureusement qu'il a les Naked Gun quelque part, parce que, en fait, je pense que c'est vraiment le succès de ce film-là, du premier, en fait, de Y'a-t-il un flic pour sauver la reine, qui va consolider sa deuxième carrière, en fait. Qui est un succès, mais qui aura moins de succès que le deuxième, en fait. Le deuxième remporte encore plus d'argent, quoi. Mais le truc, c'est que, avec ce premier film, c'est surtout quelque part presque inespéré. Alors, certes, on l'a dit, le film, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins verrouillé qu'un Police Squad dans l'humour et dans la façon de le procéder, de le mettre en scène. Mais ça reste quand même à la base une série qui était donc pas du tout connue, qui n'avait pas marché. Exactement. Voilà. C'est leur dernière, quelque part, vraie prise de risque, en fait, aux As.
en tout cas dans la comédie. Ouais, ouais. Et alors après, on est quand même dans la scission encore, c'est-à-dire que chaque réalisateur en fait va partir dans son coin pour faire ses propres films, quoi. Donc les deux films suivants en fait dans l'ordre de sortie, c'est alors un film totalement inconnu en France, mais vraiment qui s'appelle. Je vais passer assez vite dessus hein, parce que c'est pas vraiment des comédies, c'est plus des comédies romantiques. C'est un film qui s'appelle Roxy en français quand c'est sorti en vidéo, mais des années après sa sortie aux États-Unis. Et en anglais, c'est Welcome Home, Roxy Carmichael. Alors ça, c'est un film avec Winona Ryder. J'ai envie de dire un Winona Ryder exploitation de l'époque, c'est-à-dire où elle joue son rôle d'adolescente rebelle, comme elle l'a fait dans Evers et dans Beetlejuice, quoi. C'est pour ça que tu l'as vu. Mais non, alors moi je l'avais jamais vu et je l'ai découvert là en fait pour le podcast. Et alors ça veut quoi ? Et alors c'est un sous John Hughes étonnamment en fait. C'est-à-dire c'est vraiment l'histoire d'une gamine en fait de 15 ans qui est persuadée que sa mère est la star de sa petite ville. Elle est un peu dans une comment tu t'appelles ça, Everytown USA comme ils disent, hein, une petite ville dans l'Ohio quoi. Et elle est persuadée que Roxy Carmichael qui est censée revenir au pays. En fait, à ce moment-là, qui est une star, en fait, dont on ne verra jamais, comment dire, on ne verra que des effluves, en fait, de son personnage, quoi, de ce qu'elle représente dans l'esprit des gens, et sans s'y revenir, elle est persuadée que c'est sa mère, en fait, qui l'a abandonnée 15 ans auparavant. Mmh. Et du coup, il y a un lien qui se tisse entre elle et celui qui serait censé être son père, qui est interprété par Jeff Daniels, dans sa période pré-Dumb and Dumber. Moi, Jeff Daniels, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et c'est vraiment une comédie, petite comédie douce amère romantique, quoi. Ma foi, pas tout à fait réussie, je trouve. Alors, celle-là, pour préciser, c'est Jim Abrams qui l'a réalisée. Hein. Mm-hmm. C'était un an avant Hot Shots, quand il revient justement à son humour spécifique, quoi. Et je pense que le film, il fonctionne, on va dire sur. Oui, les deux acteurs principaux, hein, Jeff Daniels et Winona Ryder, et puis surtout, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment cette scène en fait qui va nouer le nœud de la problématique du personnage de Winona Ryder et du fait qu'elle soit orpheline, en fait. Mm. Et du coup, je pense que, à mon avis, à la lecture du scénario, c'est précisément la scène que tout le monde a voulu tourner. Ça me semble assez évident. Ouais. Et le reste du film, c'est un peu du remplissage, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un peu. Je t'avoue que voilà, c'est un peu. C'est même pas aussi fin dans l'écriture psychologique de John Hughes, tu vois. Il y a quand même un côté rose bonbon, tu vois, similaire, mais un peu. Moi, je trouve un petit peu dégoulinant dans le film, quoi. Si vous êtes fan de Winona Ryder à cette époque-là, vous pouvez quand même jeter un œil dessus. Mais voilà, ça reste. Ça reste un coup pour rien, et surtout en France, c'est un film qui est sorti donc sur le titre de Roxy, mais je crois en 2006 en vidéo, quoi. C'est-à-dire vraiment quelque part quand quelqu'un a dû acheter les droits, quoi. Ça n'a pas particulièrement été un gros succès non plus, hein, aux États-Unis, ça n'a pas forcément marché. Voilà. Par contre, le film qui a vraiment cartonné pour Jerry Zucker, et c'est son premier film en tant que réalisateur solo, c'est Ghost. Ouais. Gros carton. Ouais. Gros carton. C'est un scénar qui tournait déjà un peu à l'époque, hein, à Hollywood. De Bruce Joel Rubin, ouais, qui s'était fait connaître à Hollywood avec un script qui n'arrivait pas à se monter, qui était l'échelle de Jacob. Mmh. Qui sont sortis quasiment en même temps d'ailleurs, les deux films. Hein. L'échelle de Jacob par Adrian Lyne. Donc un mec spécialiste des high concepts quand même. Quoi. Et des high concepts autour de la mort, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Et qui était très très inquiet en fait quand Jerry Zucker s'est intéressé en fait à son scénario, où il s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire de ce truc là et tout. Et il se trouve en fait que Jerry Zucker, si ça vous intéresse, vous le verrez en fait dans certaines de ses interviews, c'est un mec un peu mystique en fait, hein, et c'est un gars qui n'a pas peur de parler de sa foi en la vie après la mort et tout. Je crois même qu'il dit un truc un peu ironique en fait quand on parle principalement de sa carrière humoristique, c'est il dit mais moi je crois à la vie après la mort, sinon c'est trop triste. J'ai toujours trouvé ce truc là, le fait qu'il dit c'est trop triste, je trouve qu'il y a un truc un peu, j'y crois mais j'y crois pas, quoi. C'est bizarre, exactement, ouais. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il y a Ghost, moi je trouve que c'est un film hyper victime de la mode. Il y a un gros problème avec moi, j'ai avec Patrick Swayze en général, qui est un acteur que j'aime pas. Voilà, il y a plein de soucis et tout là-dedans, mais je trouve que c'est un film qui est plutôt honnête en fait. Enfin, c'est correctement fait. Le truc, par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a une espèce de posture. Enfin, il y a un truc qui est pas honnête complètement en fait dans la façon qu'il a d'appréhender ça, qui est du coup hyper grotesque dans sa morale et qui, moi,
moi, ma... enfin, pas quand je l'ai vu à l'époque, parce que j'étais très jeune, j'ai fonctionné comme beaucoup de gens, mais en tout cas, qui m'empêche, moi, de prendre du plaisir vraiment, en fait. Il est très emblématique de son époque, à tout point de vue. C'est-à-dire, l'aspect thriller, c'est plus années 80, tu meurs. Enfin, le bad guy, c'est. Il faut préciser, il faut peut-être raconter l'histoire. En gros, c'est l'histoire de Patrick Swayze et Demi Moore, qui sont un couple, en super fait. Amoureux. Super amoureux, parfait, etc., etc., qui s'installent dans leur nouveau super grand loft. Et lui, c'est quelqu'un qui est un peu angoissé parce que, en gros, il se dit que dès qu'il a quelque chose qui fonctionne pour lui dans sa vie, il va le perdre, quoi. Et c'est exactement ce qui arrive, puisqu'en fait, au détour d'une pièce de théâtre, ils vont voir une pièce de théâtre et puis ils sortent dans une ruelle malfamée. Patrick Swayze se fait tuer, mais au début, il s'en rend pas forcément compte, puisque justement, il assiste à la propre scène. Il est persuadé de faire fuir du personnage de Demi Moore qui essaye de le. Voilà, il est persuadé de faire fuir le malfrat, en fait, qui les attaque. Et en fait, il se rend compte qu'il est un fantôme. Et là, d'un seul coup, il découvre un espèce de monde dans les limbes, en fait, où pas mal d'âmes en peine sont encore. Air sur terre. Alors, c'est pas The Grudge, hein, donc c'est pas ce genre de film. C'est vraiment un film très romantique avec. Fantôme contre fantôme en beaucoup en moins inventif. Mais avec une imagerie bondiozarde beaucoup plus prononcée, ouais, surtout parce que c'est un peu le problème, je trouve, qui est principalement dans le film. C'est que, en fait, si tu veux, la foi, on va dire, de Jerry Zucker. Elle est quand même un peu empruntée à ce niveau-là, c'est-à-dire que t'as beaucoup d'imagerie avec des halos, une représentation des fantômes qui est finalement hyper banale, en fait. Très Ancien Testament, effectivement, avec la lumière et les dark et les ténèbres, voilà. Et du coup, moi je trouve qu'il y a quelques scènes comme ça où tu peux te dire ah ça c'est sympa, par exemple parce que c'est un acteur qui le joue. T'as par exemple quand il se retrouve, il y a le personnage qui lui explique. Finalement, les règles du monde dans lequel il est, mais qui est en fait le spectateur qui explique ça au spectateur, au cas où le spectateur ne sait pas ce qu'est un fantôme, c'est ça qui est assez étrange en fait dans le film. C'est hyper explicatif, ça dure 2 heures hein, quand même, hein, pour finalement une intrigue assez famélique. C'est Vincent Schiavelli, qui est un acteur qu'on aime bien, qui était une gueule en fait des années 80-90, qu'on a vu notamment chez Tim Burton, etc. etc. Et en fait, et ça fait sens en fait de le mettre dans un casque comme ça. Après, l'apport de Zucker, je pense, moi je pense qu'il y a une personne qui croit à fond la caisse en fait au film, c'est Demi Moore. Demi Moore, elle était à fond dedans. Elle savait que le film allait marcher. Elle l'avait compris, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, voilà. Et elle n'était pas encore totalement la méga star hollywoodienne qu'elle va devenir, c'est-à-dire assez calculatrice, voilà. Et du coup, elle a vraiment cette fraîcheur en fait dans le film qui fonctionne, quoi. J'en profite juste pour signaler une chaîne YouTube parce que tu m'y as fait penser en parlant de Vincent Schiavelli. Une chaîne YouTube qui s'appelle The Back Focus et qui s'intéresse exclusivement à la carrière des acteurs de second plan. Il y avait un site français comme ça qui s'appelait Second Couteau. Qui était fait par Nathalie. Et qui est plutôt bien foutu, bien recherché, bien monté. Enfin, vraiment un truc très agréable. Chaque épisode fait environ 30 minutes. Donc, c'est un Hollywood story. Alternatif, voilà. Quoi. Hollywood story, mais sur ces acteurs dont tout le monde se fout. Crispin Glover. Enfin, voilà. Que tout le monde connaît. Dont tout le monde connaît la gueule, ouais. L'autre point, j'ai envie de dire sur le film, c'est que. Alors il y a des scènes emblématiques, c'est-à-dire que t'as par exemple la scène d'amour avec la poterie, qui a fait quand même qui est devenu un gros fantasme, si tu veux, pour les ménagères en fait dans le truc, quoi. Non mais il y a pas mal de choses, le fait que ce soit Patrick Swayze qui était quand même ce qu'on appelle à l'époque. En tout cas un moment charnière dans l'imaginaire érotique du cinéma hollywoodien est tellement charnière que ça fait partie des scènes les plus parodiées par la suite, quoi. Ce qui est ironique, marrant. Hein. Et d'autant plus ironique que non seulement ça va être parodié, alors que Jerry Zucker était censé être un spécialiste de la parodie, mais parodié par son propre frère. L'année suivante, avec Naked Gun 2. Et ce qui est quand même, moi je trouve le gag le plus génial de Naked Gun 2, parce que tu te dis, mais en fait, il se fout de la gueule de son propre. Ce que j'aimerais savoir, c'est si le frère était au courant. Si peut-être Jerry pas, Zucker hein, était au courant. J'aurais adoré qu'il lui fasse le gag jusqu'au bout, c'est-à-dire que le mec il vient voir le film à l'avant-première et il découvre que son frère se fout de sa gueule avec cette scène qui est. En plus, bon, on va en parler dans les quelques minutes. Et en même temps, le fait qu'il le fasse, c'est que lui reconnaît que mec, t'as fait une scène qui est tellement emblématique que. Je peux me permettre de la parodier. Ça parlera aux gens. Non, mais tout à fait. C'est aussi une marque de gratitude de parodier une scène. Hein. Après, l'autre apport de Jerry Zucker, indépendamment de, j'imagine, la visualisation, parce que si tu te bases sur le script de Bruce Joel Robin,
justement, en fait, il y a deux façons de représenter la mort, l'au-delà, etc., etc. Tu vois dans l'échelle de Jacob et tu vois dans Ghost, c'est vraiment, c'est-à-dire il y a des similarités, mais en fait il y a un changement de ton et de trucs. Évidemment que le script était certainement pas aussi passe-partout, enfin pas passe-partout, mais c'est un gros bonbon sucré typique des années 80. Avec donc en plus un apport supplémentaire de la part de Jerry Zucker, qui est le casting hyper important, hein, parce que ça a fait d'elle une énorme star aux États-Unis. En fait, elle était déjà sur la voie montante. Elle avait fait Jumping Jack Flash avant. Elle était sur la voie montante, mais c'était pas. Là, c'est un second rôle. Hein. Et en fait, je crois d'ailleurs qu'elle a été nommée aux Oscars, non, pour ce rôle. Tout à fait. Peut-être même eu, il faudra vérifier. Mais du coup, en fait, si tu veux, de Whoopi Goldberg. Et Whoopi Goldberg qui joue donc la médium. Une arnaqueuse. Qui est censée être une arnaqueuse, alors que dans le scénar de Bruce Joel Robin, c'était un vrai médium, en fait. Et en fait, qui se rend compte d'un seul coup quand Patrick Swayze arrive. Qu'en fait, elle est le pont entre l'au-delà et enfin les limbes et le monde réel. Quoi. Et là, le film se transforme en une sorte de film presque un buddy movie, une comédie. Ouais. Donc c'est un film qui ménage les tons, mais qui est principalement un film romantique. Romantique. Énorme carton dans la carrière de Jerry Zucker. Les scènes de comédie avec Whoopi Goldberg, elles sont très marquées comédie et thriller aussi. Encore une fois, tout le délire autour du méchant du film. Bad guy, c'est vraiment les Hollywood Good Night qu'on se bouffait à cette époque-là. Moi, ce que je trouve aussi, ce qui a participé du succès du film et que je n'aime pas dans le film, c'est la mise en scène de Jerry Zucker, qui est une mise en scène, et c'est pas un hasard, ultra lisible. C'est-à-dire vraiment, les cadres sont toujours... Le comédien est bien centré, on comprend bien qu'il est là, et ça a son avantage, c'est-à-dire que le film se lit très 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 facilement. Tu peux même ne pas le regarder, tu continues à comprendre. Tu peux le regarder au ralenti, c'est-à-dire être une personne âgée dans une maison de retraite et avoir un petit peu de difficulté à décrypter ce qu'il y a à l'image, t'as le temps de mater et de comprendre ce qui se passe à l'image, et ça participe du succès. En tout cas, le truc qu'il faut peut-être préciser là-dessus, c'est que c'est un tel carton que ça va littéralement changer la carrière de Jerry Zucker, pour le coup, qui va passer sur d'autres trucs. On va y revenir plus tard, très très rapidement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y revenir? Le bazardé, First Night. C'est important. On essaye de faire ça dans l'ordre des sorties, quoi. Parce que le truc, c'est que je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que lui, il va vraiment se mettre de côté par rapport à Naked Gun 2, par rapport à Hot Shots. Hot Shots, il n'est pas du tout impliqué. Donc voilà. Alors, Naked Gun 2, pour faire très vite, comme le premier était un gros carton, le 2, en fait, s'imposait de lui-même. Beaucoup plus d'argent. Moi, je trouve beaucoup plus maîtrisé. C'est clair. Malgré une reprise de beaucoup de gags de Police Squad, pour le coup, en fait, qui se retrouvent vraiment là-dedans. Le gag dont tu parlais, en fait, où ils sont en train de se tirer dessus à travers derrière les poubelles, il le reprend tel quel dans, dans Naked Gun 2. Il y a une certaine élégance encore dessus, moi, du film. Hein, ouais. Alors, je suis désolé de revenir avec mes trucs geeks d'effets spéciaux, mais par exemple, il y a un truc qui est étonnant dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, c'est qu'il y a des matte paintings dans le film, mais qui ne génèrent aucun gag, rien du tout, qui sont juste là pour la dramaturgie, en fait, de la scène et du décor. Et moi, je trouve que ça, c'est compliqué à faire, hein, une peinture sur verre, surtout à cette époque, surtout au début des années 90. Et ça fait montre quand même d'une volonté d'avoir une certaine tenue, en fait, dans l'objet filmique. C'est-à-dire que on est au cinéma, on est là pour rigoler, on est dans une comédie, mais on prend quand même ça au sérieux, on essaie de faire les choses bien. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on ne retrouvera justement pas ça tout le temps dans ce qu'ils feront. Déjà dans le 3, je trouve, mais on en parlera plus tard. Clair, mais le truc, c'est que ce qui est, c'est plus eux qui réalisent d'ailleurs, mais en fait, le truc qui est vraiment bien aussi dans celui-là, c'est que même si le premier, effectivement, s'inspire un peu plus des comédies, enfin des films d'action de l'époque, celui-là revient à une logique un peu de thriller, Hitchcockienne, même si encore une fois c'est pas filmé comme Top Secret, c'est pas tout ça, etc. Il s'est beaucoup plus ouvert, avec pas mal de gags, moi je trouve qu'ils fonctionnent. Par exemple, il y a ce gag, en fait, je pense, qui est vraiment hérité pour le coup d'un truc comme La mort aux trousses, mais qui est un gag annexe, hein, en fait, qui est un gag, je pense, c'est quand t'as Drebin qui se casse la gueule du haut d'un toit, en fait, tombe par terre, il est complètement barbouillé, en fait, il a les cheveux qui partent dans tous les sens, et en fait, il se remet juste un coup de main comme ça, et c'est Cary Grant, d'un seul coup, il a de nouveau la coupe hyper travaillée. Ce qui est un truc. Il sort du champ, il se remet, et d'un seul coup, il est. Voilà. Ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle le Texas Switch, qui est une technique de cinéma qui date qui est très très vieille, hein, qui date des premiers westerns, dans lequel, sur un plan général, en fait, t'as un cascadeur, par exemple, qui tombe d'un
l'escalier, mais il tombe derrière un, on va dire un canapé par exemple, et quand il se relève, le personnage se relève, bah, il est interprété par le comédien, donc on a l'impression que c'est le comédien qui vient de faire la cascade. Et ça, c'est un gag sur lequel les As, ils travaillent, ils ont beaucoup beaucoup travaillé. Sur Naked Gun 2 aussi, il y a de la mise en place des gags, c'est-à-dire qu'en fait il y a ce truc où, moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a ce truc où il y a une scène en milieu de film en fait où il libère le zoo, ce qui fait que déjà en fait tu te retrouves avec des singes, avec des girafes comme ça qui traversent le décor. Et qui participe pour moi au côté paroxystique en fait du slapstick dont je parlais tout à l'heure. Pour devenir en fait une punchline la scène suivante où sa chef en fait elle vient le voir et lui fait à cause de vous la Maison Blanche est envahie par les babouins, et en fait lui il répond mais moi pour moi c'est de la faute des électeurs quoi. Parce qu'il y a ce truc aussi où ils se foutent pas mal de la gueule de Bush à ce moment-là. Pour finir sur comment en fait on va se débarrasser du méchant, le jeter par la fenêtre, le mec atterrit les pieds du 15e étage pour se faire bouffer par un lion qui restait en fait encore voilà. Donc t'as tout un tas de trucs comme ça de cumulation qui moi je trouve fonctionne assez bien, et effectivement il y a ce truc en fait où on va je parlais tout à l'heure des entrées de champ du personnage et ce genre de choses, et là moi la plus belle entrée de champ de Drebin pour moi de la trilogie c'est vraiment en fait la scène d'ouverture quand ils vont quand il y a un dîner à la Maison Blanche, et donc t'as des sosies plutôt pas mal fait ressemblant. T'avais déjà un peu ça avec la reine d'Angleterre dans le premier, mais là c'est de George Bush et de sa femme en fait, qui était le président à l'époque, hein, c'était le président en place, qui se retrouve invité des gens, et donc t'as Barbara Bush et George Bush qui sont là en train de saluer tout le monde, etc., etc. Et puis en fait, Drebin sort des toilettes, t'entends la chasse qui tire, et il lui éclate la gueule avec la porte, et en fait il se met à marcher sans s'en rendre compte à côté de... Voilà. Donc t'as tout un tas de trucs comme ça, qui était toute une scène qui était basée sur un événement qui s'était produit où Bush avait effectivement vomi pendant un dîner avec le premier ministre japonais. Ouais. D'accord. Ouais. Et je savais pas ça. Et enfin voilà. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qu'ils mettent en place. Ou de toute évidence en fait là, même s'ils ont jamais fait du cinéma politique avant un certain film dont on va parler plus tard, ils ont clairement donné leurs opinions à ce moment-là en se foutant de la gueule du personnage, quoi. Tu vois, bon, c'est presque plus une attitude anard. Moi, je mets plus ça à cette époque-là, en tout cas, sur un truc comme ça où de toute façon, pas vraiment anard. On se fout de la gueule du pouvoir établi, ce qui est aussi un ressort comique assez classique. Finalement, ouais, mais après, il le faisait pas. Par exemple, très gentiment, enfin, encore une fois. T'as quand même une scène au début où ils sont dans un bar, je sais plus comment il s'appelle le bar, il a un nom assez particulier, mais c'est un bar de dépressifs. Et en fait, sur le mur, en fait, t'as tous les événements catastrophiques, hein, t'as le Titanic, etc. Et puis là, t'as une photo de Dukakis, quoi, si tu veux, qui était le personnage qui a perdu, enfin, l'homme démocrate politique, qui était pressenti pour gagner les élections en 88 et qui a perdu face à Bush. Donc, du coup, je pense que c'est quand même assez, prononcé. Il y a quand même un gag de cinéma, au même titre que Top Secret dans les Naked Gun, et qui revient, en fait, à chaque épisode, qui sont les scènes d'amour, en fait, avec Priscilla Priestley, en fait, où c'est des scènes d'amour torrides, mais représentées uniquement sur le terme, en utilisant l'analogie, en fait. C'est-à-dire, au lieu de montrer une l'érection de Drebin, et ben on va te montrer un missile qui est en train d'être élevé, en fait, sur le sa rampe de tir. Le train qui rentre dans un tunnel. Voilà, qui vient aussi, d'ailleurs, tu parlais de la mort aux trousses, ça vient très très clairement aussi de ça. C'est-à-dire, dans la mort aux trousses, à la fin, le train qui rentre dans le tunnel... était un gag en fait méta en fait d'Alfred Hitchcock pour signaler que ça c'était en train de bien se passer dans le wagon couchette, quoi. Donc il y a quand même ce truc là qui est souvent, et avec ce truc que moi j'adore chez eux, mais qui bon a peut-être été refait à outrance par tous les films qui ont presque, j'ai envie de dire, parodié les parodies, hein, qui est ce truc où d'un seul coup t'as un élément absurde de ils sont en train, par exemple, justement dans la scène où ils parodient Ghost, ils sont en train de toucher la poterie comme ça, puis t'as une troisième paire de mains qui arrive, qui vient de Police Squad, hein, t'avais déjà bien sûr c'est ça Squad, et en fait t'as Drebin qui comprend pas parce qu'il y a rien, il te montre qu'il y a personne derrière lui, si tu veux, parce que tu pourrais croire à ce moment là voilà. T'as aussi ce truc absolument génial où parce que elle lui cherche la matière là dans le pantalon, quoi. Elle sort de la poterie, encore une fois, de la glaise, quoi. Et en fait, le corps, c'est un corps ultra musclé. de façon hyper hyper prononcée, quoi. Tu vois que c'est pas Drebin, sauf que cut, et là t'as la tronche de Drebin qui fait comme si c'était son corps, quoi. Vraiment qu'elle est en train de jouer le jeu, quoi. Et du coup t'as plein de trucs comme ça assez marrants. Et puis moi j'aime beaucoup aussi certaines phrases, certaines punchlines à l'emporte-pièce, comme
comme ces espèces de phrases à la Johnny qu'il n'arrive pas, tu sais, où il mélange les expressions, il dit on dirait que les vaches ont gagné le perchoir pour couver, ce genre de choses qui me font beaucoup rire, voilà. Donc encore une fois, très 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 fan de la VF. Je sais pas pour vous, mais après, moi, ce film qui est quasiment un de leurs chefs-d'œuvre aussi, hein, pour moi, avec vrai, Top Secret c'est, et tout. C'est, quoi, c'est voilà. Super, enfin, c'est un de leurs films, il est plus drôle, quoi. C'est moins raffiné, c'est moins fin, mais c'est super. Grosse douche froide avec, avec Hot Shots, moi, personnellement. Sur Hot Shots, Hot Shots, c'est un film qui date de la même année que le deuxième Naked Gun, Y a-t-il un flic pour sauver le président. Jim Abrams, c'est la réalisation déjà. Avec Pat Proft au scénario. Pat Proft, et vraiment le film. Là, ça y est, Top Gun. Victime de la mode totale, c'est-à-dire que bah, c'est pas simplement Top Gun en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi, je sais pas, il y a des trucs un peu oubliés. Il y a Suzy les Baker Boys, je crois me souvenir, hein, qui est parodié dans le film. 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, ça c'est un peu plus. Après, ils font Rocky, Superman dans des petites scènes. Donc, le truc de Hot Shot, c'est que ils commencent à être pris à leur propre piège, c'est-à-dire que là ils se mettent à parodier non pas des trucs qui leur sont chers, avec lesquels ils ont grandi, mais des trucs avec. Ils partent de présupposés du public. C'est-à-dire que tu commences à avoir cette impression que, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné ces dernières années, et à partir de ça, comment on peut le détourner, comment on peut en tirer un gag. Moi, je le vois comme un coup, en fait, ce film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Jim Abrams s'est dit, bon, moi, je sais ce que je sais faire, c'est ce que je peux vendre, j'y vais. Mmh. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça a été, en tout cas, le premier, hein, a été fait de cette manière-là, dans cette logique-là. Alors que, bon, on va en parler après, mais la suite, je pense qu'il y a un peu beaucoup plus travaillé en fait. Mais bon, il y a aussi cette problématique. Ça a coûté moins cher aussi le premier Hot Shots, hein, je pense. Hein. Oui, mais. Et puis c'est pareil, c'est un film où il prenait quand même quelques risques, quoi. C'est-à-dire Martin Sheen dans ce rôle-là. Charlie Sheen, excuse-moi, mais c'était pas forcément. Mais alors c'est pareil, alors dans une moindre mesure que Drebin, le problème en fait de Charlie Sheen, je trouve, j'ai jamais trouvé que c'était un grand acteur. Mm-hmm. Et le problème en fait de Charlie Sheen, c'est que ces films-là, en fait, pour moi, ils ont saboté son jeu. C'est-à-dire que quoi que ce soit que tu fasses derrière, le mec a fini dans les sitcoms, hein, tu vois, donc c'est pas non plus, c'est pas comme s'il avait fait une grande carrière, ben finalement tu peux plus le prendre au sérieux, donc c'est un peu compliqué. Y a ça, quoi. Puis je pense qu'il est quand même, après c'est très subjectif, donc c'est assez compliqué. Personnellement, il me fait beaucoup beaucoup moins rire que Leslie Nielsen. Largement. C'est pas, je trouve que par exemple c'est pas un mec qui a un timing de comédien comique super super bon. Il est pas, il y a pas de déconnade dans son œil à ce mec là, quoi. Tout est beaucoup plus grossier, tout est beaucoup plus balourd, et je pense que le film aussi pâtit de ça, hein, au final, quoi. Oui, mais après, le truc, c'est que j'ai envie de dire, il est à tout prendre, il est beaucoup mieux utilisé dans Hot Shots 2, quoi. C'est-à-dire que, voilà, mais disons que la problématique de ce film pour moi, c'est qu'il y a un espèce d'abattage dans le gag. Qui est assez basique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une formule où le slapstick pour le slapstick est vraiment pris en compte, et le reste en fait est vraiment mis au second plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Il n'y a pas d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on reprend plus ou moins le scénar de Top Gun. Dingue, parce qu'encore une fois, on a démontré à quel point ils étaient attachés à ça, quoi. Voilà, il y a déjà, en fait, si tu veux, les prémices de la problématique, en fait, de faire des gags, alors je vais mettre les guillemets racistes, c'est-à-dire que je vais vraiment utiliser ces guillemets, ratio en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a déjà, en fait, la représentation des Arabes. Alors, dans les gags, tu vois, c'est-à-dire ça aussi dans les Y a-t-il un flic. Oui, mais en fait, c'était beaucoup plus poussé. Moi, je m'en fous. Parce qu'en fait, tu ne vois que ça, en fait, si tu veux, voilà, dans le film. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste, si c'est pas drôle, c'est terrible, en fait. Non, mais en fait, il y a des moments où ça peut fonctionner dans d'autres films, hein, qu'ils ont fait dans Hot Shots 2. Il y a des moments où ça marche pour moi. Mais le problème, en fait, là-dedans, c'est quand tu te retrouves que avec ça. Bah finalement, en fait, c'est ce que tu retiens quand tu revois le film. Moi, pour le coup, je l'ai revu là pour le. C'est pas un film que j'affectionne beaucoup, contrairement aux deux. Pareil. Ouais, et en fait, il y a beaucoup de choses qui restent un peu comme ça, qui sont finalement assez. C'est du coup de coude, en fait, et c'est ce qui va par la suite être justement devenir un genre en soi, c'est-à-dire des films où il n'y a plus tellement de recherche d'un gag que de recherche de la connivence avec le public de ce qu'il a pu voir ce qu'il a pu voir avant. Recherche d'un gag, mais juste d'un gag, du gag pour le gag, c'est tout, et donc de plus travailler sur ouais. Très faiblard, évidemment, mais quand je dis d'un gag, ouais. C'est juste un tout petit truc, en fait, qui survient à un moment donné et qui laisse finalement qu'une trace. C'est ça, quoi, mais on cherche plus à travailler, effectivement, la mise en scène l'écriture et tous les éléments constitutifs de ces gens-là, et puis il y a aussi le fait que ce soit... comme vous l'avez noté, d'une certaine façon, les succès du moment, parce que le 2 va lui se concentrer sur
Un genre spécifique. Un genre, mais en fait, un personnage même, plutôt. Et du coup, naturellement, retrouver cette idée de déconstruction d'un genre. C'est ça, voilà. Mais... Et d'avoir une espèce de cohérence, là où, encore une fois, c'est pour ça que je parlais encore... Je suis désolé de revenir sur Susie et Backer Boy, mais c'est, tu vois Outshot, donc tu comprends le truc sur Top Gun et tout, et tout à coup, t'as ça qui arrive dedans. Et tu dis, mais c'est quoi la logique, surtout que ça n'apporte strictement rien, quoi. Le seul truc que tu peux éventuellement retenir, c'est moi je trouve, hein, c'est que je ne m'attendais pas forcément à ça de sa part, en fait, c'est que Valeria Golino, elle a un certain timing. C'est ce que j'allais dire, en fait. Elle est étonnante, mal, en fait, quoi, parce qu'elle a un regard un peu triste, ouais, cette fille, et du coup, je pense aussi que ça vient de ça. C'est, déjà, tu t'attends pas forcément à ce qu'une fille aussi... avec un charme aussi délicat, j'ai envie de dire, face de la grosse comédie un peu qui tâche, comme ça. Et en plus, je trouve qu'il y a un truc dans son regard... pas du tout dans le même registre d'ailleurs que Leslie Nielsen, mais qui fait que elle fonctionne en fait, parce que je pense qu'elle est inattendue. Ouais. C'est un vrai bon choix de casting en fait, Valérie. Ouais, elle est vraiment bien. Et bon, à l'époque, c'était l'actrice de Rain Man, c'était vraiment pas du tout en fait ce dont je voulais avoir. Après, le problème, si tu veux, c'est que tu parlais de la construction du genre. Et Big Top, puis oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, tu parlais de déconstruction du genre, mais par exemple, voilà, c'est quoi le genre de Top Gun? C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent qu'ils font une parodie de Firefox? Est-ce qu'ils font une parodie d'Aigle de Fer? Il n'y en a pas. Donc c'est ça qui est très étrange, en fait, aussi avec le film, quoi. Et puis après, il y a la volonté, en tout cas, de créer un espèce de... Enfin, qui est dit, encore une fois, à Top Gun, hein, de créer un espèce de trauma pour le personnage de Charlie Sheen, qui est, en fait, dont on se fout complètement, parce qu'à un moment donné, en fait, la question, c'est de savoir s'il est un si bon pilote que son père, qui était la risée du truc, alors que c'était un très bon pilote. Enfin, t'as de trucs comme ça, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est un film, moi, je trouve, beaucoup moins, C'est pas très intéressant. Je trouve que c'est le premier vrai signal d'alarme, en fait, de ce que ce genre, en fait, qui a quand même été créé par les As, quelque part, en fait, en tout cas popularisé par eux, clairement, avec des règles, en fait, va se perdre quand on abandonne ces règles-là, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui va se voir, en fait, avec toutes les autres parodies qui vont arriver, mais jusqu'à même la fin des années 2000. Et c'est le premier signal, en fait, vers ça, même si, bon, tout. En toute honnêteté, quand tu te tapes Hot Shots aujourd'hui par rapport à tout ce qui est sorti après, c'est une meilleure tenue. C'est une meilleure tenue, c'est un classique. Mais c'est vrai que ce système, on peut passer maintenant à Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Non, c'est Hot Shots 2 parce qu'ils ont sorti, en fait, c'est sorti dans la foulée parce que justement le premier est un succès. Et c'est Rafik qui voulait en parler. Hot Shots, c'est pas donc en France Hot Shots 2, mais sorti aux États-Unis sous le titre Hot Shots Part 2. En français dans le texte. Voilà, en français dans le texte, avec sur l'affiche américaine Just Does It, puisque c'était, Nike. Nike à l'époque avait lancé sa campagne, qui donc lui va tourner exclusivement autour de la parodie donc de Rambo 2 au départ, mais en fait de la franchise Rambo, du personnage créé par Rambo, en y adjoignant tout ce qui a servi en fait de référence à Rambo, c'est-à-dire les films de commando, Il y a un peu d'Apocalypse Now, enfin il y a un petit truc. Ouais, tout à fait. Donc, mais il y a T2 aussi, et tu te demandes ce que ça vient foutre finalement là-dedans, quoi. Mais c'est un film d'action. Il arrive tard en fait. Ouais, heureusement, mais tu vois, ça fait partie des trucs. C'est un gros film d'action. Il est justifié par le fait qu'effectivement il y a tout un délire autour de Saddam Hussein dès le début, qui passe par différentes étapes plus ou moins fantastiques, parce qu'il est aussi le chien du magicien d'Oz à un moment donné, ou un truc dans le genre, et effectivement qui finit par se révéler être un T-1000, déjà, d'ailleurs, ce qui me fait penser, tu parlais tout à l'heure de DreamQuest et d'autres studios qui bossent sur ces films et qui bossent très sérieusement. Il y avait eu carrément un mec, il y a une featurette qui a été dédiée aux effets spéciaux d'Hot Shots 2, parce qu'il y a quand même des effets compliqués à faire, en fait. Il y a surtout des très beaux effets spéciaux de maquillage dans le film. Et pour ce qui est de la partie T2, ils l'ont fait en live, en une caméra. Il y avait du CGI aussi, je crois. Un peu. Ah bon ? Ouais, d'accord. Parce que je me souviens justement d'un making-of où vous expliquiez comment ils avaient pu reproduire cet effet mercure, mais sur le plateau. Donc en gros, là, le personnage donc interprété dans le premier par Charlie Sheen se voit envoyé dans une se retire du monde et dans un
j'ai pas le nom. Dans un temple bouddhiste. Voilà, bouddhiste. Moi, je trouve des très bons gags sur les bouddhistes. Quand ils vont arriver, comment elle s'appelle, la nana, là, qui vient chercher. Et ils sont tous, ils veulent tous la draguer, et elle commence à prendre des... Enfin, c'est complètement con, mais ça me fait montrent leurs muscles, etc. Ils font des claquettes. en arrière-plan, toujours. Voilà, qui veut plus entendre parler de la guerre. Que, donc, le colonel Denton Walters, interprété par Richard Crenna, qui avait demandé l'autorisation à Sylvester Stallone, hein, s'il pouvait reprendre son personnage de colonel dans une parodie. Il a eu la bénédiction de Sly. C'est quand même une première, hein, parce que c'est un mec qui parodie littéralement son propre rôle. C'est-à-dire que c'était un peu ça, on va dire, dans la façon dont... À une époque où les films sont très récents, surtout. Ouais. C'est ça qui était étonnant. C'était un peu ça avec Robert Stack, mais c'était plus, en fait, ils parodiaient plus leur jeu, je trouve, en fait, finalement, dans la façon dont c'était employé dans le truc, que leur personnage, quoi. Et là, en fait, le Crenna, il était effectivement connu pour le rôle du colonel Trotman, et là, c'est vraiment, il reprend littéralement le même rôle, quoi. Et donc, et on finit par le convaincre de repartir en mission et part donc dans je sais plus la jungle de quel bled, hein, c'est pas le Vietnam, mais c'est en Irak, à Saddam Hussein. Ah oui, c'est Saddam Hussein, pardon, t'as raison. Ouais. Mais il y a quand même une jungle et des rivières et des rizières en Irak pour les besoins du film. Oui, parce qu'en fait le film parodie, c'est-à-dire il parodie Rambo 2, Rambo 3, il parodie Portée disparue. Il parodie Kickboxer. Donc en fait, il parodie toute la vague musculeuse du milieu des années 80, en fait, qui est initiée par Rambo 2. Hein. Et ça lui donne un cadre de travail, une cohérence, où effectivement les gags fonctionnent parce qu'on est dans cette déconstruction systématique. Il y a une partie quand même, dans mon souvenir, à Washington, qui est un peu hors cadre. Il parodie Basic Instinct parce que d'un seul coup, il faut aller chercher les fonds. Cette actrice qui a fait que ce film, Brenda Bake... Non, elle est dans... Piège à grande vitesse avec Steven Seagal. Ah bon ? Donc respect. Désolé. Bon, t'as raison. Elle jouait aussi dans Lana Turner dans Les Confidential. Ouais. Mais donc où ils ont une scène d'amour qui parodie Basic Instinct. Comment ? Parodie Basic Instinct. C'est Basic Instinct parce qu'en fait il y a ce truc. Ah oui, si, le coup du tournevis. T'as le lit qui grince. Oui. Et donc à un moment donné, elle sort un truc de sous le lit. Tu crois que c'est avec le pic à glace. En fait, c'est le tournevis. Elle revisse. Sauf que la scène se fait sur la chanson des Pointer Sisters. Comment elle s'appelle cette chanson ? I'm So Excited. Voilà, donc dans un rythme assez délirant. Et il y a la. Avec un Pippington qui les filme. Les chauffeurs de limousine qui les. Et qui se termine. Mais moi j'adore. Ah, mais moi, autre chose, je l'adore. Et qui se termine au-dessus de son lit où elle a donc un plongeoir à partir duquel elle sur son amant. C'est là où il y a le coup du lit et du tournevis. Mm. Et ça se termine littéralement. Elle a un chapeau de cow-boy. elle tire des coups de feu comme si c'était un rodéo. Et ça, apparemment, le coup du chapeau, c'était improvisé sur le même plateau parce qu'en fait, elle a lancé son chapeau qui a atterri directement sur la caméra. Il y a beaucoup de gags méta en fait aussi, ce qui est assez intéressant. Je voulais juste noter que par rapport au timing coming de Valeria Golino, qui est effectivement impeccable, dans celui-ci, elle est plus que brillante. Elle est rejointe par un autre gars dont on ne s'attendait pas à ce qu'il ait une qualité de comique aussi, et qui est juste génialissime, qui est Miguel Ferrer. Il est génial. Voilà, je ne peux plus le Miguel Ferrer, pour resituer, c'est donc le jeune cadre dynamique enculé cocaïné, de sa race, cocaïné de Robocop. Voilà. Cousin de Georges Clooney, qui est décédé malheureusement ces dernières années. Et fils de José Ferrer. Fils de José Ferrer. Et qui est vraiment, un de mes seconds rôles préférés, et qui est vrai, c'est vrai qu'il est absolument génial. Il est génial. La guerre, c'est fantastique. C'est resté. Il est absolument fabuleux. Et donc, on retrouve le rythme un peu mitraillette, je trouve, de c'est le cas de le dire. De, bravo, Rafik. de Airplane et de Top Secret. Alain, tu me rajouteras un petit tri. Et donc du coup, moi je trouve intéressant que le fait qu'on retrouve des choses qui nous avaient déjà plu dans ces films de déconstruction fait qu'on a aussi à nouveau un grand compositeur qui se joint à la tâche, qui est Basil Paul Doris, et qui nous fait un score, pareil, d'action. De film d'action qui s'écoute totalement en dehors. Sur toute la durée en premier degré, mais il y a vraiment des moments où tu te dis, j'aurais bien aimé que Paul Doris nous fasse un Rambo. Vas-y. Et moi, je trouve que le
pour moi, c'est un de mes préférés. Je le mets pas dans le canon des As, puisque ils sont pas là. C'est Pat Proft et Jim Abrahams. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui s'est fait mieux post Top Secret, en fait. Ah oui, oui. Ouais. Et en plus, il y a un truc. Alors, il y a tout un tas de gags méta, en fait. Si tu alors, ça va de, par exemple, Charlie Sheen qui divague sur la rivière avec son bateau et qui d'un seul coup croise Martin Sheen, son papa qui joue le personnage principal d'Apocalypse Now. C'est émouvant, en fait. Ouais. C'est ça qui est touchant, en fait. Il y a un truc assez émouvant. Et les mecs se regardent en disant "Je t'ai adoré dans Wall Street", alors qu'en fait, les mecs ils font référence à d'autres films. T'as ce truc, en fait. Alors bon, il y a ce truc que moi je répétais pas mal avec mes potes ou en gag, en fait, parce que ça nous avait fait hurler de rire dans le film. C'est ce passage où ils peuvent pas traverser, et en fait ils peuvent pas monter, enfin ils peuvent pas rentrer passer en fait leur chemin, parce qu'il y a ils ont pas la clé pour la barrière là, oui, donc on est coincé, il y a une barrière, on peut pas passer, alors que le mec, il a fait 30 cm dessus. Ouais, voilà. T'as ce truc, en fait, où ils jouent avec la logique de la façon dont ces films d'action étaient conçus à l'époque, pas dans la fabrication, mais dans ce qui était attendu. C'est-à-dire que on le sait aujourd'hui que Schwarzenegger et Stallone, c'était des gens qui étaient ultra compétitifs dans ces années-là, que Schwarzenegger avait clairement le dessus sur Stallone, qui était beaucoup plus émotif, alors que lui était hyper calculateur. Et il y avait ce truc où, en gros, l'idée, c'était dans chaque film, ils vont se surpasser, notamment dans le nombre de morts. Et à l'écran. Ouais. Et on a été contre, celui qui avait tué le game, c'était Bruce Willis avec Die Hard 2, parce qu'il s'était pointé avec un Boeing et puis 250 personnes d'un coup. Mais du coup, en fait, t'as ce gag dans le film où d'un seul coup, t'as Charlie Sheen qui se met à tirer partout avec sa mitrailleuse à la Rambo, quoi, qui bute plein de cascadeurs, en l'occurrence, parce que c'est aussi qui est drôle, hein, c'est que tu les vois avec toutes leurs moustaches et tout ça, etc., etc. Et en fait, t'as un compteur où il y a film le plus sanglant depuis Robocop, film le plus sanglant depuis Total Recall, etc., etc. Et du coup, t'as ce truc, en fait, où ça, tu peux comprendre le gag au premier degré, hein, tu te dis d'accord, c'est meurtrier, mais en fait, il y a un gag, en fait, sur la façon dont l'industrie fonctionnait par rapport aux attentes du public. Et du coup, c'est un gag presque, j'ai envie de dire, de personnes qui lit ouais, Variety, quoi, ou qui lit ce genre de choses. Et alors, moi, il y a un autre gag. Mais qui en arrive après être passé à l'extrême, c'est-à-dire, en gros, film le plus sanglant de tous les temps, en gros, d'une certaine façon, avoir joué le moraliste à peu de frais, il termine quand même avec une pirouette infantile qui pour moi même conclut magnifiquement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il est dans une véritable montagne de douille, en fait, oui, c'est la parodie de Portée Disparue, voilà, ouais. Tellement il a tiré, et comme il a plus de balles, il se met carrément à les jeter, en fait, sur les gars pour les tuer, et les mecs tombent quand même, et là on est carrément retourné à l'école, en fait, à faire semblant de mourir. Et ça le sauve, en fait, parce que si on était resté au jugement sur le nombre de morts et tout, moi j'aurais quand même fait la grimace en me disant mais j'ai pas envie que tu me fasses la leçon, surtout dans une comédie. Mais terminer par ça, pour moi, c'est... Bah, tu vois, Y a un autre gag, je sais pas pour vous, mais ça j'en ai déjà peut-être parlé, alors je vais peut-être me refaire ma petite anecdote, parce que ça m'a toujours fait halluciner, en fait. Y a un gag que je comprenais pas dans le film, je comprenais le premier degré, mais je connaissais... C'est celui qui est sur l'affiche, pour toi. Voilà, mais voilà. Et ce gag, en fait, c'est un peu comme le cheval dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est qu'est-ce que ça fout là? Le coup de la poule, peux rigoler, mais qu'est-ce que ça fout là? Il faut que je comprenne le gag. Le coup de la poule est effectivement amorcé. Le truc, c'est que c'est une scène où t'as Charlie Sheen qui, donc encore une fois, dans son personnage de Rambo, n'a plus de flèche. Donc il a raté le personnage qu'il veut tuer, là, le méchant qu'il veut tuer, il l'a raté avec les 5 flèches qu'il avait. Il fait merde, comment je vais faire? Et puis d'un seul coup, il ramasse une poule qui est une espèce de tête de con, et en fait, il la tire sur son arc et il la balance. La poule fait mouche, j'ai envie de dire. Son bec se plante, le mec tombe par terre et elle pond un œuf pour faire un gag sur le gag, par-dessus le gag. Et moi je m'étais dit, ok, d'accord, ça fait rire les gens parce que la poule fait une grimace, parce qu'elle fait un drôle de bruit. C'est très cartoon d'ailleurs, comme truc, c'est ça. Hein. Mais je me disais, mais ça vient d'où? Normalement, en fait, il y a un truc qui est lié à ce qui est parodie, en fait. Il n'y a jamais eu ça dans Rambo, de quoi il parle. Et en fait, un jour, très longtemps, quelques années après, c'est vraiment un gars qui me turlupinait à chaque fois que je regardais Hot Shots 2. Hein. C'est-à-dire, je ne comprenais pas la source du gag, en fait, d'où ça venait, d'où aurait venu l'idée. Je me suis dit, ils sont pas aussi cons que ça. Ça aurait été dans un scary movie, je me serais plus posé la question après, parce qu'en fait, c'est exactement leur genre de fonctionnement. Mais là, en fait, je me suis vraiment dit merde. Et en fait, un jour, quand les DVD sont sortis de Rambo, les 3 Rambo, je me suis acheté, je me rappelle même d'ailleurs que c'était une scène très émouvante à la Fnac avec Rafik qui était à mes côtés, quoi. Et à un moment donné, on les voit sortir. Moi, j'étais en train de regarder le coffret, et en fait, Rafik me regarde
Il me susurre à l'oreille, il me dit « Stéphane, ne renie pas ta propre nature, tu vois ». Et en fait, j'ai fait « Ouais, putain, t'as raison ». Je suis parti avec le coffret, quoi. Et du coup, je me suis refait les films, les trois d'affilée. Et donc, dans Rambo 2, il y a un moment donné absolument incroyable, et j'ai éclaté, mais de rire, vraiment, parce que j'ai compris, en fait, d'où venait la source du gag. C'est que t'as un moment donné où t'as Rambo, qui est poursuivi par les Viet, qui s'échappe, etc., etc., dans le camp, et en fait, il y a un moment donné, il est coincé, il sait plus quoi faire, il se retourne, et là, t'as un insert sur une poule au sol, et cut. et là, en fait, éclat de rire, parce que j'ai fait, ok, donc ça vient de là. C'est-à-dire que l'insert, il est complètement improbable, dans le montage, il est très bizarre. Plus tard, si tu fais vraiment attention, en fait, tu te rends compte qu'il a juste égorgé la poule pour mettre du sang partout, pour faire croire qu'il est blessé au Viet. Mais c'est tout, quoi, au Viet Cong. Et en fait, du coup, voilà, c'est-à-dire que et en fait, du coup, non seulement, en fait, maintenant, je comprends le gag de Hot Shots 2, je me marre, mais en plus, je me marre dans Rambo 2. Donc, ça m'a flingué le film, quoi. Mais enfin, on peut pas flinguer Rambo 2. Mais on revient encore une fois au fait que il y a une logique interne dans la parodie et surtout une affection, si ce n'est une affection, en tout cas, une compréhension. Des films complètement, qui sont en train de parodier, même dans le découpage, dans cette scène de tuerie là, dont parlait Rafik, il te retrouve le découpage, notamment sur les gros plans musculeux avec le George Pancosmato, ça. Les trucs, même de Predator 2, quoi, tu vois, ouais. Et du coup, qui étaient des choses vraiment que toi, quand tu consommais de façon courante, en fait, le cinéma d'action des années 80, bah, t'avais l'habitude de retrouver ce découpage-là. De tenter de se mettre à la hauteur de ce que tu parodies, en fait. Et ce qui est une marque de respect, en fait. Exactement, ouais. Et de compréhension, et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mmh. Par contre, le film n'a pas marché. Il y a toujours dans cette idée que celui-ci est beaucoup plus une déconstruction que ne l'était Hot Shots. Ils ont poussé donc la logique jusqu'à développer un making of qui est passé sur HBO, qui s'appelait Hearts of Hot Shots Part 2 Filmmakers Apology, et qui reprenait en fait la structure de Hearts of Darkness, le doc donc sur le tournage d'Apocalypse Now, donc dans lequel on peut retrouver Martin Sheen aussi. Bon. On va passer à Naked Gun 3, parce que vous avez l'air de le demander depuis tout à l'heure, hein. C'est le film d'après, en fait. Pas forcément. Non, mais par contre, en fait, t'as pointé du doigt quelque chose de très très intéressant, Rafik. C'est le fait qu'il soit réalisé par quelqu'un d'autre, d'une part. Peter Segal, qui va devenir réalisateur de comédie. Et notamment des comédies d'Adam Sandler. Et aussi parce que celui-ci reprend la structure quasi complète d'un film, mais pas du tout d'un film oublié, cette fois-ci d'un classique qui est L'Enfer est à lui. White Heat, avec James Cagney. Film absolument sublimissime de Raoul Walsh, que j'invite tout le monde à regarder, tout à fait cessante, parce que vous comprendrez en voyant le film. Mais donc, voilà. Et dans lequel, effectivement, un flic infiltre un groupe de bandits, en fait, pour devenir... se fait enfermer en prison pour devenir pote avec un dangereux tueur et l'infiltre, mais et finit par avoir des relations avec la nana de ce tueur. Et là, donc, dans on a à peu près la même structure donc dans les Naked Gun. Comment il s'appelle ? C'est Fred Ward, donc, qui joue Fred Ward qui va être par défaut un habitué, en fait, des As, quelque part, parce qu'il était déjà dans Big Business, c'est-à-dire quand les jumelles s'en mêlent. Il va être plus tard dans un autre film de Jim Abrams qui est pour le coup un film très sérieux, un téléfilm. Je le mentionne maintenant, parce que c'est un film qu'il a fait dans les années 90, en fait, avec Meryl Streep, qui est un film qui s'appelle Au risque de te perdre. Alors moi, je n'ai pas vu le film, j'ai juste regardé la bande-annonce parce que j'ai pas trouvé le film. C'est vraiment un téléfilm, en fait, très sérieux, sur une mère qui se bat contre l'établissement médical pour sauver son fils, donc un peu comme Lorenzo, si ce n'est que le gosse a des crises d'épilepsie, en fait. Bref, et Fred Ward joue le père. Mais Fred Ward, en fait, il va jouer à la fois des rôles sérieux, aller voir des rôles comiques chez les As, de manière, voilà, comme ça, il apparaît de temps en temps, comme ça, dans leur carrière. Preuve supplémentaire de son talent. Excellent acteur. Ouais. Toi, Julien ne me contrariera pas. Non. Et le film ne quitte la parodie appliquée de White Heat que dans sa dernière partie, donc avec toute la partie où une bombe a été placée aux Oscars, et où il s'agit de la bine de la Latina Flip pour sauver Hollywood en français. Et où là les gags vont tourner exclusivement autour de la de l'humour de connivence, en fait, avec les vedettes. Mais pas
franchement, moi, je trouve très inspiré, peu... Bon, moi, j'avais toujours ce moment qui me fait beaucoup rire quand Drebin se retrouve en face de, du mec qui veut pas le laisser rentrer aux Oscars, et il lui fait « Je suis lieutenant de police Frank Drebin », et le mec, il lui dit « Et moi, je suis Robert De Niro », et il dit « Écoutez, monsieur De Niro, laissez-moi rentrer ». Ouais, moi, je sais pas pourquoi ça me fait marrer à chaque fois, mais c'est juste une connerie, mais voilà. Ça reste quand même très nettement le plus faible de tous. C'est... Et encore une fois, c'est un chef-d'œuvre à côté de Agent 00. Non, mais bien sûr, évidemment, mais... Et en même temps, il s'appelle The Final Insult en anglais. Donc, Il y a un autre truc, moi, je trouve aussi dans ce film, qui est un truc qu'on retrouvera aussi dans les Scary Movie, qui est l'intrusion de... Si j'ose dire, pourquoi je dis ça, de Anna Nicole Smith. qui est l'arrivée en fait des people. Alors, t'avais un peu ça dans Airplane, ça leur avait été imposé par le studio, je crois d'ailleurs. T'avais le basketteur là. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar qui était. Mais bon, ils en faisaient un gag parce que justement, le truc, c'est que le mec, mais vous êtes Kareem Abdul-Jabbar, il fait non. Voilà, c'est ça. Il jouait là-dessus, ouais. Alors que là, c'est vraiment un truc, tu sens pour. Surfeu sur une personnalité qui était là. Et moi, qui faisait la couve de Playboy à l'époque. Voilà, quoi. C'est ça, et qui est pas. Elle est pas drôle. Oui, c'est vrai qu'ils vont faire ça avec Carmen Electra dans. Non, c'est clair. À fond derrière, quoi. Ça fait. Tu sens que vraiment. Olympia du Kaki, Raquel Welch. Enfin, il y a des moments où tu t'en fous un peu, quoi. C'est vrai qu'il y a Raquel Welch dedans. Après, il y a certains caméos qui sont là parce qu'ils appartiennent à la même série. Je pense à Weird Al Yankovic. Oui, parce que c'est leur. En fait, voilà, c'est un pote. Il joue d'ailleurs un rôle dans chaque film. Et aussi parce que Weird Al Yankovic, il a fait partie de ceux que Robert K. Weiss, on n'a pas beaucoup parlé de K. Weiss depuis Un Burger Plus Sandwich, mais il a toujours été plus là. Il a produit certains des films suivant des As. Et voilà, il a fait la suite d'un Burger Plus Sandwich, qui était Amazon Women on the Moon, qui est sorti en France donc sous le titre Cheeseburger Film Sandwich. Donc lui, il a continué à travailler sur cette notion. De la parodie excessive télévisuelle, et il avait notamment produit le film de Weird Al Yankovic, UHF, qui était aussi une tentative de parodie d'une journée de télévision avec des bandes-annonces voilà, de Gandhi 2 et compagnie, que d'ailleurs ont été reprises par Les Inconnus, je crois. Voilà, donc de voir Weird Al Yankovic dans un Naked Gun, c'est pas forcément surprenant. Mais par contre, de voir toutes les stars, enfin de ce qui était à l'époque des vedettes hollywoodiennes venir avec complaisance, en fait, voilà. Je parle du monde de connivence parce qu'il y a rien de méchant, quoi. À aucun moment on égratigne. Ceci étant dit, alors il y a un truc qui est très intéressant avec le film, et je pense que c'est ce qui a tué la franchise. C'est-à-dire que ce film a plutôt marché. Il a même été question. Il a plutôt bien marché quand même pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pas des budgets énormes non plus. Mais le truc, c'est que il était question de faire. Là, c'est parce que en fait. Les suites s'appellent Naked Gun 2 and a half, tu vois, 2 et demi. Celui-là, c'était 33 et 1 tiers. Donc, il était question de faire 44 et un quart, je sais pas quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça avec le au début des années 2000. Mais en fait, il y a un élément, en fait, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, en fait, de cet élément spécifique qui est O.J. Simpson, en fait, qui est quand même un personnage quand même récurrent de la série, qui interprète Norberg, en fait, qui est vraiment un flic. Un flic idiot et qui se retrouve dans les pires situations voilà et donc qui est interprété par O.J. Simpson qui tout juste 2 ou 3 mois après la sortie de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, ça va se retrouver dans tous les médias américains pendant quasiment un an avec son procès, puisque il a été accusé d'avoir tué sa femme, en l'occurrence innocenté, même si bon il y a beaucoup de situations qui laissent à penser qu'il a vraiment tué sa femme. Il y a toute une série télé à regarder là-dessus. Ouais, une excellente série dont on avait parlé dans un podcast à l'époque. Mais voilà. Et en fait, du coup, je pense qu'on ne peut plus vraiment faire rire avec Norberg. Voilà. Même si, bon, moi, il me fait encore marrer, le personnage, évidemment, si tu décorèles complètement de la réalité. Et je pense que c'est un des trucs qui a tué plus ou moins la franchise auprès du studio aussi. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, même si ce n'est pas un personnage important, c'est quand même un personnage auquel tu peux penser parce qu'il a été présent. Tu sais, les studios, ils peuvent s'en remettre et remplacer un personnage, comme on le fait à la télévision aussi. Bien sûr, mais je pense qu'en fait, à l'époque, c'est extrêmement retentissant aux États-Unis. Il a effectivement pas si bien marché que ça. Je crois qu'ils étaient retombés à 50 millions. Ils se doutaient qu'en continuant, ça allait continuer à. En tout cas, ce qui a aussi tué le truc derrière, c'est toutes les parodies. Exactement. D'un seul coup, ça s'est vraiment embarqué là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Leslie Nielsen à lui tout seul après les Naked Gun, donc il s'est retrouvé comme on l'a dit chez Mel Brooks avec Dracula, Mort et Heureux de l'être, où il fait du Leslie Nielsen, Agent 00,
Il a fait un autre film dont on va parler très vite, là maintenant, qui est Le Détonateur, en fait, en français, c'est-à-dire Wrongfully Accused, qui est une parodie du Fugitif, ouais. Qui est pour le coup le seul film écrit et réalisé par Pat Proft. Avec une musique de Bill Conti. Voilà, là on est en 98, hein, donc le genre commence à vraiment être exsangue. Et du coup, oui, je pense que voilà, le fait que... T'avais plein de mecs en dehors de leur équipe, hein, même. Hein, t'avais des trucs, je m'appelle Alarme Fatale, des trucs comme ça. Oui, t'avais Alarme Fatale juste avant, effectivement. National Lampoon, c'était un National Lampoon. Le Dead Weapon 1. Mmh. Et avec, d'ailleurs, William Shatner aussi encore dans le rôle du méchant, quoi. Mmh. Et Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen, donc avec, dans le rôle. Dans mon souvenir, dans le Dead Weapon, un ou deux gags suffisamment absurdes pour justifier ta présence dans ton intérêt de spectateur. Mais avec les mêmes parodies, c'est-à-dire qu'on parlait de Fatal Instinct tout à l'heure, Fatal Instinct qui est déjà parodie Basic Instinct. Là, t'as, dans Loaded Weapon, t'as encore une parodie de Basic Instinct. Dans Hot Shots 2, par contre, t'as une parodie de Basic Instinct. Encore une fois, voilà, un truc, le Carl Reiner, pour moi, la raison pour laquelle il fonctionne, c'est qu'il travaille sur nos habitudes de spectateur. Bien sûr, on peut apprécier certains des films, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste qu'il y a un abattage dans les mêmes logiques, bien sûr. Quoi, les mêmes références. La plupart des autres, que ce soit le Dead Weapon ou même le Prince de Sicile, donc de Jim Abrams, donc je sais même pas si ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dessus, parce que c'est quand même une catastrophe. Alors, mais moi, il y a un gag qui me fait beaucoup rire. Il y en a un qui nous fait rire tous les deux, et je vais y venir, mais que ce soit donc le Prince de Sicile ou le Dead Weapon et tout, il y a quand même l'idée qu'on les a tous déjà expérimentés, ces gags-là. On les a vus sous d'autres formes. Il n'y a pas de renouvellement de la façon de casser le truc. Alors je sais bien que Tex Avery il l'a fait deux fois, le coup du personnage qui sort du film, de la pellicule, mais au bout de la cinquième, tu commences un peu à en avoir marre, et tu t'attends à de l'inattendu. Le rire il est quand même basé sur le fait que tu n'attendais pas, tu t'attendais pas à ce qui se passe ça. Donc effectivement, dans Le Prince de Sicile, le gars qui nous fait rire, toi et moi, c'est qu'on est dans une parodie du Parrain 2. En l'occurrence du Parrain 2, où le petit Corleone se sauve alors que sa mère vient de se faire buter, et donc t'as les mafieux italiens qui tirent dessus alors qu'il s'enfuit dans la forêt. Et là, effectivement, Abrams nous met un arbre qui meurt de façon théâtrale. La balle, elle se loge dans l'arbre, quoi, au lieu de... Il se reçoit une balle perdue, et l'arbre se met à jouer, quoi. Il tombe par terre. C'est quoi de mon con, voilà. Mais c'était drôle, quoi. Et ce double gag, parce que pour moi, il y a deux gags. Y a pas si c'était juste l'arbre qui meurt, j'ai un demi-sourire. Mais le fait qu'il en fasse des tonnes, c'est ça qui rend le moment sublime. Ça renvoie au gag dans Police Squad dont tu parlais, c'est-à-dire le fonctionnaire qui d'un seul coup se met à faire tous ces tampons. Il y a cette idée, ça n'avait rien à faire là. Et donc, du coup, je m'attendais pas à ce que ça y soit. Ouais. C'est pareil avec le Dead Weapon. Moi, c'est tout con. Hein, quand ils vont voir ils recherchent un des tueurs, enfin un suspect, quoi. Ils sont dans un immeuble et à un moment donné, le personnage qui est censé être Samuel Jackson, quoi. C'est lui d'ailleurs. Oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui. En fait, Danny Glover. Voilà. Le personnage qui est censé être Danny Glover qui dit à un figurant, hey you, alors que le mec est en train de courir, tu sais. Et le mec s'arrête de courir et il fait not so fast. Et en fait, c'était juste parce que le mec courait et qu'il lui gueule dessus, quoi. Ouais. Mais ça va pas plus loin. Ouais. Et c'est inattendu, parce que dans cette scène, tu t'attends à un autre type de développement. Donc, dans éparpillé dans ces différents films qui arrivent à cette époque-là. C'est surtout que ça joue pour le coup sur un cliché de dialogue aussi, quoi. C'est ça. De déconstruction, encore une fois. Moi, c'est un film que j'ai vu quand j'avais 16-17 ans. J'étais un peu à fond dans ce genre de truc. Donc, tu vois, Alarme Fatale, il y a des trucs qui me font marrer, mais ça reste. Enfin, c'est très difficile à revoir. Moi, à tout prendre, je préfère Alarme Fatale, par exemple, que Hot Shots. Le premier. Donc voilà, c'est des trucs, mais après c'est vraiment au jeu des comparaisons, c'est pas un classique, hein, on est d'accord là-dessus. Avant qu'on attaque la parodie là, en fait j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, mais très rapidement, parce que c'est quand même un film qui a été important dans la carrière de Zucker pour des... Oh là là, je vois où tu vas en venir. Voilà. Est-ce que ça a été important à l'époque? Est-ce que c'est important encore? Voilà, c'est ça la question. Mais c'est un film qui démontre en fait les velléités, je pense, artistiques de Zucker, en tout cas à ce moment-là, qui est First Night. Qui est vraiment Il a été effectivement propulsé par le succès, quand même surprise, hein, malgré tout, de Ghost. Donc on lui donne les coups des franches et il a cette envie étrange, je trouve, même de revenir au glamour
de certains films avec lesquels il a grandi, de type Ivan Noé. C'était même un projet que Sean Connery traînait depuis des années et des années, hein, d'ailleurs, non ? Donc, tentative de refaire, en gros, le mythe des chevaliers de la table ronde, mais dans une version pas du tout ni historiquement juste, ni forcément porté par le mysticisme poétique de John Boorman sur Excalibur, mais vraiment en mode Hollywood à fond, c'est-à-dire un gros cake avec beaucoup de sucre dessus. Tellement ça fait penser à leur resto, là. T'as des joutes de chevalier, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu le truc qu'on voit dans Cable Guy, là. Voilà, les trucs en carton-pâte et tout, mais c'est une vraie chaîne de resto. Tout à fait. Le film est entièrement porté par cette artificialité qui... dans une certaine mesure est voulu, parce qu'encore une fois ils font référence ce qui était Elizabeth Taylor dans Ivan Noé, hein, qui était quand même maquillée comme une femme du XXe siècle en plein Moyen-Âge supposé. Donc une vision fantaisiste et grand public et glamour du mythe de la table ronde, mais tellement poussé dans son côté pub pour parfum que ça en devient absolument risible, et même le public qui veut jouer le jeu à l'époque va avoir du mal, puisque par exemple on va entendre très souvent parler de Disneyland par rapport à Camelot dans le film, parce que c'est effectivement que le château de Camelot tel qu'on le voit dans le film, t'as vraiment l'impression que c'est celui de la Belle et Bois Dormant en plein milieu de Walt Disney. Avoir au casting donc Richard Gere en Lancelot, qui dans la moitié des plans littéralement en train de mâcher un chewing-gum, en fait. Richard Gere en général pour bien montrer qu'il est cool et qu'il en a rien à secouer, c'est vraiment une catastrophe. Donc on va pas s'attarder sur le film qui est irregardable, mais voilà, s'il y a quelque chose à sauver du score, du film, c'est le score absolument démentiel de Jerry Goldsmith, avec des chœurs qui donne des frissons partout, dans un style qui va reprendre par la suite sur Mulan, sur le 13e guerrier, mais dont Lancelot est vraiment la source. Voilà. Alors le truc, c'est que The Curse et Abrahams, en fait, ont essayé de faire des films sérieux, ont essayé de faire des films plus classiques, etc., et The Curse, pas du tout, en fait. David reste sur la voie de la parodie, et y compris, en fait, quand il réalise pas, c'est-à-dire qu'il y a un film qui est sorti très peu de temps, d'ailleurs, après First Night, et qui était en concurrence cet été-là avec un autre film qui s'appelait Dangerous Mind, c'est ça, Esprit Rebelle, et en fait, dont il fait la parodie, qui est Prof et Rebelle, High School High en anglais, qu'il écrit, qu'il produit, mais qu'il ne réalise pas, parce que le réalisateur est, alors là, tenez-vous bien, Art Bochner, je ne sais pas si on le prononce bien, et en fait, vous le connaissez parce que c'est Ellis dans Die Hard, quoi, dans Piège de Cristal, c'est le fourbe Ellis, quoi, qui donc réalise cette comédie, et cette comédie, c'est une parodie, donc Esprit Rebelle, et là, on en revient à la même question de qu'est-ce qu'on parodie, en fait, est-ce qu'on parodie un genre, est-ce que c'est un genre, en fait, Esprit Rebelle, et c'est là où, en fait, le film ne fonctionne absolument pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est John Lovitz, en fait, qui se retrouve dans le rôle de Michel Pfeiffer et qui doit... Est-ce que les gens se souviennent déjà de Esprit Rebelle, quoi ? Ils se souviennent au moins de la chanson. C'est-à-dire, ils se souviennent de la chanson de Coolio, de la reprise de Gangsta Paradise. Mais après, qui n'est d'ailleurs pas du tout dans High School High, mais qui était le seul gag un peu drôle de la bande-annonce, mais qui est pas du tout tel quel dans le film, c'est que à chaque fois qu'il pousse sur la radio, en fait, c'est cette chanson qui revient, ce qui était presque le cas à l'époque, faut le dire, puisque ça passait tout le temps sur les ondes. Donc la parodie, c'est que voilà, il s'occupe d'enfants qui sont, enfin, de jeunes étudiants qui sont dans un milieu défavorisé, dans une école pourrie, quoi, et il essaye d'en faire des bons élèves et de leur faire passer le bac, etc., etc. Et le problème, en fait, c'est que comment tu parodies ce qui fondamentalement est un drame social ? C'est-à-dire que c'est quand même hyper compliqué parce que... Bah non, moi je trouve... Tu l'as vu à l'époque, ouais. Ouais, voilà. Et moi je l'ai revu là, tu vois, pour ça, et c'est assez hallucinant parce que, par exemple, les moments où les gosses... Alors, t'as tout un tas de gags, ce que je mets dans ce que je disais tout à l'heure, la catégorie gag raciale, en fait, c'est-à-dire que vraiment communautaire, machin, etc., ils se foutent de la gueule des rappeurs, des mecs qui se mettent, comment t'appelles ça, des tétines dans la bouche, des trucs comme ça qu'on pouvait en voir, quoi, mais limite, en fait, c'est à un point, moi je trouve ça presque insultant, hein, mais le truc, c'est que derrière, le personnage de Jonovic, c'est de toute évidence ridicule aussi, hein, mais le truc, c'est que quand par exemple ces personnages là en fait, ceux qui essayent de faire sortir de la mouise, en fait, passent leurs examens,
Bah, il peut pas faire de gags là-dessus, donc en fait, ils intervertissent au milieu avec des séquences où John Lovitz fait le con devant la télé avec un espèce de truc pour se permanenter les cheveux, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont obligés de se dire à un moment donné, putain, on peut pas faire des gags sur le truc, donc on va les faire ailleurs, quoi. Ce qui fait que ça pousse le truc, c'est très très étrange comme film. Ce que tu sens que pour le coup, c'est vraiment, en fait, un concept qu'ils ont vendu, on va se foutre de la gueule d'Esprit Rebelle. Et puis en fait, après, il fallait l'écrire, quoi. Et là, en fait, ils se retrouvaient un petit peu emmerdés. Et pareil, on revient sur la logique de, en fait, il y a d'un seul coup, en fait, on se rattrape sur le plot, quitte à ce que ça marche pas vraiment. Voilà. Il y a un gag qui fait un petit peu mouche vers la fin, qui me fait un petit peu marrer, parce qu'il est vraiment, c'est un gag de répétition. De la même manière que, un des rares gags de Hot Shots qui me faisait marrer, c'est le moment où ils essayent tous de s'asseoir et ils s'assiedent sur le chihuahua, en fait. Tu vois, il y a toujours un chihuahua, y compris dans l'avion, quand ils se mettent dans l'avion, t'as un chihuahua, et ils le soulèvent. C'est un gag de répétition qui est absurde, qui fonctionne, me fait marrer. Qui est très Carl Reiner aussi. Oui. C'était dans l'homme de cerveau où à chaque fois qu'il faisait une opération, il demandait à ce qu'on fasse sortir le chat de ouais. la pièce, quoi. Voilà. Mmh. Et dans High School High, c'est juste, en fait, à un moment donné, un personnage d'homme de main qui, à chaque situation rancobolesque, en fait, veut palper, même s'il sait que le mec est pas armé, il veut le palper, donc il se met à le palper comme ça, et ça dure, ils le font 5 ou 6 fois dans la même scène, jusqu'à un point où tu te dis, bon, ok, tu vois. Mais voilà, c'est 2-3 trucs comme ça marrants, mais ça reste vraiment ultra sinistre. Y compris en fait dans la façon par exemple d'utiliser le hip-hop, c'est-à-dire que en fait le hip-hop qu'ils utilisaient à l'époque, en fait, il est utilisé comme une vraie bande son et non pas comme un gag, ce qui fait que du coup tu te retrouves dans un espèce de truc où tu te dis mais vous avez voulu vendre une vraie BO avec une parodie, c'est super bizarre comme film en fait. Et je pense que bon, le film pâtit du fait qu'il n'a pas été réalisé par David Zucker, mais je pense que David Zucker lui-même ne savait pas du tout quoi faire avec ça. Voilà, donc c'est un coup pour rien, mais on en parle parce que c'est quand même une vraie prod de Zucker, c'est une vraie écriture Zucker, et je crois, si je dis pas de bêtises, pas de prof, de nouveau, quoi. Ouais. Mais voilà, donc c'est vraiment, moi, pour moi, c'est le vrai premier, faux pas de Zucker prononcé, quoi. C'est-à-dire vraiment, voilà. Mais comme c'est le deuxième film déjà, en fait, de ces prods qu'il ne voulait pas réaliser, tu commences à te demander s'il ne veut pas sortir de ce cadre spécifique. Bah oui, mais et surtout qu'il avait à l'époque l'intention lui aussi de suivre les pas de son frère et d'aller faire son film entre guillemets sérieux. Il a toujours déliré sur le personnage de David Crockett et il voulait faire une espèce de biopic. David Crockett qu'on revoit de temps en temps apparaître dans Naked Gun, il y a un moment donné où quand un panneau sur tous les gens qui... Tous les flics en fait qui sont dans une situation de siège qui se mettent à tirer, t'as à un moment donné David Crockett qui est au milieu comme ça en train de recharger son arme, ce genre de choses. Ouais, il leur met. Mais dont on se doute que c'est aussi parce qu'il a grandi devant la télé, devant ce type de perso. Le film d'après, par contre, de David Zucker, ça c'est. Bah parce que je pense qu'il est motivé par quelque chose, on va dire. Alors on n'a pas dit, mais par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la comédie filmique, du fait qu'il va y avoir Austin Powers qui va arriver et qui va à nouveau lancer quelque chose qui enterre, en fait, d'une certaine façon, le cinéma des As, pour revenir à un humour un peu plus de situation et un peu plus, même s'il reste absurde, un peu plus basé sur la logique des personnages. Déjà, Wayne's World, tu peux dire, déjà, qui avait été un gros succès. C'est vrai. Mais Wayne's World, c'était beaucoup moins référentiel, c'est-à-dire qu'il y a des références, parce que tu as les mêmes gags, par exemple, tu as le gag de T2, il est dans Wayne's World, tu as le gag de Jurassic Park qui apparaissait dans le générique de Y'a-t-il un film pour sur Hollywood qui était là aussi. Les cinémas de kung-fu asiatiques des années 70, par exemple. Et Austin Powers va creuser là, c'est-à-dire que contrairement à ce que eux ils sont en train de faire à ce moment-là où ils sont vraiment focalisés sur le succès du moment, tout à coup t'as Austin Powers qui vient qui parodie des trucs qui sont très peu connus en fait du grand public, alors surtout le premier, le 2 après ça s'ouvre beaucoup plus mais voilà, et qui du coup crée une vraie surprise en fait là-dedans, c'est-à-dire que tout le monde dit c'est une parodie de James Bond, non c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on le comprend tout de suite, et en plus il fait hommage à une période très spécifique de Londres et tout, donc c'est, il y a un côté un peu plus érudit, voilà, un peu plus recherché là-dedans. Voilà, alors que pour le coup à ce moment-là, à peu près à la même période, un an après, Zucker en fait va s'associer à des stars montantes de la télé dans un film qui pareil est sorti en France mais complètement en catimini en vidéo. Parce que ça a été un bide mais monumental aux États-Unis, et c'est un film qui sort en 98 qui s'appelle Basketball.
et qui est un film qu'il a fait donc avec Trey Parker et Matt Stone. Trey Parker et Matt Stone, donc ils venaient de triompher avec South Park. Donc c'est un film qui s'est lancé très très vite. Tu sens que c'est une idée de base de comédie américaine à la con, c'est-à-dire voilà, c'est deux gars qui inventent un nouveau sport. C'est-à-dire, en gros, c'est deux glandeurs, des gamins qui rêvaient d'être des grands sportifs et qui finalement sont des locks. Voilà. En plus, la transition est magnifique. Hein, c'est le gamin qui est en train de dire « Someday, I'm gonna be a sports star ». Et le plan d'après, il est tout grand adulte et le visage flingué. Poivre, là, ouais. Someday, I'm gonna own a sports bar. Voilà. Mais en fait, et donc en fait, ils inventent sur le pouce comme ça, ils inventent des règles en fait pour un nouveau jeu qui mélange le basketball et le baseball. Et en gros, d'où le titre basketball. Ouais, Et le foutage de gueule de l'adversaire. Tout est basé sur l'idée que tu dois déconcentrer ton adversaire en te foutant de sa gueule. Et donc, en fait, ça cartonne dans les rues. Ça devient un sport de rue. Ça cartonne dans les rues. Et en fait, t'as un personnage de mania comme ça, des sports, en fait, qui est interprété par le génial Ernest Borgnine, qui est complètement hallucinant quoi, dans ce film. Ouais, qui vient les voir et qui leur dit, mais... faut qu'on rende ça national en fait, faut qu'on finance ça quoi. Et du coup ça devient des grosses stars de avec ce nouveau sport. Enjeux. Donc ça, traité on va dire comme une comédie de situation, ça peut donner un film d'une comédie de situation classique, basique, voilà, ça peut très bien être un film semi-sérieux, ça peut être un truc comme pouvait en tourner Tim Costner avec, comment il s'appelle Ron Shelton, quoi. Ça pourrait vraiment être ça, mais un peu plus, peut-être un peu plus comique. Sauf que le principe de le pitch au départ est tellement absurde parce que le sport qu'ils ont inventé est tellement con. Oui. Tu peux le traiter de manière beaucoup moins. Parce que là, on tombe dans le slapstick pur et on tombe aussi dans l'absurde pur. C'est-à-dire que, de toute évidence, si tu regardes le film et si tu connais les gens de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ils se sont réappropriés le scénar, ils ont énormément improvisé dessus, ça c'est une évidence. Et il y a des séquences qui sont pas du tout de l'humour de The Kerr, mais alors c'est voilà, clair, c'est, et je pense notamment à une séquence dont ils vont reprendre le principe par la suite, que c'est celle de la chanson en fait, qui est géniale. Où le mec est en train de déprimer dans sa voiture et il écoute la radio et la chanson raconte très exactement ce qu'il est en train de vivre, comme c'est le cas à chaque fois, sauf qu'elle est en train de lui dire fais attention, il y a un camion qui arrive sur la ligne devant, change de fil, etc. Bon, bref. Voilà, et si t'as des verrues sur la bite, il faut que tu utilises cette crème, et si le méchant est en train de draguer ta meuf, c'est parce que tu devrais etc. En fait, il raconte tout le truc, et c'est une chanson moi j'appelle ça une chanson à la Stallone, c'est-à-dire en fait dans les années 80, c'est une parodie de, pour moi c'est une parodie de No Easy Way Out en fait, ouais, Rocky IV, c'est vraiment ça, mais avec en étant littéral sur ce que ça raconte quoi. Des choses qui reprendront dans Team America, oui, complètement. La différence en fait, c'est que donc Trey Parker et Matt Stone, ils avaient fait quelques films à ce moment-là, ils avaient fait Orgasmo notamment déjà Shadow. De leur côté Shadow. Ils avaient fait leur comédie musicale avec des cannibales, dont le Cannibal the Musical. Merci. Trauma. Qui étaient des films en fait qui se passaient comme d'ailleurs South Park au début, en fait se passaient en VHS. Ils avaient deux pilotes d'une série télé qui n'avait pas été validée aussi. C'était du live de reprises de grands mythes en fait. Le premier était sur Moïse. Tu l'as vu ça? Non, c'est bien. Mais ils étaient un petit peu connus aussi parce qu'ils avaient produit. Ils avaient fait un film institutionnel parodique, hein, qu'ils ont transformé en parodie, sur les studios Universal. Ouais, et il y avait d'ailleurs toutes les stars dedans. UCS, en fait, donc Universal City Studios, dans lesquels tu avais toutes les stars, mais un film institutionnel en noir et blanc, donc qui donne l'impression d'avoir été tourné dans les années 50, mais où en gros tu comprends que le studio a plus de thunes, en fait. Et ils font reprendre à toutes les stars le slogan It's, parce que UCS et Hux, It Sucks for Us. Et donc tu vois. Donc, Spielberg, en fait, et ça, c'est financé, Stallone, c'est financé par le studio. C'est-à-dire, c'est ça qui est pas hallucinant. C'est un truc interne. Ils ont un truc complètement détourné, quoi. Et en fait, donc voilà, ils étaient un peu connus pour tous ces trucs-là, mais ils ont explosé avec South Park. C'était des figures qui sont passées à la télé souvent à ce moment-là, etc., etc. Et le studio a capitalisé dessus, c'est Universal. Et du coup, en fait, c'est presque leur seul film de studio, on va dire, sur lequel ils ont montré leur gueule. Après, ils ont décidé d'arrêter parce que ça a été un bide monstrueux. C'est un film complètement hybride. Alors, complètement... Enfin, moi, ça me fait hurler de rire, mais c'est vraiment... En fait, il y a deux humours qui se cohabitent. Hein, Les deux, en fait. Celui des As et celui de Trey Parker et Matt Stone. Et là, il arrive, justement, à cette époque-là, à point nommé pour nous rappeler que le temps a...
à passer et que la contre-culture des années 70 est déjà une culture de vieux, quoi. Et ça se voit dans le film. Enfin, je veux dire, tout ce qui est l'apport de gags qui semblent provenir de Airplane et tout, c'est le côté embarrassant et, je dirais, bourgeois du film. Mmh. Il y a un côté bourgeois dans Basketball qui est vraiment relou quand tu le mates. Et à côté de ça, tu as des fulgurances de sales gosses, en fait, qui sont la nouvelle contre-culture que représentent Trey Parker et Matt Stone. Voilà. Et donc, le film, c'est un plantasse total, hein, aux États-Unis. Je pense petit, que ça... Petit suivi culte, quand même. Ouais, bah après, moi, je pense que c'est pas connu, quoi. Enfin, c'est vraiment... Je pense que même, par exemple... Il y a des mini-tournois de basketball qui... Voilà, mais qui c'est même moins... C'est quand même moins connu que Orgasmo, quoi. Faut préciser, c'est moins culte, en fait. Moins suivi que ça, quoi. C'est là où c'est... Voilà. Et je pense que même Trey Parker et Matt Stone, ils renient ce film. Et ça participe je pense, d'une expérience sur laquelle ils ont appris à se dire, ok, en fait, on va être nos propres, voilà, on va être nos propres créateurs, on va rester en fait notre propre producteur et nos propres, voilà. Et du coup, pour The Cure, grosse, comment on appelle ça, director's jail après ça, en fait, parce que c'est pas un film qui a coûté, c'est pas un film qui a coûté énormément d'argent, mais c'est quand même un vrai bide. En parallèle, son frère est parti refaire une comédie, son dernier film, Jerry Zucker, qui est Rat Race. Alors, j'en parle très vite. C'est un film, pareil, qui est sorti en France, en fait, en vidéo, qui s'appelle Cash Express, qui cache complètement le fait que c'est le remake d'un très, très gros classique des années 60, en fait. Surtout pour les Américains, ouais. Voilà, qui est en un France, monde pas très connu. Ouais. Hein. Mais qui a quand même donné... Enfin, c'est un style de comédie très spécifique, en fait, qui s'appelle Un monde fou. Et en fait, c'est un peu, imaginez Les Fous du Volant, mais version en live. Voilà, c'est ça. Voilà, des grosses productions, une excuse à mettre à l'écran le maximum de comiques et de comédies. Pour Star, l'original, c'est un film qui dure une plombe, hein, ça dure 3h30. Un monde fou, en gros, c'est l'ancêtre de, à la fois de 1941 l'équipé du Cannonball, ce genre de trucs. Quoi. Alors, le remake, ça s'appelle Rat Race, c'est pareil, même principe avec des stars. Alors, les stars du moment, dedans, il y a John Cleese, il y a Rowan Atkinson, c'est le même principe, c'est-à-dire, c'est en fait une version. Burlesque de la ruée vers l'or, en fait. C'est-à-dire, ça, en gros, on envoie une série de personnes, en fait, qui vont devoir s'associer pour essayer d'avoir un butin. Voilà, ils partent de Las Vegas pour aller à Silver City, je crois. Et en gros, ils ont tant de temps pour y arriver. Le premier qui arrive empoche la somme. Le truc, c'est qu'ils vont, ils vont se tirer sur les pattes, en fait, pour essayer d'arriver les premiers. Et après, c'est suivant les personnages avec lesquels tu vas t'attacher, t'as des gags plus ou moins réussis. Moi, je sais que par exemple, l'un des trucs qui m'a fait, c'est pas le pire film. C'est pas terrible quand même. Hein. Ça fait c'est vieux, moi je trouve. C'est pas terrible, mais il y a quand même quelques trucs. Il y a moi, par exemple, il y a ce moment assez qui me fait un peu marrer, c'est la famille juive en fait avec John Lovitz et Cathy Namiji en fait qui était la nana de Hocus Pocus, une des sorcières là, en fait qui se retrouvent en fait parce que leur fille insiste. En fait, il y a un musée Barbie. Il faut qu'on y aille. Et en fait, ils y vont et en fait c'est le musée Close Barbie. Ils savaient pas quoi. Et donc en fait, ils se retrouvent en face de néo-nazis qui sont là en train de comment dire. Et donc t'as John Lovitz qui commence à stresser et en fait qui se casse en fait et qui du coup vole la voiture d'Hitler, tu vois, et du coup il se met à conduire la voiture d'Hitler avec les drapeaux nazis dessus et il se fait emmerder par des bikeuses lesbiennes, enfin voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça, et justement en fait cette espèce de course vers l'avant comme ça avec en fait des situations qui sont mises en place qui crée finalement quelque chose de finalement assez divertissant à regarder malgré tout, je trouve. C'est pas un grand film, hein, loin s'en faut, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelques moments un peu rigolo, il y a des mises en place, il y a notamment un personnage, en fait, à un moment donné, il y a deux personnages qui se retrouvent dans une situation où il y a un type qui a compris qu'ils sont dans une course pour aller chercher de l'argent, donc il essaye de le dépasser aussi, donc il se rajoute à la course. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils se mettent à le poursuivre, et en fait, ils se retrouvent dans une montgolfière et traversent un champ, t'as une vache qui est accrochée à la montgolfière, du coup, donc ça devient un gag au milieu du film, comme ça, avec ça, une espèce de vache en animatronique, c'est toujours un peu drôle, les animaux en animatronique, moi je trouve, plus les singes que les vaches, mais ça marche quand même, là, et d'un seul coup, en fait, tous ces trucs, en fait, qui sont accumulés se retrouvent à la fin, en fait, dans un gros bordel, et t'as la vache qui se retrouve à tomber sur les autres persos plus tard, une heure après dans le film, qui se retrouve à conduire une bagnole, enfin, t'as des plans comme ça, complètement ubuesques et tout, voilà, encore une fois, c'est pas un grand film, hein, loin s'en faut.
Mais disons que, en fait, à tout prendre, c'est beaucoup moins prétentieux que finalement les essais, je trouve, de Ghost ou de First Night, en fait. Donc je le trouve un peu plus à sa place à ce moment-là. C'est un concept. Triste, en fait, de le revoir revenir à ça, en fait. Mais c'est un concept de comédie qui aurait pu fonctionner, malheureusement pas là-dedans. Mais je pense que c'est un vrai concept de comédie qui pourrait prêter à quelque chose de vraiment taré aujourd'hui si on le faisait très très bien, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Et tu sens des bribes de ça. Alors après. Ce film souffre du syndrome des comédies des années 2000, hein, qui se termine comme des comédies d'imbéciles heureux, là où ils se mettent tous à danser tout le temps, là, pour te montrer que c'est la joie et la bonne humeur, au cas où t'as pas compris, parce que t'as regardé un film qui est pas terrible, en fait, avant, quoi. Enfin, je me rappelle de, je sais pas si vous vous rappelez de ce film à Bruce Tout-Puissant, mais la suite Evan Tout-Puissant, où pareil, en fait, ils te montrent, ils ont claqué je sais pas combien de thunes dans ce film, et ils te montrent qu'en fait, c'était la fête et ils étaient en train de danser sur le plateau tout le temps, quoi. Et ça sent le truc forcé, quoi. Au même moment, Sur Evan Tout-Puissant, ça s'appelle le truc forcé, ils étaient vraiment en train d'éjaculer. En pensant qu'ils avaient le plus gros carton sur. Ouais, bah c'est dommage. Et en plus, c'est vraiment pas drôle. J'avais fait un texte là-dessus, ouais. Sur l'aberration de ce film. Et au même moment, en fait, le David Zucker se retrouve, lui, sur projet de film qui va lui ouvrir les portes, en fait, à la fin de sa carrière, en fait, hein, qui est alors un film complètement. Anecdotique, nul, sur lequel il a pas signé le scénario, mais apparemment en fait il a pas été crédité, surtout parce que t'as pas mal de gars qui reviennent. C'est un film qui s'appelle My Boss Daughter, qui est vraiment un film dans la tendance de l'époque, c'est-à-dire début des années 2000. C'est une comédie en fait romantique avec Ashton Kutcher, donc comme il en faisait beaucoup à cette époque-là, avec Tara Reid en fait, qui était les petites égéries d'American Pie, qui a vraiment une carrière entre 99 et 2000, quoi, en gros, quoi. Et en fait produit par les Weinstein. Et en gros, c'est l'histoire d'un jeune employé, en fait, c'est le qui tombe amoureux de Tara Reid, en fait, la fille de son patron, qui est interprétée par Terrence Stamp, et en gros, qui se retrouve un soir à devoir garder la chouette de son patron, parce que tous les deux partent, lui et sa fille partent dans une soirée. Et en fait, il se retrouve face à une accumulation de connards qui viennent squatter, etc., etc. Donc c'est une comédie un peu de situation, vraiment bas du front, enfin vraiment voilà, avec en plus des gags. Moi, je voulais parier en français. C'était sorti, ça s'appelle Mon boss, ma fille et moi. Donc voilà, titre bien français dans le ton aussi, quoi. Seul truc un petit peu notable, c'est que la chouette en fait s'appelle OJ, comme OJ Simpson. Donc je pense que c'est un, je sais pas si c'est un hommage ou un foutage de gueule, je sais pas exactement ce que c'est le truc, quoi, voilà, par rapport à l'interprète de Norberg. Et c'est un film qui est resté sur les étagères de Miramax pendant un moment, en fait, c'est-à-dire pendant presque 2 ans et demi, avant de sortir en catimini, de se planter. Mais à ce moment-là, en fait, et là je vais passer la main à Julien, parce que merci, Julien adore, voilà, Scary Movie, parce que c'est ce qui lui a permis d'avoir le poste sur Scary Movie 3. C'est-à-dire que, pour faire vite, en fait, les deux premiers Scary Movie, c'est les frères Wayans. Ouais, c'est un des problèmes, en fait, du truc, quoi. Voilà, et qui s'était déjà plus ou moins testé à la parodie à la Zaz, hein, puisqu'ils avaient fait I'm Gonna Get You Sucka, qui est un film qui est absolument pas connu en France, qui était une parodie de Blaxploitation dans la logique. Des Zaz, mais avec leur propre humour aussi. Voilà, c'est ça. Dessus. C'est-à-dire que les Wayans, tu les connais mieux que moi, Steph, mais ils ont quand même un type d'humour qui est très particulier, et pour le coup, qui fonctionne notamment sur le côté extrêmement caustique, irrévérencieux, caustique dans le meilleur cas, irrévérencieux en règle générale. Et qu'ils ont eu l'occasion, comme les Zaz au début, de tester sur un public. Sur le public en live. Dans leur série, ils avaient une série, une espèce de SNL qui était In Living Color. In Living Color, voilà, ouais, où ils ont vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Exactement. Et donc, ils ont signé les deux premières. Le premier, un carton atomique qui surfe totalement en fait, sur le succès de Scream. Enfin, qui se fout de la gueule de Scream, c'est une parodie des films d'horreur. Oui, bah d'ailleurs, Scary Movie, c'est le titre de original, travail de Scream, ouais. Hein, donc voilà. Ça commence à être une vraie production machine Dimension, c'est-à-dire la succursale un peu plus craspec, on va dire, de Miramax, qui était censée être la machine à Oscar. La succursale genre. Voilà, c'est ça. C'était genre, mais aussi un peu plus. Voilà, c'était. On cherche du pognon, on s'en cache pas. Et déjà, Scary Movie, le premier film, moi, j'en ai un souvenir agréable. C'est un film que je revois pas du tout, en fait, ou très rarement, mais qui était rigolo, mais qui était justement rigolo parce que il était hyper irrévérencieux, et notamment. Il tapait sur Scream, mais il était aussi hyper irrévérencieux, et notamment, t'avais un sgeg, en fait, dedans, quoi. C'était rare. Ouais, t'avais un micro pénis, voilà, t'avais un mec qui se faisait tuer avec un pénis qui lui écrasait le crâne. Donc voilà, c'était.
couteau. En fait, c'était voilà, le côté hyper potache en fait, qui nous faisait. T'avais Carmen Electra qui se faisait tuer avec un nichon. En fait, en gros, le couteau était planté dans le nichon, dans le faux nichon. Ouais, t'avais plein de trucs comme gonflé, ça. Voilà, ouais. T'avais plein de trucs de politiquement incorrect, ouais. Un petit peu. Et on voit déjà là qu'on n'est pas. C'est, finalement, c'est dans tout ce qu'on a parlé sur les As, c'est pas ça en fait. Non. Les As, ça a jamais été ça. Donc déjà, il y a cette problématique là, et il y a eu un Scary Movie 2. Donc sans David Zucker encore hein, pour l'instant, et qui faisait déjà pas le figure, qui était un film dans mon souvenir mais d'une tristesse, qui avait été fait en quatrième vitesse. T'avais l'impression que c'était hyper produit au rabais, alors que le premier avait rapporté encore une fois une fortune monumentale. Et je donc, pense que le 2 a coûté cher parce que justement, en fait, il a été fait trop rapidement. Très vite, ouais. Mais ça va être un problème, en fait, sur tous les Scary Movies. Et en fait, David Zucker est parachuté là à partir du 3. Mais bon, moi, je vais faire un package avec le 3, le 4 et le 5 parce que c'est pas très, très intéressant. Et il va essayer de concilier ce qui est pas facile à concilier, surtout quand, vu son état, l'état de sa carrière et puis de sa motivation aussi, en tout cas son inspiration à ce moment-là, il va essayer de concilier deux choses qui sont pas faciles du tout à concilier, qui sont l'humour black. Alors déjà, pour lui, c'est difficile, quoi. Mais ouais, c'était difficile avant déjà, sur Prof et Rebelle, par exemple. Et puis de l'humour à la Zaz, mais dans tout ce que ça peut avoir de plus. Dévitalisé, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de la problématique de Hot Shots, on en a un peu reparlé avec effectivement Prof et Rebelle. Le seul truc en fait de Scary Movie, c'est le film doit sortir à telle date. Qu'est-ce qui fait le buzz à ce moment-là? On va parodier ce qui fait le buzz. Il y a absolument aucun souci de narration, de quoi que ce soit. Je veux dire, à côté, y a-t-il un flic, c'est des sommets d'écriture, quoi. Je veux dire, de narration pure, quoi, d'intrigue. Donc, il n'y a plus rien, tout est décousu. Et tout est aussi fait sans aucune affection, sans aucun amour, en fait, pour le matériau qui est abordé. C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire la différence des Wayans, les Wayans aiment les films d'horreur. Ça se sentait bien un minimum, sûr, non, et du coup, j'aimais bien le parodier. Et là, The Curse, c'est pas possible. Il en a rien à foutre, mais même, je veux dire, quand il parodie La Guerre des Mondes ou les films d'horreur japonais, pour faire vaguement une distinction, le Scary Movie 3, c'est parodie de Signs et de... C'était quoi, The Ring, version Gore Verbinski. Le 4, c'est La Guerre des Mondes et Saw. Avec The Grudge, ouais. Voilà, et le 5 et en le fait village. Ça devient voilà et le village et le 5 ça mais devient en fait... bien plus tard voilà et on en parle parce que il a pas signé le film mais en fait il l'a complètement re-shooté, tout, il a tout réalisé tout mais en fait voilà. Il faut savoir aussi que ce sont des films qui ont c'est Paranormal Activity tout ça. Voilà, et ce sont aussi des films qui, parce que ils ne surfent que sur la saveur du moment, mais ce qui était aussi le cas dans le premier Scary Movie, hein, d'ailleurs, hein, parce que je veux dire, il y avait la parodie. La parodie d'une pub, non, des trucs comme alors, ça. Alors, il y avait une parodie d'une pub dans le 2, il y avait la parodie de Waza, ouais, comme ça, dans le 1, mais t'avais quand même, par exemple, dans le 2, t'as Poltergeist, comment ça s'appelle l'exorciste, enfin des trucs comme ça. Par contre, le truc, c'est que voilà, il n'y a pas un film qui date d'avant les années 2000 dans Scary Movie 3. C'est ça, et puis tu sens. Il y en a peut-être un ou deux, mais alors. C'est paradoxalement des films qui coûtent plutôt cher pour ce qu'ils sont, parce que c'est aussi des films qui sont totalement improvisés, en fait, qui sont faits, enfin, si ce n'est improvisé, en tout cas, qui sont faits dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on décide et on sait aussi comment produisait Weinstein, hein, donc je pense que ça. Ça n'est pas étranger aussi à cette façon de procéder, mais c'est des films où littéralement les comédiens, et notamment sur les modules promotionnels de l'époque, les bonus et tout, et les featurettes qui servaient à promouvoir le film, les comédiens te disaient on n'a pas de scénario en fait. On sent que ça a été écrit le week-end précédent où on tourne. Et du coup, ce qui devait arriver arrive. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gros pans entiers en fait, des films qui sont tournés, qui ne sont pas finalement utilisés, qui passent à la trappe. Je crois que je sais plus si c'est 3 ou le 4, mais c'est Matrix Reloaded, en fait. Dans le 3, t'as Matrix Reloaded et Hulk qui disparaissent complètement, c'est ça, voilà. T'avais l'Hulk de Ang Lee à l'époque et le Matrix Reloaded. Et qui, comme on l'imagine, en fait, nécessite quand même beaucoup de moyens. Enfin, je veux dire, c'est quand tu les parodies, ces films-là, il faut des effets spéciaux, il faut du maquillage prosthétique et tout, quoi. Donc ça nécessite du moyen, malgré tout, c'est complètement...
c'est complètement sacrifié. Et donc, et puis on sort du cadre du film d'horreur, parce que les mecs parodient aussi 8 Mile, des trucs comme ça. Là ils parodient Tom Cruise dans le 4, ils parodient Tom Cruise sa scène avec Oprah. Mais alors ça, c'est un énorme problème, c'est-à-dire que encore une fois, là on sort même du cinéma, c'est-à-dire que c'est tellement bas que on est même plus en fait juste dans le cinéma qui buzz, on est dans le buzz tout court en fait. Et ce qui est quasiment impossible en plus à l'ère de YouTube en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait tu peux plus vraiment. L'ère de YouTube naissante. Oui, mais bon, en fait, les machines à mème ont vraiment commencé à se mettre en place à ce moment-là, et en fait, eux-mêmes étaient complètement dépassés malgré la volonté de balancer ça en salle aussi rapidement possible, quoi. Par exemple, Scary Movie 5, le film, il pâtit littéralement de ça. C'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs. Tu dis on est au degré zéro, mais il y a encore pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces films-là ont généré encore pire que ça. Les films de Jason Friedberg, qui sont en fait les gosses du réalisateur, le gosse du réalisateur de Spy Hard. Et en fait, en gros, ils se sont fait une spécialité des films qui sont littéralement, donc t'as Date Movie, c'était Sexy Movie en français, qui est une parodie des comédies romantiques. Epic Movie, qui est une parodie des gros blockbusters. Disaster Movie, qui est une parodie de je sais pas quoi. Et t'as à la fin, je crois, Mort-moi sans hésitation, je sais pas quoi, en fait, qui est une parodie de Twilight. Donc le truc, c'est que on se retrouve avec ces films-là, qui sont faits déjà, en fait, très très vite, qui coûtent 20 millions de dollars, parce qu'ils sont censés rapporter 20 millions de dollars le premier week-end, et après plus rien, quasiment. Qui fonctionnent, en fait, pour aller draguer les gosses à ce moment-là, en fait. Et qui pousse l'absurde, en fait, de la parodie et du moment, jusqu'à ne pas parodier le film lui-même, parce que souvent, il n'est pas encore sorti. Ils l'ont pas mais vu. Mais la bande-annonce la du bande-annonce, film. Voilà. Donc, du coup, tu te retrouves avec des parodies qui ne correspondent même plus au film que tu es en train de voir. J'étais à New York, je m'en rappelle. J'étais à New York et le film n'était pas encore sorti, je crois, sur Hellboy 2. Et t'avais en fait la parodie d'Hellboy 2 dans la bande-annonce du film. Et tu te dis, mais attends, personne ne l'a vu, comment vous l'avez vu, quoi. Et nous, on savait que personne ne l'avait vu, puisqu'en fait, on était sur la post-prod avec Del Toro, te rappelles-toi, tu vois. Donc en fait, on le savait que le film était voilà. Nous, on avait vu des scènes, mais c'était vraiment. Donc le truc, c'est que tu sais que les mecs n'ont pas vu le film. On avait peut-être vu plus que les mecs, quoi. Ouais, bien sûr, mais voilà. Et c'est ça qui est dingue, en fait, c'est qu'en gros, ils se mettent à parodier ce genre de truc avec, mais tout simplement pour rajouter un gag pourri dessus. C'est-à-dire que t'as Hellboy qui apparaît, on lui balance un bateau sur la gueule juste pour faire un gag. Et c'est ça le problème en fait de ces trucs-là, c'est que d'un seul coup, à force de retoucher, il y a plus de gags. C'est-à-dire les seuls gags, c'est un pé, un ro, un truc sur la gueule, un coup de latte dans la tronche, un machin. Et avec comme je parlais tout à l'heure de Anna Nicole Smith pour Y a-t-il un flic. Une vedette à la con. Voilà, des vedettes complètement débiles. Bah, à ce stade-là, l'ouverture de Scary Movie 5, c'est fait vraiment littéralement pitié. C'est Charlie Sheen qui va coucher avec Lindsay Lohan. Parce que c'était les deux personnes qui buzzaient le plus à ce moment-là, en fait, à cause dans les tabloïds, quoi. C'est carrément. Je trouve qu'à voilà, c'est ça, à ce degré de misère, de putasserie, et aussi de comment dire, du côté suffisant en fait là-dedans. C'est des films ultra ultra glauques. C'est même pas des films qui sont ratés ou quoi que ce soit. C'est des films déjà vraiment oubliés, je pense. Hein. Nous, on s'en souvient parce qu'on était déjà journalistes à l'époque. Je les ai tous revus. J'avais pas vu le 5, mais je les ai tous revus là. Je les ai encore oubliés. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que je me rappelais que d'un seul gag de Scary Movie 4. Hein. Voilà. C'était le gag où Carmen Electra, en fait, qui joue le personnage de Bryce Dallas Howard, en fait, rentre dans une séance de. Alors pourquoi j'ai retenu ça, je ne sais pas. Elle rentre dans une séance, en fait, dans un conseil du village, là, pour parodier le village. Et en fait, elle se met à chier devant tout le monde parce qu'elle, comme elle est aveugle, elle est persuadée qu'en fait, elle est dans ses gogues. Et du coup, cette scène, elle est à la fois embarrassante et à la fois complètement. Enfin, tu peux pas, parce qu'ils vont dedans à fond, quoi. Et du coup, je me rappelle que j'avais retenu que cette scène à l'époque du truc. Et en fait, là, j'ai revu le film il y a une dizaine de jours, je ne me rappelle que de ça encore. C'était terrible, quoi. Il y a à la limite, dans Scary Movie 3, parce que c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire qu'entre Scary Movie 3, 4 et 5, il y a aussi une déperdition de qualité encore plus à chaque fois, quoi. Et pour arriver quasiment, effectivement, au niveau de ces films dont on a parlé. Maintenant, dans tout ça. C'est-à-dire que voilà, c'est des films oubliés, c'est des films tristes, de la pure fin de carrière de la part de David Zucker. Il y a un film qui sort de là, qui je pense a été financé à cause des succès de ces films-là, dont tu vas nous parler, Rafik, qui est un film qui n'existe pas en France parce qu'il n'est jamais sorti. Ah non, il peut pas sortir. Il a deux titres. Il a un titre aux États-Unis qui s'appelle An American Carol. Oui. Et le titre anglais, parce que moi, je me suis dit, ce film, il faut que j'achète le Blu-ray pour qu'on se rappelle qu'il y a une trace de ce film quelque part. J'ai acheté le Blu-ray anglais qui s'appelle en Angleterre Big Fat
important movie. Oui. Voilà, ils ont essayé de le rattacher à, au personnage de Michael Moore, oui, enfin Michael Malone. Et puis au movies, la Cascade Movie, tout ça, quoi. Mm. Et alors vas-y, pitch nous le film, parce que c'est quand Déjà, avant de pitcher le film, expliquer d'où ça sort. Parce que donc, David Zucker a passé toute sa vie libéral, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, démocrate, il a, enfin, progressiste, amoureux de la nature, tout ce que tu veux. Il est même le plus ancien membre de l'association Tree People, en fait, qui est une association de protection des arbres. Voilà, tu sais, les mecs qui s'agrippaient aux arbres, ouais, pour pas qu'on les abatte. Il est le plus ancien membre. Ouais. Donc vraiment le produit typique du libéral américain. Et il a été absolument, totalement traumatisé par le 11 septembre. Mmh. Et ça l'a fait complètement ripper. Et au lendemain du 11 septembre, il a eu la conviction que les démocrates ne pouvaient que détruire le pays, puisque il y avait donc beaucoup de débats aux États-Unis à l'époque. La société a été déjà bien clairement divisée entre les va-t-en-guerre poussés par l'administration George W. Bush, qui était pour aller abattre le premier pays qui se présente, on s'en fout, même s'il a rien à voir dans l'histoire, et en l'occurrence c'est tombé sur la gueule de l'Irak, et de l'autre côté les démocrates qui eux trouvaient des circonstances atténuantes, David Zucker, au terrorisme, comme quoi finalement on paye pour ce qu'on a semé, Donc il a pété un plomb. Et il s'est mis à se radicaliser, en tout cas à virer à droite, à virer républicain. Mais comme on le sait, les convertis tardifs sont les pires, en fait. Il est hardcore, quoi. Il est devenu plus républicain que les républicains. Il a fait pour cette administration des spots de campagne. Donc, un sur les taxes qui s'appelait The Taxman, et un autre dans lequel on voyait Madeleine Albright tondre la pelouse de Ben Laden, ce genre de truc, complètement sur le mode donc des parodies pour lesquelles les As étaient connus, avec le genre de gag pour lesquels les As étaient connus. Je me demande même s'il n'y a pas un ou deux comédiens de seconde zone. Bon, bref. Et cette logique l'a poussé à son film de droite, quoi, qui est l'American Carol. De droite, c'est un euphémisme. Ouais. qui est donc l'histoire d'un documentariste qui s'appelle Michael Malone, mais donc qui bien sûr fait référence à Michael Moore. Donc il est gros, il passe son temps à bouffer, c'est un gros porc. Voilà. Il a toujours une casquette. Il faut préciser qu'à l'époque, donc Michael Moore avait vraiment explosé aussi sur le vraiment en mainstream, parce que il venait de gagner la Palme d'Or avec Fahrenheit 911. Fahrenheit 911, qui est parodié dans Scary Movie 4. C'est ça en plus qui est complètement dingue, quoi, dans cette histoire, parce que produit par Weinstein. Enfin, bref. Voilà. Mais j'ai oublié de préciser que dans les années 90, David Zucker avait été conseiller à la campagne de Clinton. Il vient de réaliser un nouveau documentaire qui s'appelle Die You American Pigs, qui donc va s'apprête à avoir l'Oscar. Je crois que cette même année-là, ils font un hommage à Leni Riefenstahl. Enfin bon. Et il va lui arriver, en fait, parce que donc ça s'appelle l'American Carol, en référence à Christmas Carol, qui est de Dickens, qui est un des contes les plus régulièrement adaptés au cinéma que les Américains connaissent bien, dans lequel le personnage de Scrooge va réapprendre, on va dire, valeur de la vie, hein, à travers la visite de trois fantômes, du passé, du présent et du futur. Et donc, c'est ce qui va arriver à ce Michael Malone. Il va recevoir donc la visite de ces trois fantômes. De trois présidents. Trois présidents, je crois. Il y a Patton. Ah oui, il y a Patton, pardon, mais il y a un président dans les trois. Je me souviens plus. Je me souviens qu'il y a Patton, mais... Chanteur de country. Continue. Il va recevoir la visite de trois fantômes. Donc, George Washington. Patton, George Washington. Et chanteur de country, je ne sais plus comment il s'appelle. Et qui est un vrai chanteur de country. Voilà.
Et donc le passé dans lequel il va voir le passé peu glorieux des démocrates, puisque donc ils étaient c'était le sud confédéré esclavagiste, c'était un sud démocrate, le présent et le futur, donc c'est-à-dire en gros ce à quoi va mener tous ces documentaires anti-américains qui passent son temps à faire. Bon, raconté comme ça, son but c'est de détruire l'Amérique. Le but de Michael Malone et de tous ses collègues, c'est de détruire l'Amérique. Donc c'est une charge extrêmement virulente sur toute cette, on va dire, ce qui pourrait représenter une nébuleuse pour quelqu'un de droite, qui est la gauche américaine. Enfin, ce que nous en France on appelle la gauche. Et il rentre dans les brancards avec une telle énergie et une telle mauvaise foi, violence ouais. que ça en devient subjugant. Déjà, il va chercher tous les acteurs républicains John Voight, t'as Dennis Hopper, James Woods. T'as, alors moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est le fameux réalisateur oscarisé, qui a fait un film, je crois, sur il parodie Clooney, qui a fait un film sur le maccartisme, en fait, un grand film, parce qu'il se fout de la gueule du truc, genre un grand film engagé sur le maccartisme, 50 ans après, tu vois. C'est Kevin Sorbo, le mec qui joue Hercule, c'est ridicule, quoi. Il y a Robert Davi. Ouais, voilà. Il y a Robert Davi en terroriste. Ouais, c'est complètement dingue, quoi. Il joue Aziz, ouais. C'est pas un film drôle. C'est sinistre, hyper glauque, quoi, parce que c'est tellement violent, il y a que de la rancœur. Il faut imaginer Scary Movie 3 ou 4, mais en fait, avec une charge politique ultra violente, ultra mauvaise foi, comme tu dis. En fait, les gags sont pas drôles, mais encore une fois, leur violence les rend subjugants. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas détourner le regard du film, tellement les choses s'enchaînaient. C'est un objet étonnant. C'est un ovni, ouais. Il passe 3 minutes sur un gag dans un truc associatif sur le fait que les deux lesbiennes, le mec les confond avec des hommes, quoi. Il n'arrive pas à y voir des nanas, tu vois. Qu'il y a un gag qui était déjà dans High School High, en fait. Mais ils le font tout le temps. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'en fait, c'est ce qui est désarmant avec ce film, c'est que tu peux pas dire que c'est pas un film de Zucker, parce que il utilise vraiment les gags qui font déjà, bien sûr, en fait. C'est juste qu'en fait, plus ça avance. Les mécanismes aussi, notamment sur les conséquences. Voilà, et plus ils sont, tu te dis, putain, le vieux con, quoi, le vieux ringard. Quoi, le vieux réac, en fait. Le vieux réac, quoi. Et il y a des moments, où on part carrément dans la stratosphère. Je pense notamment dans toute la partie future où Michael Malone découvre un Hollywood complètement islamisé, où les nanas portent du Gucci mais avec le voile, et où t'as l'appel du muezzin au-dessus du sigle Hollywood, quoi. Allah Akbar. Et là tu fais waouh. Mais bizarrement énergique, en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement en colère. Oui, mais contrairement à des Scary Movie 3, 4, oui, etc. C'est-à-dire que là, tu sens qu'il y a quelqu'un à la barre. Il y a quelqu'un à la barre, voilà. Tu sens que t'as pas envie de fréquenter. On est d'accord. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais cette violence, parce que, d'une certaine façon, ce qu'ils ont perdu aussi avec les années, c'est que dans les 70s, ils étaient carnassiers, en fait. La façon avec laquelle ils parodiaient ce qu'ils aimaient, elle était virulente. Oui, mais c'était une énergie positive. Exactement, encore une fois, exactement. Le truc, en fait, c'est que c'est l'inverse de ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'avant, ils parodaient des choses qu'ils aimaient. Ouais. Après, ils ont parodié des choses dont ils n'ont rien à foutre. Ouais. Parce qu'à mon avis, Scary Movie, c'est ça. C'est pas qu'ils n'aiment pas ces trucs-là. Ils sont balèques, quoi. Mais même la Guerre des Mondes de Spielberg, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre, quoi. Et là, ils parodient ce qu'ils détestent. Mmh. Et c'est rare, en fait. Finalement, c'est rare au cinéma, tu vois. Et enfin, le fait dans un acte c'est un film assez. Ouais. Il n'y en a pas d'autres, quoi. Il le fait dans un acte quasi suicidaire. Moi, je pense que lui, il est convaincu de son bon droit. Non, vois, quand il fait par ça, rapport quoi, à sa carrière, j'entends pas. Ah, il n'y en a plus. Mais il dit Hollywood est prêt à pardonner tous les problèmes de drogue et d'alcool, mais je pense sincèrement qu'un républicain là-bas ne peut pas être réhab. C'est quoi le terme? Enfin, revenir, quoi, être... Soigné, en fait. Ouais. C'est vu comme une maladie, ce qui, d'une certaine façon... David Zucker. Et la raison aussi pour laquelle il se chope
les John Voight et les Robert Dallier, c'est parce que eux-mêmes, James Woods, eux-mêmes ont une énorme, énorme rancœur vis-à-vis du fait que leur il y a tout un pan politique américain qui est vraiment non grata à après il s'est foutu dessus quoi, mais il y a un truc en plus d'ailleurs chez ce mec là qui est un peu j'allais dire mortifère, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un truc dans sa gueule et dans son attitude. Chez David Zucker aujourd'hui. Bah c'est un dépressif. Hein, qui est extrêmement désagréable. Mmh. C'est-à-dire que Abrams, Jerry Zucker et tout, c'est pas pareil. C'est des vieux monsieur installés, comme tu le disais, bourgeois, très certainement. Et avec ce truc-là et tout. Mais tu vois, Jerry Zucker, il a. Pour les besoins du podcast, j'ai vu un. Je vous conseille d'ailleurs, si vous comprenez l'anglais, il a donné une conférence à Google. Par exemple, qui il y a pas très longtemps, il est plein d'humour, il est encore très drôle, quoi. C'est marrant, c'est triste parce que tu dis, mais pourquoi tu essayes pas de faire fructifier un peu ça aujourd'hui, quoi. Tu vois, quand tu vois les films qu'il livre depuis maintenant un moment, quoi. Mais alors que son frère, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, je ne vois pas de, j'ai pas vu de conférence entre eux trois depuis un moment. Il y a un truc. Je pense que lui, en fait, le hardcore républicain, c'est pas du tout le cas des deux frangins. Ça les a séparés. Moi, je suis ami entre guillemets sur Facebook avec Pat Prof, parce que c'est pour voir un peu sa carrière, pour suivre. Justifier. Non mais voilà, et en fait le truc c'est que lui clairement, comme pas mal de gens, comme Karl Reiner avant qu'il décède d'ailleurs, sur Twitter ou ce genre de choses, en fait c'est des gens qui tweetent sur la politique, et Pat Prof il se fout ouvertement de la gueule des républicains actuels et passés, hein, de toute façon. Donc voilà, donc je pense qu'en fait il se sent bien seul, David Zucker, à mon avis, dans tout son groupe de potes, quoi. C'est-à-dire Leslie Nielsen, il apparaît là-dedans comme il a apparu dans les Scary Movies. Tu sens qu'il est là parce qu'il considère que Zucker a fait sa carrière. Voilà, hein, et qu'en en fait il cachetonne, il vient chercher son petit cachet, c'est triste, quoi, tu vois, voilà. Mais c'est vrai qu'on termine sur ce film-là parce que c'est un film qui, quelque part, en fait, est son vrai film d'auteur, en fait, aujourd'hui. C'est ça qui est étrange, en fait. C'est horrible, bizarre, ouais. Et qui a été un objet extrêmement embarrassant pour la presse américaine républicaine et conservatrice. Même s'il pouvait être d'accord avec certaines vues extrêmes montrées dans le film, comme le dit Julien, ça pue tellement la hargne et la violence que ça joue contre eux. Ouais, hein, qu'ils se sont dit, on va pas mettre ça en avant, quoi. Non, c'est sûr. C'est pas du tout un film malin, quoi. Mmh. C'est un film de bourrin, mais de bourrin parce que le mec, comme tu le disais aussi, il se fait bouffer par sa haine, quoi. Mmh, mmh. Et encore une fois, je trouve que c'est ça en fait un objet fascinant, quoi. C'est-à-dire, c'est un objet désagréable à regarder, mais assez subjugant, inédit. Enfin, encore une fois, j'ai du mal à trouver un équivalent à ça, quoi. C'est un truc bizarre, quoi. Encore une fois, je pense un film qui a été produit grâce au succès de Scary Movie. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans son fonctionnement à lui où il s'en va dire complètement sa beauté vis-à-vis de comment dire, artistiquement, vis-à-vis de Scary Movie 3 et 4, qui sait dire qu'il a laissé faire les Weinstein, parce que c'est des films où tu sens que c'est du lol par procuration, c'est-à-dire tu sens que tu vois bien l'exécutif rentrer dans la table de montage faire ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est drôle. Du coup, mais le mec rigole pas, tu vois. Juste, il se dit que c'est drôle parce qu'en fait, c'est tendance, tu vois. Et voilà. Donc, ce qui est quand même, quand tu repenses à tout ce qu'on a dit sur ce qu'étaient les As avant, en fait, dans les années 80, c'est un reniement total. Bah, au moins, en fait, je pense que lui, il s'est dit que c'est sa bonne action, quelque part, en fait, parce que mine de rien, il l'accroche quand même à un compte moral, en fait, si tu veux. Et c'est ça qui est assez fou, en fait, si tu veux. C'est qu'il se rend pas compte à quel point, en fait, son film est extrêmement, insultant. Tout en, comment dire, en essayant de te dire, mais attends, je vais te donner une leçon, moi, je veux que tu comprennes. Il aurait pu faire un film de propagande pour la scientologie, hein, dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, oui, tu regardes le film et tu te dis, mais t'as. Les films de propagande pour la scientologie, ils sont plus rigolos. T'as envie qu'on fasse un podcast sur Battlefield Earth. Il y a un côté, où tu m'emmènes, quoi. Parce que s'il s'agit, enfin, faire de l'humour ultra réac, ça existe sur Internet, ça s'appelle 4chan, et c'est
c'est oui, un mais... lieu de, duquel surgit. Mais bon, 4chan, déjà, tu es en train de lui parler d'un truc qui ne sait pas ce que c'est toi, j'entends par là pour raccorder sur, a priori, les mêmes conneries qu'il venait, mais sur lequel l'humour est réellement hilarant. Moi, je pense que c'est pas une comédie, son film, presque. Sur American Carol, quel que soit ton bord politique, t'es gêné. C'est une comédie, mais c'est un film d'utilité, à mon avis, pour lui. Pour lui, oui, c'est ça. Je pense que lui. C'est pas le cas de ce qu'il faisait avant, finalement. Mais comment se fait-il que rien ne fonctionne sur le plan de la mécanique du rire? Il n'y a rien qui fonctionne. C'est ultra motivé par la haine. Je pense que tu ne peux pas être motivé de A à Z par la haine quand tu fais de l'humour. Encore une fois, que de chemin parcouru, franchement, dans la carrière des Zucker. C'est-à-dire qu'on se doutait en fait que ce serait un peu triste sur la fin et tout, sur les trucs et tout. Mais retenons du coup, pour le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le truc, le bon là-dedans, et c'est le bon, et c'est quoi la leçon en fait de tous ces trucs-là et tout, c'est l'amour, mes amis. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est d'une part comprendre et aimer le métier de cinéma, qu'est-ce que c'est le langage cinématographique, qu'est-ce que c'est de parler, de communiquer avec une caméra une histoire, une image, faire comprendre une situation, qu'est-ce que c'est d'aimer les films et d'essayer de travailler autour de cet amour des films, même si c'est en temps manquant, même si... Mais ça reste productif, c'est-à-dire que même... Je prends un truc un peu plus faible comme Hot Shot 2, enfin pour moi, hein, un peu plus faible en tout cas que Top Secret et Airplane et tout, mais ça reste constructif, c'est-à-dire que ça participe de tout ça en fait, de tout ce qu'il parodie. Et je pense qu'à partir du moment où tu es animé par une énergie négative comme ça. Pire pas que ça, je pense qu'il y a une vision du monde que tu peux pas adhérer en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, en gros, la vision du monde avec laquelle lui il adhère là-dedans, elle est spécifiquement liée à un événement spécifique, qui est le 11 septembre, comme tu l'as dit, et sur lequel découle en fait tout sa peur, tout ce qu'il a toujours craint, et ce qu'il met en avant dans ce film-là. La différence, enfin, nous, pourquoi on a voulu faire ce podcast-là, c'était pour préciser que, en fait, les Zaz, avec tout ce qu'ils ont généré derrière, et tous ces films de merde, en fait, qui ont tenté de les refaire, il y a à la base une vraie proposition de cinéma qui est restée, qui restera quand eux seront morts. Et de parce cinéma, qu'en fait, encore voilà, une fois, et c'est pas ça, de comédie. Voilà, c'est ça et de cinéma, et qui vraiment, en fait, ils ont leur importance dans l'évolution de ce langage, quoi qu'on en pense. Donc le truc, c'est qu'on aime, qu'on s'en fasse rire ou pas. Moi, décidément, un genre bien difficile. Voilà, moi, j'ai vu... Qui n'est pas pérenne. Qui pardonne pas. C'est la comédie, c'est un genre qui pardonne pas. C'est vrai. Hein, moi, je trouve que de la carrière des As, tu te rends compte à quel point c'est fragile, la comédie. À quel point ça demande une énergie, une créativité délirante. Et à quel point t'es vite obsolète, en fait. Et à quel point t'es vite dépassé. Moi, mon anecdote perso, c'est que j'avais vu le film avec mon père. Il y a un flic pour sauver le président. Je l'avais emmené en salle voir ça. Je me suis dit, ça va le faire marrer. Limite insulté en sortant du film, il m'a dit mais tu m'as emmené voir en fait, qu'est-ce que c'est que ça. Donc c'est vrai que c'est pas que générationnel, c'est qu'en fait tu marches ou tu marches pas, c'est une là, donc que t'aimes ou que t'aimes pas, il y a quand même un travail derrière en fait qui pousse justement en fait à une connivence avec le spectateur, et c'est ce qu'on aime nous en fait, c'est ce qu'on a envie de traiter dans le cinéma, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et on va en rester là peut-être parce que je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur American Carol. Moi j'engage quand même les gens qui connaissent les arts à éventuellement jeter un œil là-dessus parce que c'est vraiment, c'est une souffrance, hein, faut le dire, mais c'est plus intéressant que les Scary Movie, mais c'est un film dingue, c'est vraiment un truc. Mais vous allez en tirer plein de gifs animés parce qu'il y a des images tellement improbables. C'est un ovni. Et en fait, moi je vous dis au revoir. On reste là aujourd'hui parce qu'on a quand même fait assez long. Je crois que je suis en train de regarder le compteur. On a fait 33h35 en gros, 30, à peu près. 33h35 comme les autres. Attends, on a fait plus long que Michael Mann. Ça, c'est quand même dingue, hein, tu vois. Non, mais c'est l'ultime gag de ce podcast, de cet épisode. Je rappelle, en fait, on en a parlé en début d'émission. On a lancé un Tipeee cette semaine. Si vous voulez nous soutenir, vous les tapez dans tipeee.com, vous tapez Capture Mag. On est là, vous êtes déjà beaucoup soutenus, on vous remercie, c'est vraiment, vraiment super cool de savoir qu'on compte pour vous comme ça. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux habituels, hein, je le dis à chaque fois parce que ça me saoule, mais je le dis parce qu'Alain Mercier me regarde avec ses gros yeux en me disant faut que tu le dises. Donc on est sur Instagram, c'est lui le vrai chef, Twitter, c'est le vrai chef. Vous l'avez vu, vous l'avez aperçu, mais de façon discrète dans le. Voilà, c'est ça, avec ça. Et en plus, il a voulu vraiment ce genre de. Celui qui tire le fichier. Je suis un mec sympa, je me mets avec ma fille, qui est adorable, alors tu peux pas, tu
tu vas regarder, mais en fait, c'est, voilà. Le Puppet Master, c'est ouais, voilà. Et donc, voilà, on est sur Instagram, Twitter, Facebook, voilà, c'est là où vous pouvez nous suivre. Sur Capture Mag, hein, vous tapez les mots-clés habituels. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, vous pouvez nous écouter sur YouTube. On fait aussi des vidéos sur YouTube, ça s'appelle Stéroïdes, c'est sur le cinéma d'action, bon, on va en faire d'autres. Et gardez de, comment dire, aller checker éventuellement sur le Tipeee, parce que s'il y a des modifications à venir par rapport au programme, on etc., vous tient au courant, sera, exactement, voilà, c'est ça, courant, toutes ouais. Les news vont partir par là aussi, même si on va aussi les relayer au bout d'un moment sur les réseaux sociaux, mais il y a des surprises qui attendent les tipeurs, en fait, peut-être des podcasts en avance, ce genre de choses, etc., etc. Quand on arrive à le faire, on est en train de se mettre en place là-dessus, quoi. Donc peut-être que celui-là n'arrivera pas forcément en avance, mais en tout cas, les autres, on va essayer de faire en sorte que, quoi. Donc bah, merci à tout le monde, merci à vous les gars, merci à Alain, merci à la technique, et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci Alain.